Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc pour ce conseil municipal lors duquel nous allons avoir notre débat d'orientation budgétaire, ce qui est toujours un moment important de la vie d'une ville. J'invite en premier lieu Madame Lucie Boquet à procéder à l'appel. Merci, bonsoir à tous. Gustave Dassonville. Présent. Gauthier Desplanques. Présent. Véronique Six. Présent. Yvan Aignon, représenté par Gauthier Desplanques. Lydie Vivier. Présent. Patrick Splett. Présent. Marie-Thérèse Canotte. Présent. François Dedriver. Présent. Aline Corbillon. Présent. Laurent Meunier. Présent. Pascal Van Vlassetbroek. Présent. Georges Canotte. Présent. Dominique Cohn. Présent. Dominique Voûte. Présent. Philippe Dosière. Christophe Bécard. Présent. Sylvie Derden. Présent. Laurence Van de Velde. Présent. Isabelle Cornette. Présent. Céline Demangon, représentée par Lydie Vivier. Frédéric Kranowski. Présent. Lucie Boquet, présente. Michael Dirix, représenté par Lucie Boquet. Christine Guéquière. Présent. Jean-Marc Duopa. Présent. Virginie Collier-Splett. Fabiola Carré. Jocelyne Lefebvre. Sylvie Gilmé, présent. Alain Cap, présent. Yasmina Chigri, présent. Laurent Corr, présent. Jean-François Caron, présent. Marie-Paul Eblé, présent. Jean-Christophe Détailleur. Présent. Merci. Merci Madame Boquet, le quorum est donc atteint sans peine et nous allons pouvoir valablement délibérer. Bon, vous avez observé que nous avons à l'ordre du jour 24 délibérations, dont le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Alors, comme d'habitude, encore que ce n'est pas forcément à chaque conseil, hein, ça dépend du nombre de décisions que j'ai eu à prendre en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Mais cette fois, vous avez le relevé donc des décisions que j'ai été amené à prendre. Les textes, je vous le rappelle, indiquent que le maire donne communication à tous les membres du conseil municipal de la liste de ces décisions qui ne donnent lieu ni à questions ni à débat. Vous avez dû les trouver sur table en arrivant. Alors, avant d'attaquer l'ordre du jour, je souhaite aussi vous indiquer que j'ai reçu il y a quelques jours un projet de vœu du groupe 100% Aluin. Nous évoquerons cette question en fin de conseil, lorsque nous aurons délibérer sur tous les points qui sont à l'ordre du jour. J'aimerais faire une petite mise au point, puisque j'ai trouvé, comme vous toutes et vous tous, je pense, en arrivant sur table, deux documents qui auraient été mis sur table par M. Détailleur et Mme Eblé. L'un des deux, c'est le projet de vœu que nous évoquerons donc en fin de conseil. L'autre est un document qui concerne notre débat d'orientation budgétaire. Je tiens quand même à rappeler aux membres du groupe 100% Aluin que les textes qui régissent les séances du conseil municipal vous font obligation de demander l'autorisation du président de l'Assemblée délibérante, à savoir moi-même, en ce qui concerne le conseil municipal, avant de mettre des documents sur table. Je vois que M. Détailleur en est d'accord. Bon, je vais pas, on va pas faire un scandale, hein, M. Détailleur, rassurez-vous. Hein, c'est... Mais bon, je tenais à faire cette petite mise au point parce que si imaginez que tout le monde fasse cela, que chaque conseiller municipal mette sur table, voilà, donc ça nous ferait 35 documents, donc ça nous ferait ça à peu près, ce serait pas gérable. Donc merci à l'avenir de bien vouloir respecter les textes et me demander si vous avez mon accord pour ce faire. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc nous allons attaquer donc l'ordre du jour, et l'ordre du jour nous conduit
Donc, au débat d'orientation budgétaire, donc pour l'exercice 2016, je vais donner dans un instant la parole à M. Desplanques, notre adjoint aux finances et premier adjoint. Juste avant, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que suite à la loi NOTRe, il y a un petit changement en ce qui concerne le DOB, et le ROB, parce que le rapport d'orientation budgétaire, c'est le ROB. Vous l'avez d'ailleurs dans vos dossiers, normalement. Le DOB, c'est le débat que nous avons sur ce rapport. Et désormais, alors que traditionnellement, il n'y avait jamais de vote, c'était un débat qui n'était pas suivi d'un vote, désormais, il y a un vote, mais qui n'est pas un vote sur le fond. On ne vous demandera pas si vous approuvez ou si vous désapprouvez les orientations budgétaires. On demande simplement aux conseillers municipaux s'ils donnent acte au maire de ce que le débat a eu lieu. C'est simplement ça, c'est un petit changement. Et d'ailleurs, hier au département, puisque nous avions une séance plénière du conseil départemental, la même nouveauté a eu lieu et le président Le Cerf a dû également sur le rapport d'orientation budgétaire du département. Il a dû demander à tous les conseillers départementaux s'ils lui donnaient acte de ce que le débat avait eu lieu. Ce sera pareil chez nous, c'est la même chose dans les communes. Voilà, je donne la parole maintenant à M. Desplanques qui va donc, par son exposé, lancer notre débat d'orientation budgétaire. M. Desplanques, vous avez la parole. Bonsoir. La loi NOTRe donc prévoit également d'autres petites modifications à la présentation du DOB. En particulier, donc, on doit présenter une évolution prévisionnelle des dépenses du personnel et une évolution de la structure de la dette, donc ce qui a été fait dans ce rapport. Nous sommes donc partis de la situation mondiale, de l'économie mondiale, qui aujourd'hui connaît quelques difficultés, notamment avec la baisse de la croissance en Chine, également des inquiétudes sur la baisse des investissements aux États-Unis. Il faut ajouter à ça qu'il y a deux pays très importants dans l'économie mondiale qui aujourd'hui sont en récession, la Russie et le Brésil, ce qui peut amener donc des problèmes sur la croissance au niveau de la France également. Au niveau de l'Europe, la Banque européenne a poursuivi sa politique d'injection de liquidités afin de faire baisser le cours de l'euro, ce qui permet une plus grande facilité pour les entreprises à exporter, donc ce qui génère de la croissance supplémentaire, ce qui a un effet par contre négatif au niveau de la ville d'Aluin, puisque c'est la parité entre le franc suisse et l'euro qui est toujours très faible et qui impacte directement notre emprunt toxique. Au niveau national, la politique du gouvernement est toujours de réduire les déficits publics pour les amener à 3% ainsi que le pays s'y est engagé. Il y a un petit bémol à mettre vu les annonces qui ont été faites suite aux attentats du mois de novembre où effectivement des crédits supplémentaires seront dégagés pour la police, pour la justice. Donc ça peut venir impacter cette baisse du déficit et la ralentir tout au moins. La croissance attendue en France par la Banque de France est de 1,2% pour l'année 2015. Mais elle a été revue à la baisse pour l'année 2016 et 2017 à 1,4 et 1,6%, ce qui est encore insuffisant pour pouvoir réduire durablement le chômage. On attend toujours une consommation relativement importante des ménages, qui est aujourd'hui le principal moteur de l'économie française. Et les investissements des entreprises sont aujourd'hui à la hausse, ce qui est plutôt un point positif. Le chômage devrait rester stable ou légèrement augmenté dans les années à venir encore. Alors, point légèrement augmenté ou légèrement baissé, mais on n'attend pas de mouvement à la baisse très très important. Après, la loi de finances 2016 prévoit donc la continuation de la diminution des dotations aux collectivités locales.
Elle est de 3,67 milliards d'euros pour l'année 2016 et devrait être du même montant pour l'année 2017, ce qui représente un peu plus de 403 000 euros de recettes en moins pour la ville d'Alluin. Les modalités de calcul de la DSU vont être modifiées. Aujourd'hui, les 250 villes les plus pauvres, entre guillemets, de France, et ce n'est pas seulement un problème de pauvreté, c'est aussi un problème de structure, de population. Enfin, il y a pas mal de critères qui rentrent pour établir ce calcul. Aujourd'hui, elle touchait donc 97% des augmentations de la DSU, elles n'en toucheront plus que 61% l'année prochaine. Et ce montant en moins versé aux 250 communes les plus pauvres sera redistribué aux communes situées entre le rang 250 et 500. Alluin donc devrait en profiter un petit peu. Le FCTVA va être élargi également à des dépenses de fonctionnement concernant les contrats d'entretien essentiellement, alors que jusqu'à présent c'était réservé aux dépenses d'investissement. Et il y a l'introduction d'une norme de dépenses publiques locales qui a été définie, à savoir que donc chaque type de collectivité locale a des objectifs à atteindre en termes d'augmentation de ses dépenses. Pour les communes, c'est 1,20. Et comme vous le verrez un peu plus tard, la commune d'Alluin, elle, sur les premières prévisions que l'on peut faire, serait à moins 1,2. Donc une diminution des dépenses de la ville d'Alluin en 2016. Le fonds de soutien au développement de l'aménagement des rythmes scolaires est pérennisé pour l'année 2016. Donc pour la ville d'Alluin, les orientations budgétaires vont être de continuer à diminuer ses coûts de fonctionnement. Nous avons fait d'abord des différents tableaux sur les recettes de fonctionnement. Après, vous avez un tableau sur l'évolution des recettes des impôts locaux. Elles sont en légère hausse chaque année due à la revalorisation des bases, puisque nous n'avons pas touché au taux d'imposition et nous n'y toucherons pas non plus en 2016. On peut remarquer que les taux d'imposition ont augmenté entre 2009 et 2012 et se sont donc stabilisés depuis. Vous avez après un tableau sur l'ensemble des recettes de la ville pour les impôts et taxes par catégorie. Après, nous attaquons donc au niveau des recettes de fonctionnement les dotations et les subventions que nous percevons. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la dotation de l'État va être amputée de 400 000 euros environ. Ces 400 000 euros vont donc cette baisse de 400 000 euros a lieu en 2015, aura lieu en 2016, en 2017, ce qui représente 1 200 000 euros. Et si on avait voulu le compenser, il aurait fallu augmenter les taux d'imposition de 15%. Après, nous attaquons les dépenses d'exploitation. Vous avez un graphique qui montre donc l'évolution des dépenses d'exploitation entre 2014 et 2017. Vous voyez qu'au total, en 2014, il y avait plus de 21 millions de dépenses en fonctionnement et nous serons à 20 285 000 en 2017, selon les projections qui peuvent être faites actuellement. C'est ce vers quoi on tend aujourd'hui. Les charges de personnel ont baissé en 2015 de 500 000 euros par rapport à l'année 2014 et il est prévu de continuer à les diminuer en utilisant les leviers
de diminution du recours aux heures supplémentaires, d'annualisation du temps de travail et de mutualisation entre les services. Les subventions aux associations restent stables. Et vous avez un tableau qui montre l'évolution des charges à caractère général et on voit donc une diminution à partir de l'année 2012 de ces charges. Vous avez ensuite, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, plusieurs tableaux concernant les intérêts et l'encours de la dette. On voit que l'origine de la dette se situe sur le mandat 2001-2008, puisque 26 400 000 euros ont été empruntés sur ces 7 années, contre 2 800 000 sur le mandat 2008-2014, et zéro à présent sur ce mandat-ci. Nous avons également fait un tableau concernant l'évolution du remboursement de la dette en séparant les intérêts et le capital. Et l'on peut voir qu'en 2015, pour la première fois et l'unique fois, le montant des intérêts à payer est plus important que le montant du capital à rembourser. Ceci étant dû à cet emprunt toxique indexé sur le franc suisse, puisqu'il y a eu une augmentation des intérêts d'environ 500 000 euros. Nous avons également fait un tableau concernant l'épargne et les prévisions sont qu'en 2016, normalement, nous devrions avoir un excédent de fonctionnement qui couvrirait l'annuité de la dette en 2016. Au niveau de la section d'investissement, on peut noter que le patrimoine immobilier public n'a pas été entretenu pendant des années et donc il a fallu mettre en œuvre un plan pluriannuel d'investissement afin de remettre aux normes un certain nombre de bâtiments. En 2016, les investissements porteront donc sur les travaux d'entretien du patrimoine municipal, la mise en place d'une nouvelle tranche d'installation de vidéoprotection. La poursuite du renouvellement du parc logiciel, est, donc c'est surtout réaliser ce qui n'a pas pu être fait en 2015, puisque les études, les lancements des marchés, les procédures ont mis plus longtemps que nous l'espérions, donc une partie n'a pas pu être faite en 2015 et sera donc faite en 2016. L'optimisation du patrimoine communal et les travaux d'aménagement du site néologue qui représenteront la plus grosse partie de l'investissement 2016. D'autres sujets sont également à travailler, comme l'éclairage public, qui est obsolète sur pas mal de voies aujourd'hui, obsolète en termes de sécurité parfois. Il y a des rues sur lesquelles les poteaux deviennent dangereux, il va falloir les changer, et obsolète également sur le mode d'éclairage. Aujourd'hui, il reste des ampoules qui sont fort consommatrices d'énergie, et il s'agira de les remplacer afin de diminuer également les coûts de fonctionnement de la ville. Donc, nous avons fait une prévision sur les investissements. Donc, vous avez un tableau avec l'acquisition et les travaux du site néologue pour 1 800 000 euros, qui devrait se faire à cheval sur l'année 2016-2017. L'éclairage public en 2016, 150 000 euros. La vidéoprotection en 2016, 100 000 euros. La réfection du moulin en 2017, 158 000 euros. Les travaux sur les bâtiments publics en 2016, 250 000 euros. Et on peut penser qu'en 2017, ce sera un montant du même ordre. L'équipement informatique, logiciel et le standard téléphonique pour 350 000 euros et les équipements des services, 150 000 euros. Là aussi, l'équipement des services, il s'agit en partie de renouveler le parc automobile qui est très vieillissant et qui induit des frais d'entretien importants. En matière de recettes d'investissement, elles seront composées de l'excédent dégagé par la section de fonctionnement, du produit attendu au titre du FCTVA pour 320 000 euros, de la taxe d'aménagement évaluée à 15 000 euros, du montant des dotations aux amortissements estimé à 380 000 euros, des subventions attendues du conseil départemental donc pour près de 240 000 euros. Il s'agit essentiellement de subventions sur des dossiers relativement anciens, 139 000 euros pour les terrains synthétiques vanqués et 99 000 euros pour les travaux d'accessibilité de la bibliothèque. Du recours à l'emprunt budgétaire éventuel et des produits de cession d'immobilisation en cours et à venir.
Nous avons listé les bâtiments qui seront vendus. Vous avez donc les parcelles de la rue des Prés pour 450 000 euros, le terrain du Vieil Édain pour 75 000 euros, les bâtiments de la rue des Frères Martel pour 100 000 euros, les terrains rue des Frères Martel 145 000 euros. Et d'autres opérations vont être initiées. Il y a une délibération plus tard pour les vieux amis. Donc l'immeuble du 24 rue de Lille pour 125 000 euros, l'immeuble du 111 rue Gustave Demet pour 110 000 euros et le logement de fonction de la rue Berlioz pour 235 000 euros. Voilà. Merci Monsieur Desplanques, c'était comme d'habitude assez concis et surtout clair. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Pour un débat, ça vaudrait mieux. Donc, Madame Eblé, Monsieur Caron, ce sera tout ? Donc, Monsieur Détailleur aussi. Madame Lefebvre, vous avez levé le bras ou j'ai rêvé ? Non. Donc, non, vous avez fait un geste, mais ce n'était pas pour demander la parole. Monsieur Cor également. Donc, on aura Monsieur Cor, Monsieur Caron, Madame Eblé et Monsieur Détailleur. D'accord, oui, donc vous serez à 4 a priori à intervenir. Très bien, donc il y a une seule dame sur les 4. Vous connaissez la jurisprudence ici. La galanterie prévaut. Donc, Madame Eblé, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme nous aimons la clarté et la précision, nous avons souhaité apporter un petit complément d'information au schéma de la page 13. Qui évoque l'autofinancement. Donc la question étant, est-ce que l'autofinancement suffit pour rembourser le capital de la dette ? Alors le petit graphique rouge là, que vous avez sur vos tables, je n'ai pas inventé les chiffres, ils viennent du ministère des Finances. Et pour expliquer un petit peu, nous avons donc l'obligation de respecter trois règles d'équilibre budgétaire. Bon, première règle, l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Par exemple, en 2014, on n'était pas en équilibre puisque vous avez fait 812 000 euros de déficit. Deuxième règle, équilibre de la section de fonctionnement et équilibre de la section d'investissement. Et la troisième règle, c'est que l'épargne, en gros, de la ville doit arriver à financer le remboursement du capital de la dette. Or, quand on regarde un peu, je vais dire depuis l'an 2000, on se rend compte que les années 2014 et 2015, donc vos deux premières années, sont exactement dans la droite ligne de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008. Alors, vous nous annoncez maintenant qu'en 2016, nous respecterons la loi. Ce serait une bonne nouvelle si, pour équilibrer les comptes, vous n'étiez pas en train de vendre soit au rabais, soit à la découpe, des éléments du patrimoine communal qui sont utiles aux Aluinois. Comme l'ancien café Les Vieux Amis, par exemple. Ah, bah justement, je tombe sur le mauvais exemple. Bon, enfin, j'en ai d'autres, mais la parole est à vous. Monsieur Caron, je vous en prie. Alors, je ne sais pas, à moins que Monsieur Desplanques souhaite répondre à Madame Eblé, parce que ça va faire beaucoup, sinon, peut-être. Oui, alors on va faire ça, Monsieur Caron, si vous permettez. Parce que sinon, ça va faire, au lieu de faire 5-6 points, ça va faire à la fin une trentaine de points. Et pour Monsieur Desplanques, ça va être compliqué. Donc, Monsieur Desplanques va répondre tout d'abord à Madame Eblé. Et ensuite, Monsieur Caron, vous aurez la parole. Alors, tout d'abord, Madame Eblé, concernant l'équilibre budgétaire global, si effectivement le budget est forcément à l'équilibre, un compte d'administration n'est jamais ou quasiment jamais à l'équilibre. Et donc, il n'y a pas de choses hors la loi quand on fait un déficit ou un excédent sur une année. Bien sûr que si. Vous dodelinez de la tête, mais si. Le budget seul doit être en équilibre. Et puis, vous parlez d'un déficit en 2014.
Je vous rappelle que nous arrivons en 2014. Et que, oui, non, mais c'est pas un déficit dû à notre action. D'autre part, il n'y a pas obligation pour les communes d'avoir un prélèvement de la section de fonctionnement supérieur au remboursement de la dette. C'est une préconisation, mais la loi dit que c'est les ressources propres de la ville qui doivent le couvrir. Et il n'y a pas que le prélèvement de la section de fonctionnement qui entre en compte. Il y a également le FCTVA, diverses subventions qui peuvent être reçues. Donc la loi a toujours été respectée à ce niveau-là. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, Madame Eblé. Autrement, nous aurions déjà la Chambre régionale des comptes qui serait là. C'est une évidence. Non, ce n'est pas une obligation. La loi a été respectée. Et dernièrement, vous faites des confusions, Madame Eblé. Le fait de vendre des immeubles ne rentre absolument pas dans ce débat-là, puisque les ventes d'immeubles entrent en produit de la section d'investissement et absolument pas au niveau de la section de fonctionnement. Nous ne dégagerons pas un excédent supplémentaire au niveau de la section de fonctionnement. Bah, si. Merci, Monsieur Desplanques. Monsieur Caron, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, alors je ne rentrerai pas dans ces considérations techniques et j'ai aucun doute à ce que le budget soit sincère. Ce qui est plutôt intéressant, c'est par rapport à ce débat d'orientation budgétaire, c'est les choix que vous êtes amené donc à réaliser pour l'an prochain. Et j'ai quelques remarques et aussi des questions, parce que je pense qu'on est dans le temps du débat. Donc on a la possibilité de vous poser des questions et je ne doute pas que vous aurez un plaisir d'y répondre. Donc quelques remarques, notamment sur la section de fonctionnement. Donc on comprend bien que des économies sont à réaliser. La seule chose, c'est que dans le document, on constate que toutes ces économies, eh bien, elles sont supportées par les salariés de la ville. Tout est, je dirais, sur le dos des salariés de la ville. Il n'y a rien, absolument rien, si vous voulez, qui est indiqué, qui est prévu concernant donc les dépenses de fonctionnement hors charge de personnel, qui représentent quand même 40% du budget. Donc sur ce point-là, on n'a aucun point particulier, aucune orientation budgétaire précise. Donc la question se pose, c'est comment va-t-on faire supporter donc toutes ces baisses aux salariés? Alors vous avez donné quelques éléments de réponse. Vous aviez donné un autre élément de réponse en commission, c'est-à-dire la prime sur le 13e mois. Alors si j'ai bien compris, mais je voudrais quand même avoir une confirmation, parce que sait-on jamais. C'est le vendredi soir, donc parfois on est un peu fatigué, mais il me semble que vous aviez bien dit que la prime sur le 13e mois des salariés allait diminuer. Donc ça faisait partie justement des efforts qui étaient à consentir par les salariés. C'est ce qui a été dit. Je pense que certainement M. Desplanques et M. le maire diront non, mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est ce qui a été dit. Donc ça, c'est le premier point. Vous demandez aussi des efforts aux salariés, et ça, je pense que vous ne pouvez pas dire non. Par contre, là aussi, vous ne dites pas tout. Je voudrais quand même revenir sur un point, c'est que vous ne mentionnez pas le montant du salaire que vous versez toujours à l'ancien directeur général des services. Ça, je ne vais pas le citer. Mais concrètement, aujourd'hui, la ville d'Allumin, parce que vous avez renvoyé le directeur général des services, parce que manifestement, il y avait un petit souci de recrutement, enfin, je ne veux pas rentrer dans les considérations, toujours est-il que les effets sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville d'Allumin doit payer le salaire de l'ancien directeur général de service. Donc on aimerait bien savoir à combien ça s'élève, concrètement, charges patronales comprises. Je pense que ça doit représenter quelques dizaines de milliers d'euros, à mon avis, donc, et ça pèse bien évidemment sur le budget. Donc ça, c'est concernant la section de fonctionnement. Concernant la section d'investissement, donc on parle de section d'investissement, c'est le terme budgétaire, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu la section de désinvestissement de Monsieur le maire vis-à-vis d'Allumin. Je dis désinvestissement parce que par rapport aux projets qui sont proposés, il n'y a presque rien de nouveau. Il y a deux projets essentiels. Il y a Néologue. Et Néologue, c'était déjà un projet qui était initié par la précédente majorité. Et pas financé. Qui était initié par la précédente majorité. Et pas financé. Si, il était financé parce que le budget avait été voté. Non. Et comme vous l'avez bien dit, et M. Desplanques l'a dit également, le budget doit être équilibré. Donc lorsqu'il a été voté l'investissement sur Néologue, forcément, il était financé. On n'a pas souvenir, Monsieur le maire, que vous ayez réagi à ce moment-là sur un budget déséquilibré. Je ne crois pas. Monsieur De Driver et Monsieur Desplanques qui ont travaillé avec moi au plan de financement qui existe aujourd'hui, vous pourrez vous en dire deux mots. Est-ce que vous leur avez présenté le budget à l'époque qui avait été voté? Néologue, mon prédécesseur s'était engagé à acheter, mais il n'avait pas prévu avec quel argent.
Enfin, toujours est-il que c'est je bien un projet... Je rappelle d'ailleurs que cette salle dans laquelle nous sommes oui. également n'était pas payée, et ça aussi, il a fallu qu'on s'en occupe. Oui, ça, ce sont les arguments classiques, mais toujours est-il que vous reprenez ce projet. Il y a toujours nos limites avec vous, mais... Je voulais juste, si vous voulez bien, monsieur le maire, continuer, parce que j'ai des questions à vous poser. Vous aurez tout le loisir, en plus, de répondre, monsieur le maire, qui menez les débats. Allez-y, poursuivez. Donc, c'est bien un projet qui est repris. Vous lancez les polémiques les unes après les autres. C'est un projet qui avait été initié par la précédente majorité. Et ensuite, je voudrais, concernant les caméras de vidéosurveillance, vous êtes bien d'accord avec moi, avec nous, que c'est là aussi dans le prolongement de ce qui avait été donc déjà initié par le passé sur les caméras de vidéosurveillance. Il y en avait eu de décidées par la précédente municipalité. Je m'en suis jamais caché. De toute façon, les Aluinois le savent. Et je vous rappelle que, étant dans l'opposition, j'ai toujours voté pour. Oui, mais vous étiez plutôt alors contre. Alors on continue, c'est cohérent. On se souvient de certains propos où, lorsque vous disiez que ces caméras étaient de la poudre aux yeux. Alors j'invite éventuellement les uns et les autres l'époque où on les voyait pas, où on les voyait pas fonctionner. Non, ça c'était avant, je me doute. Certainement, on n'a pas de doute là-dessus. Ah, toujours est-il que sur les deux principales ligne de la section d'investissement, c'est dans le prolongement de ce qui avait été décidé précédemment. Alors, malgré tout, il y a quand même une petite nouveauté par rapport à ce que vous proposez, donc ces fameux outils informatiques. Hein, vous nous dites effectivement qu'on va continuer comme ça à développer ces outils informatiques. Je voulais juste rappeler le coût, c'est 500 000 euros. C'est quand même un demi-million d'euros pour des outils informatiques. C'est quand même un certain coût. Alors, c'est vrai que ces outils, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître... J'en suis aussi consommateur. On peut payer très facilement ses factures sur Internet. Les Aluinois peuvent très facilement payer leurs factures sur Internet. La seule chose, c'est que c'est très bien, sauf que les factures ne font qu'augmenter. Hein, quand vous payez la restauration scolaire, quand vous payez la garderie, quand vous payez les ASH, eh bien, vous constatez que les factures ne font qu'augmenter. Alors, monsieur le maire, j'aurais tendance à dire que si vous investissez pour pouvoir réclamer toujours plus d'argent aux Aluinois, surtout ne vous forcez pas. Surtout ne vous forcez pas. Par contre, par rapport à ce qu'il y a pu être dit, notamment dans la presse, c'est vrai que vous dites notamment qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, et c'est ce qui est repris dans le débat d'orientation budgétaire. Je voudrais simplement dire là aussi qu'au niveau des recettes, il y a une chose que vous ne dites pas, c'est la hausse des tarifs. En 2015, vous avez augmenté les tarifs en moyenne à peu près de 2%. Et je dis bien une moyenne, sachant que l'inflation est nulle. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 et ce que je pense qu'il se passera en 2016, c'est que tout simplement, vos décisions font que les Aluinois ont moins de pouvoir d'achat. Donc c'est bien beau de dire, mais on ne va pas augmenter les impôts, peut-être les baissera-t-on, mais si on les baisse de quelques dizaines d'euros et qu'en contrepartie, on augmente les tarifs, notamment la restauration scolaire, et que vous payez là par contre plusieurs centaines d'euros par an, eh bien au final, qu'est-ce qui paye? Eh bien ce sont les Aluinois. Je voudrais terminer juste sur un point. Sur la section d'investissement, c'est au niveau des travaux, et vous parlez notamment des travaux donc, concernant les écoles. Alors, j'ai posé aussi une question en commission finance, à savoir quelle était la nature de ces travaux. Et là, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai eu aucune réponse, c'est-à-dire que concrètement, on ne sait pas. Donc la commission s'est passée il n'y a pas très longtemps, elle s'est passée il y a à peu près une semaine et demie. C'est-à-dire que fin janvier 2016, vous ne savez toujours pas quels seront les travaux à réaliser dans les écoles publiques. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, monsieur le maire, lorsque vous êtes arrivé, que les écoles publiques étaient dans un état catastrophique. Sauf qu'en 2015, vous n'avez pas fait tant de travaux que ça sur les écoles publiques. Bon, il y a eu quelques milliers d'euros qui ont été consacrés aux écoles publiques sur 2015. Et là, en 2016, manifestement, on ne sait pas ce qui sera fait. Donc, je n'ai pas l'impression que c'était si catastrophique que cela. Ou à la rigueur, si ça l'est, eh bien, je suis extrêmement inquiet. Je suis extrêmement inquiet parce que c'était catastrophique et manifestement, on ne sait pas ce qui sera fait aujourd'hui. Alors, par rapport à ces travaux, je me suis aussi posé une question, c'est peut-être ne dit-on pas tout? C'est-à-dire que concrètement, est-ce que ces travaux ne comprennent-ils pas éventuellement, je dirais, des coûts destinés à mettre à niveau certains terrains? Je pense au terrain donc, de l'école Anne-Franck-Jean Moulin, à savoir est-ce que ce n'est pas des travaux qui seraient prévus tout simplement pour pouvoir mettre en vente ces terrains, comme c'était un projet. Alors j'ai appris projet, pré-projet, donc je ne sais plus trop, on ne sait plus trop où on en est. Donc je voulais là aussi vous poser la question, c'est concrètement en 2016, avez-vous prévu de vendre les terrains concernant l'école Anne-Franck-Jean Moulin? Je répète mes deux précédentes questions et j'en resterai là, à savoir de combien s'élève aujourd'hui le montant du salaire que nous versons donc à l'ancien directeur général de service que vous avez renvoyé. Et dernière question,
concernant la prime sur le 13e mois, juste avoir une confirmation de ce qui a été dit en commission finance. La seule chose que nous n'avons pas eue, c'est le montant, à savoir combien les salariés de la ville allaient-ils payer sur leur 13e mois pour pouvoir faire des économies sur le budget. Je vous remercie de votre attention. Oui, alors, Monsieur Caron, bon, ça fait beaucoup de choses. Ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement de la polémique. Il n'y a vraiment rien qui permet d'avancer. Ça va même m'obliger à répéter certaines choses. Concernant le 13e mois des agents, il n'a jamais été question de le supprimer, et d'une, parce que c'est un bruit que certains membres de l'opposition ont fait courir, donc je rassure les agents, il n'a jamais été question de supprimer le 13e mois, comme ça c'est très clair. Il n'a jamais été question non plus de le diminuer. En revanche, ce que nous souhaitons faire, et il y aura des négociations dans le courant de l'année 2016 qui vont être entamées à ma demande par le DGS avec les organisations syndicales, en vue de voir comment on peut instaurer plus de justice dans les modalités d'attribution de ce 13e mois, parce qu'un certain nombre d'agents se plaignent d'un certain absentéisme injustifié de la part de certains de leurs collègues et veulent qu'on réinstaure de la justice là-dedans. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait instaurer un critère de présentéisme pour l'attribution du 13e mois. Alors, c'est sûr que pour celui qui vient jamais travailler alors qu'il n'est pas malade, pour celui qui ne vient jamais travailler de façon injustifiée, ça se soldera par une diminution du 13e mois. Ça, oui. Mais il n'y a pas de diminution de principe de prévu du 13e mois. Et pour l'instant, concernant la condition de présentéisme que j'aimerais mettre en place, comme elle existe dans de nombreuses communes, d'ailleurs, ce ne serait pas une nouveauté en France, hein, donc il n'est pas interdit qu'à Luin on fasse aussi comme ailleurs, rien n'a encore démarré puisque je souhaite qu'il y ait un dialogue avec les représentants syndicaux. Ça, c'est pour le premier point. Ensuite, vous avez parlé... Alors, moi, je vous aime bien, hein, M. Caron, vous êtes sympathique, mais quand vous nous dites... Alors, quand vous nous reprochez de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, alors que vous-même, l'équipe précédente, de 2009 à 2012, il y a eu à chaque fois augmentation des taux. Nous, en 2014, on arrive, on ne les augmente pas pour 2015, on ne les augmentera pas pour 2016. Monsieur Desplanques vient de vous le rappeler, je crois que les Aluinois ne s'en plaindront pas. Les tarifs, certes, il y a eu une augmentation des tarifs, mais enfin, moi, j'ai passé 6 ans dans l'opposition, et même avant, je regardais le conseil municipal en tant que public, en tant qu'Aluinois. J'ai jamais vu les tarifs baisser. Avec mes prédécesseurs, hein. Mais alors vraiment, jamais. Concernant les travaux dans les écoles, alors bon, je vais tout de suite évacuer la théorie du complot. Est-ce que ça serait pas des fois parce que hein, les projets autour de Jean Moulin, est-ce que c'est pas ça en réalité, etc. Non, mais le tort que vous avez, c'est de penser qu'on fonctionne comme vous. Ben nous, non, on fonctionne pas comme vous. Nous, quand on a un projet, on dit lequel, hein, et tout est très clair. Donc, il n'y a pas de truc tordu, n'allez pas chercher. Vous êtes vraiment un adepte de la théorie du complot. Hein. C'est juste une question, style, parce qu'il y a des inquiétudes, notamment des parents et des enfants. Parce que les enfants, aujourd'hui, bon, sont en train de dire qu'on va détruire leur verger. C'est aussi ça, la réalité. Je vous laisse m'interrompre une fois, parce que je l'ai fait. Parce que vous l'avez fait. Donc, je veux simplement dire aujourd'hui que si vous vous baladez un petit peu autour de l'école Anne-Franck-Jean Moulin, ce que je peux faire... parce que concrètement, j'ai un enfant qui s'y trouve, et ben les enfants sont inquiets et ils en parlent. Ceux qui parlent le mieux des écoles, ce sont les enfants. Aujourd'hui, les enfants se disent, on va détruire notre verger. Il ne faut pas vous les affolier, les enfants. D'accord. Non plus. Donc il faudrait peut-être que vous répondiez, monsieur le maire, et c'est juste une question que je vous ai posée. C'est pas bien d'instrumentaliser des enfants, d'abord, monsieur Caron. Il ne faut pas que vous les affoliez. C'est comme quand vous leur faites faire des dessins très touchants, etc. Un enfant, bah oui, il va faire le dessin que vous lui demandez. Je trouve pas ça très digne. Moi, les gens, je les ai rencontrés lors d'une réunion publique. Je suis allé les rencontrer.
avec certains de mes adjoints et certaines de mes adjointes. Nous avons eu un échange vraiment très intéressant, d'ailleurs au terme duquel j'ai demandé aux adjoints concernés de revoir la copie qui avait été initialement produite. Hein ? Voilà ce qui est en cours. Et ensuite, je rencontrerai à nouveau les gens dans un deuxième temps. Mais je ne veux pas que vous parasitiez cela, Monsieur Caron. Moi, je veux que vous laissiez la municipalité, le maire, avoir cet échange avec les parents d'élèves. Peut-être que les enfants sont encore un peu petits, mais c'est pour eux. C'est pour eux qu'on cherche à faire les choses bien. Et ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que le potager et le verger soient préservés. Je l'ai dit d'ailleurs lors de cette réunion et je le redis. Donc n'allez pas affoler tout le monde et surtout pas des enfants. N'allez pas les empêcher de dormir. Vous devriez plutôt faire l'inverse. Bon. Alors, Monsieur Caron, donc la théorie du complot, ça, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Discutons sur des choses avérées. Hein. Nous, les projets qu'on a, on vous les expose, on vous dit ce qu'ils sont. Il n'y a pas de complot. Hein. Vous me faites penser à ceux sur Internet qui racontent que le président George Bush a organisé les attentats du 11 septembre 2001. Bon, c'est pas sérieux. Vous êtes là-dedans hein, avec Jean Moulin. Hein. Je suis désolé. Laissez-nous... Non, mais la théorie du complot, la théorie du complot, c'est vraiment ridicule. Vous savez, vous allez les faire rire, les Aluinois. Les Aluinois, vous savez, ils vont voir eux-mêmes ce que la municipalité fait et ils jugeront par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de vous, ni pour affoler les petits-enfants qui vont à l'école à Jean Moulin, ni des élucubrations qu'on peut entendre diverses et variées. Alors, les travaux dans les écoles... Les travaux dans les écoles. Alors, ça, c'est quand même un peu fort de café aussi. Moi, à la rentrée 2014, ma première rentrée scolaire en tant que maire, je fais le tour de nos 8 écoles. Hein, on a 4 écoles privées, 4 écoles publiques. Les écoles publiques, c'était effectivement la catastrophe, Monsieur Caron. Et moi, le chef d'établissement, par exemple, ça n'est qu'un exemple, de l'école Michelet, mais oui, mais ça vous fait rire. Alors écoutez, si ça vous fait rire, Monsieur Corr, Monsieur Caron, je peux vous dire que le chef d'établissement... En question, ça ne le faisait pas rire du tout. Il m'a dit texto, je vous le répète, allez lui demander si c'est vrai. De toute façon, il y a des témoins. Il m'a dit texto, monsieur le maire, ça fait depuis 1992, monsieur Federbe était maire, vous avez qu'à voir, comme on dit chez nous. Hein. Ça fait depuis 1992, monsieur le maire, que je pleure pour qu'on fasse les travaux des toilettes de l'école Michelet. Nous les avons faits. Nous les avons faits. Non, monsieur Corr, je vais aller jusqu'au bout. Monsieur Corr, je vais aller jusqu'au bout. Je passe sur l'école Marie Curie. Où mon prédécesseur avait été destinataire d'un rapport de la commission de sécurité. Je dis bien commission de sécurité, hygiène et sécurité, qui était défavorable. On risquait la fermeture pour raison d'hygiène et de sécurité des enfants. Hein, vous qui faites pleurer les petits-enfants, Monsieur Caron, ça concernait l'hygiène et la sécurité des enfants, ça concernait la cantine. Eh bien moi, en septembre 2014, voilà, je prends connaissance de cela et je vois que mon prédécesseur, qui a eu pourtant le temps de le faire, n'a entrepris aucun travaux pour rendre conforme la cuisine de l'école Marie Curie. Nous l'avons fait. Alors qu'il s'était engagé auprès des services vétérinaires à le faire et à l'inscrire au BP 2014, ce qui n'avait pas été fait. Bon, et j'en passe et des meilleurs. Je vais arrêter là, je ne vais pas passer à l'école Maria Montessori où il y a le faux plafond, n'est-ce pas ? Non, mais ça vous fait rire. Ben écoutez, si ça vous fait rire, les Aluinois apprécieront. Moi, ça ne m'a pas fait rire et c'est nous, c'est cette équipe, c'est cet adjoint aux finances que vous voyez là qui a débloqué des crédits en urgence pour faire ces travaux qui ont tous été faits en 2015. Et il y en a eu aussi à l'école Jean Moulin, que vous aimez tant, et vous avez raison. Je crois que vous êtes parent d'élève là-bas, Monsieur Caron, vous êtes peut-être un tout petit peu intéressé. Mais vous inquiétez pas, nous on le fait pour tous les enfants d'Aluin, On regarde, nous on ne fonctionne pas comme vous, on le fait pour tous les enfants d'Aluin, ne vous inquiétez pas. Alors voilà pour les quelques éléments que je souhaitais évoquer moi-même. Je vais donner la parole à Monsieur Desplanques. Pour le reste. Mais c'est dommage qu'on soit dans la polémique. C'est dommage parce que tout ça, effectivement, vous rigolez parce que je l'avais déjà dit, mais c'est vous qui revenez toujours. C'est arrêter de radoter et puis je serai moins souvent amené à répéter les mêmes choses. Et alors ensuite, vous qui dites on ne sait pas quels travaux ont été faits dans les écoles, lisez simplement le magazine municipal. Hein. Franchement, Monsieur Caron, je vous le conseille, c'est une très bonne lecture.
Monsieur Desplanques, pour les autres réponses qu'on peut avoir. Je n'ai pas répondu sur les charges de personnel, j'aurais pu aussi, mais je vais laisser Monsieur Desplanques. Donc, Monsieur Caron, il est faux de dire que le personnel supporte uniquement et lui seul la baisse des. Ben non, Monsieur Caron. Vous voyez très bien qu'en 2015, les charges à caractère général ont-elles baissé de 150 000 euros aussi. Donc, le personnel uniquement ne supporte pas la baisse des dépenses de fonctionnement. Et aucun membre du personnel n'a vu son salaire baisser depuis que nous sommes à la mairie, hein. Je vous rassure, hein, Monsieur Caron. Hein. Il y a simplement une façon d'organiser, de gérer les choses, un peu meilleure que celle à laquelle on a assisté pendant 25 ans et qui a amené cette ville dans l'état où on l'a trouvée en arrivant. Concernant le DGS dont vous parliez tout à l'heure, alors effectivement, il n'a pas retrouvé d'emploi aujourd'hui. Effectivement, la ville doit lui payer un salaire dont je ne vous donnerai pas le montant. Maintenant, c'est très loin. Non, simplement parce qu'on n'a pas le droit. Son salaire, c'est un élément personnel qui lui est personnel. Ça fait partie de sa vie privée. Si je vous donne le montant de ce que ce monsieur gagne, je commets une infraction pénale. Voilà la raison pour laquelle on ne le fait pas. Non, mais je vous le précise parce que vous étiez déjà en train de railler, Monsieur Caron. Vous pouvez poursuivre. Non, tout état de cause, c'est bien loin des 250 000 euros pour 4 mois que vous aviez prétendu au dernier conseil municipal. Les 250 000 euros pour 4 mois, comme vous l'aviez dit au précédent conseil municipal. Alors, concernant les travaux dans les écoles, effectivement, je ne vous ai pas dit quels travaux dans les écoles seront faits en 2016, parce que le budget est en cours de construction et les priorités n'ont pas encore été définies totalement, donc je ne suis pas aujourd'hui encore en capacité de vous dire dans quelle école il y aura des travaux. Mais en aucun cas, ce ne sera des travaux pour permettre la vente des terrains de Jean Moulin. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu dans ces travaux dans les écoles. Non, ça c'est la théorie du complot. Mais enfin, nous au moins, les travaux nécessaires, on les fait. Ça fait quand même une différence. On n'attendra pas 25 ans. Alors, Madame Six a demandé la parole. Merci, Monsieur le maire. C'est pour vous répondre, Monsieur Caron. C'est pour vous répondre. Voyons, vous fait beaucoup d'honneur. On s'y met à trois. Vous valez au moins ça. Je souhaitais répondre simplement sur les tarifs. Bon, il faut savoir que toutes les collectivités locales actuellement, et depuis de nombreuses années, ont pour habitude d'augmenter leurs tarifs d'activité d'environ 2% en moyenne. Par contre, ce qui me surprend, c'est que vous vous émouvez finalement d'une augmentation de 2% sur la ville d'Alluin. Par contre, ça ne vous émeut pas du tout quand une association à vocation sociale augmente ses tarifs à la rentrée des classes de plus de 10%. La MJC, Centre social. On y était tous les deux. Attendez, je vais vous donner la parole, monsieur. Oui, mais alors allumez votre micro, monsieur. Nous étions présents ensemble, madame Six. Vous ne dites pas non plus là aussi la vérité. J'ai réagi, madame Six. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Que monsieur Desplanques, effectivement, joue ce petit jeu, ça c'est une chose. Mais vous, madame Six, nous étions tous les deux ensemble au conseil d'administration de l'association que vous avez citée et j'ai réagi. Ne me dites pas le contraire. Le micro ne marche pas, Véronique. Non. En attendant, la majorité de vos amis siègent dans ce conseil d'administration et ça n'a gêné personne. Et encore, ils ont augmenté 10% alors qu'ils prévoyaient, ils ont proposé 15 et 20% d'augmentation, Monsieur Caron, je le rappelle. Vous êtes en train de faire un procès à la MJC. Vous êtes en train de faire... Non, n'oubliez pas que je crois que vous avez voté aussi cette augmentation, Madame Six. Vous l'avez voté, souvenez-vous. Vous avez voté cette augmentation. J'ai réagi également, ne me dites pas que je n'ai pas réagi. Et manifestement, vous êtes en train de faire un procès à la MJC. Oui. Et si la MJC augmente notamment ses tarifs, c'est parce qu'elle est inquiète justement du financement de la ville, tout simplement. D'accord ? Oui, la MJC avait beaucoup d'argent devant elle. On n'est pas inquiet pour elle. On n'est pas inquiet pour elle et elle continue à bénéficier du concours de la ville, tout simplement parce que nous considérons que la MJC est utile dans cette ville et nous entendons à ce qu'elle... Nous souhaitons vivement qu'elle puisse continuer à dispenser ses activités. Mais ça n'empêche pas la bonne gestion. Moi, je remarque une chose. Je voudrais quand même que Véronique, parce qu'elle l'a dit hors micro, donc il faut qu'elle le fasse dans le micro, sinon les gens qui regardent le conseil par Internet
ne l'entendent pas. Et c'est pour ça, Monsieur Caron, que par souci d'équité, je vous ai invité à diverses reprises à allumer votre micro, parce que sinon, on n'entend pas vos réponses. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup mieux que les gens entendent tout le monde. Donc, parce que Véronique, hors micro, disait non, je ne l'ai pas voté, mais ça ne s'est pas entendu. Donc, je vais lui rendre la parole. Mais, Monsieur Caron, ce qui est quand même formidable, c'est que vous accusez Madame Six de faire un procès d'intention, ce qui est faux. Dans votre intervention, vous avez aligné les polémiques les unes après les autres. Vous voyez, je ne suis pas monté sur mes grands chevaux en parlant de procès d'intention. J'ai dit que vous étiez polémique. Mais voyez, vous n'acceptez pas. Vous êtes bien susceptible. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose qui vous déplaît, c'est un procès d'intention. Vous n'arrêtez pas. Alors, heureusement qu'on n'est pas aussi susceptible que vous. Hein. Bon, donc, Véronique Six, pour bien préciser les choses au sujet de... Parce que moi, je n'y étais pas. Parce que vous étiez... Monsieur Caron a dit, nous étions à deux ensemble. J'ai même eu peur un moment. Bon, moi, j'y étais pas. Donc, si tu peux répondre sur ce point, parce que c'était hors micro tout à l'heure. Non, c'était simplement une comparaison que je voulais faire, parce qu'on est une collectivité locale. Encore une fois, 2% d'augmentation, c'est une moyenne nationale et qui n'est pas importante. Par contre, un centre social, comme le dit le nom, c'est vraiment à vocation sociale. Et ils sont censés toucher véritablement des familles qui sont paupérisés, qui sont en difficulté, etc. Et je ne pense pas que ce soit en augmentant de 10% ou proposition de 15 ou 20% que pour autant on peut y arriver. Voilà. C'était le but de mon propos. C'était une simple comparaison avec le propos de tout à l'heure. Monsieur Détailleur, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, pas de polémique. Je me contenterai simplement d'énoncer un certain nombre de faits. Ce matin, concernant le rapport d'orientation budgétaire, je voyais dans la Voix du Nord vos propos, comme quoi Caluin était sur le bon chemin du redressement. Ce sont vos propos. Et la présentation de M. Després allait dans le même sens il y a quelques minutes. Monsieur Després ? De Monsieur Desplanques, lapsus. Je le regrette. Ah, mais très révélateur. De Monsieur Desplanques. De Monsieur Desplanques, vous avez bien compris. Très révélateur. De Monsieur Desplanques. Non, tout ceci me paraît véritablement en trompe-l'œil, car la réalité est en fait très différente. Alors rapidement, puisque je vois qu'il est déjà près de 20 heures, on a déjà passé une heure sur le DOB et les délibérations sont nombreuses, concernant la fiscalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme l'année dernière, vous augmentez les impôts. Vous augmentez les impôts, il y a un principe de base, quand on ne touche pas au taux, eh bien, on laisse simplement la base jouer. Et par conséquent, les Alunois voient leur taxe foncière, leur taxe d'habitation progresser. D'ailleurs, ça apparaît à la page 11 de... je vais reprendre le bon. Pardonnez-moi, à la page 9 du document, on voit bien que les contributions directes augmentent. Alors, pour être sincère, il y a quand même deux facteurs. Il faut savoir que la population évolue à la hausse, donc cette augmentation des rentrées fiscales n'est pas seulement due à l'augmentation des impôts locaux, mais encore une fois, vous étiez engagé à ce qui est pour moi tout à fait intenable, parce que les finances ne le permettaient pas. Vous étiez engagé durant la campagne sur une diminution des impôts, et bien sûr, les impôts, une fois de plus, augmentent. Ça, c'est pour la fiscalité. Concernant les dépenses de fonctionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses de fonctionnement à Luin sont énormes, colossales, quand on les compare à la strate. Il y a une préconisation que vous nous avez présentée il y a un instant. Voilà, une augmentation de 1,2%, ce qui semble souhaitable. Mais sur Aluin, on ne se situe pas du tout dans ce cadre. Les dépenses de fonctionnement sont énormes. Les dépenses de fonctionnaires, de salaire, de masse salariale dépassent les 60%. Madame Six, d'ailleurs, est très bien placée, puisqu'elle est agent territorial sur M. Sur M, on est très en deçà de ça. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que ces dépenses de fonctionnement devraient être réduites de façon drastique. Dans le cadre des baisses de dotation, c'est là que devrait se porter l'effort. Les économies.
Or, en fait, on s'aperçoit que ces dépenses sont en baisse de simplement un tout petit pourcent. Seulement 1% de réduction des frais de fonctionnement. Alors effectivement, on parlait il y a un instant des deux DGS à la charge de la ville. Bon, bah, le salaire, on le connaît, un cadre A tout en haut de la pyramide, effectivement, on connaît les grilles. Ce sont des frais très conséquents. Et il est bien évident que lorsqu'on paie deux DGS, ce n'est pas comme ça qu'on fait des frais des diminutions de frais de fonctionnement. Ça n'est bien sûr pas M. Leleu qui est en cause. Ça n'est pas non plus M. Philippe Lopez qui est en cause. Mais c'est bien votre management, M. le maire. C'est vous qui avez embauché M. Lopez. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce sont voilà, des raisons, on a dit, personnelles. Mais en tout cas, actuellement, nous payons deux cadres A, les deux plus gros salaires de la ville. Et puis voilà, pendant combien de temps, on ne le sait pas. Heureusement que vous n'alliez pas polémiquer. Hein. Vous avez mis une minute à faire le contraire de ce que vous veniez d'annoncer. Est-ce que j'ai développé une opinion ? Je n'ai donné que des faits, monsieur. Poursuivez. Je n'ai donné que des faits. Est-ce faux que monsieur Lopez perçoit encore des rémunérations aux frais des Aluinois ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est une opinion ? Ou est-ce que c'est simplement un fait ? La loi est ainsi faite que lorsque un fonctionnaire territorial comme lui n'a pas retrouvé de suite un travail, il est au centre de gestion avec, c'est vrai, la participation de la commune dont il vient concernant sa rémunération. Mais ce sont les textes, monsieur Détailleur, et je n'y puis rien. Mais poursuivez. Vous n'allez pas me reprocher de respecter la loi ? Certes pas, mais c'est vous qui avez... Il faut savoir ce que vous voulez. Vous avez recruté M. Lopez. Bon, visiblement, les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Et donc, on paye deux DGS. Et le bilan, on l'a sous les yeux, des dépenses de fonctionnement. Je le répète, hein, c'est là-dessus qu'il faut faire les économies. Sur le fonctionnement. Moins 1%. On ne va pas s'en sortir si on s'en tient effectivement à une réduction aussi faible. Vous n'avez pas insisté aussi lourdement lorsque nous sommes arrivés à la tête de la municipalité en avril 2014 et lorsque j'ai fusionné les deux postes de directeur de cabinet et de directeur de la communication. Monsieur Deroux avait les deux. Il payait deux salaires très importants. J'ai fusionné les deux postes et je ne paye plus qu'un salaire. J'ai gagné un salaire. J'ai même mis un véhicule de fonction à la disposition du service prévention qui n'avait pas de véhicule pour faire de l'îlotage en ville. Vous n'avez pas insisté aussi lourdement lorsque nous avons fait ces économies de fonctionnement. Mais je vous en prie, poursuivez. Les rémunérations ne sont pas comparables entre un directeur de la communication... Vous n'en savez rien, ne connaissez pas les rémunérations de l'un et de l'autre. Si M. Bengteux a donc l'équivalent de deux DGS, je la prends ce soir. Je vous en prie, poursuivez. Bon. Simplement, je souligne qu'il y a deux poids, deux mesures. Lorsqu'on fait des économies de fonctionnement, vous ne le soulignez pas. Lorsqu'il arrive qu'un DGS, effectivement, ne retrouve pas du travail tout de suite, vous en faites tout un pataquès, tout en disant que vous ne voulez pas polémiquer. Oh non, vous ne voulez pas polémiquer. Mais je vous en prie, poursuivez, monsieur Détailleur. Je viens de donner les chiffres, donc effectivement, on est bien d'accord. Vous ne connaissez pas les chiffres. Ce sont les vôtres, monsieur le maire. 1%. Vous ne connaissez pas les chiffres. Ben regardez à la page 11. On est passé de 20 781 000 à 20 555 000. Prenez votre calculatrice. Bon, je continue puisqu'il est 20 heures. Concernant l'investissement, tout comme durant l'exercice précédent, ben, l'investissement est réduit à sa part la plus congrue. Ceci est tout à fait dommageable car il faut bien savoir que c'est l'investissement qui prépare l'avenir. Alors certes, et ça c'est très bien, il y a eu quelques travaux d'entretien dans les écoles notamment, mais quand on voit effectivement les projections, ben on a très très peur parce qu'il faut savoir qu'il y a maintenant un fonds d'aide à l'investissement local. Ça n'est pas rien, c'est 1 milliard d'euros. Par rapport à l'U1, c'est une somme donc qui irait de 200 000 à 300 000 euros. Il serait dommage qu'on passe à côté de cette rentrée simplement parce qu'on n'a pas de projet.
J'avais évoqué il y a quelque temps le cas des bâtiments de la rue Émile Zola, les anciens services techniques municipaux. On avait soumis effectivement un projet de ruche couveuse d'entreprise. Ce serait d'ailleurs quelques rentrées fiscales sous forme de loyer. Il y aurait peut-être possibilité d'aménager des locaux pour les associations qui vont devoir quitter le site de l'Abbé Pierre. Enfin, là, ce sont quelques projets, quelques questions. Mais nous serions très déçus de voir que la ville ne profite pas de ce fonds d'investissement. Enfin, alors un point positif vous concernant, et là franchement j'aurais fait exactement la même chose, c'est le désentêtement. La ville, effectivement, est en voie de désentêtement, c'est une excellente chose. Maintenant, j'apporte tout de suite quand même un tout petit bémol. De par le passé, on a connu une période où sur un mandat, on endettait la ville à hauteur de 26 millions d'euros. C'est colossal, dont un emprunt toxique. Là, jusqu'à présent, nous sommes sur 0 euro d'emprunt. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un emprunt modéré, contracté à un taux bas, les taux sont très faibles actuellement, pour pouvoir financer un investissement utile. Ça n'est pas forcément stupide. Alors, je ne vous dis pas de partir, bien sûr, dans des projets pharaoniques, parce que je sais que mes propos sont souvent ensuite transformés de long en large. Oh. Mais qui fait ça, monsieur Détailleur? Qui oserait faire ça? Je vous pose la question, mon très cher. Oh, non. Absolument. Non, mais... Je pense, il y a collusion. Mais monsieur, de toute façon, monsieur le maire, vous savez très bien... Pas devant tout le monde, monsieur Détailleur, je vous en prie. Vous dites ça en grattant l'oreille. Non, mais trêve de plaisanterie, vous savez très bien que vous allez de toute façon devoir emprunter. Et je ne serai pas là, d'ailleurs, pour vous stigmatiser. Un emprunt, je dis bien, modéré, contracté à un taux bas, s'il est là pour financer un investissement pertinent, ben voilà, il faut savoir effectivement le saisir. Car je vois que vous avez opté pour une autre stratégie, celle de vendre, vendre, vendre encore et toujours le patrimoine à Luynois. Il y a certaines choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Bon, les quelques terrains de l'abattoir, j'ai même voté pour. Les vieux amis, 110 000 euros, je pense même que c'est un bon prix. Donc on va voter bien sûr cette délibération. Mais à côté de cela, vous avez tendance à vendre systématiquement le patrimoine à Luynois et même à le dilapider. Je voudrais vous montrer ceci. C'est une pièce de monnaie, une pièce de 2 euros. Avec ça, on n'a même pas une bière au bistrot pour la petite histoire. Voilà ce qu'a été vendu le camping de Vieil-Hédin. 2 euros du mètre carré. Je croyais que vous alliez nous faire une pub pour Carglass. J'ai pu, j'ai avec pu. Avec vos 2 euros. J'ai pu, j'ai pu. Mais voyez-vous, chacun se rendra compte que vendre un terrain en bord de route qui est utile, 2 euros, je tiens un mètre carré de terrain là dans mes mains, 2 euros du mètre carré, c'est vraiment pas sérieux. Donc, notre avis, vous l'avez compris, est complètement opposé au vôtre. Je ne pense pas que la ville soit actuellement sur le chemin du redressement. Ceci dit, vous n'êtes en fonction que depuis pas tout à fait 2 ans. Ce qu'on constate donc, c'est une hausse des impôts, des dépenses de fonctionnement qui sont à peine contractées, des investissements qui se trouve maintenant au plus bas. Et pour conclure, je vous dirais que nous, ce que nous souhaitons, c'est que la dilapidation du patrimoine à Luynois cesse. Et notamment, nous sommes tout à fait opposés à la vente du terrain de Jean Moulin. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, je vais donner la parole à M. Desplanques pour qu'il vous réponde. Avant de donner la parole à M. Corr, qui a souhaité faire une intervention également. Auparavant, concernant les impôts locaux, je dirais juste un mot de cela. Vous essayez de... Et ça, c'est pas correct, monsieur Détailleur. Vous essayez de... Comment dirais-je, d'instaurer une espèce de confusion, une espèce de brouillard en répétant « Vous augmentez les impôts locaux ». Non, monsieur Détailleur, ça, c'est une contre-vérité. Nous n'augmentons pas les impôts locaux. Nous n'avons pas augmenté les
taux, ni l'année passée, et ils n'augmenteront pas non plus en 2016. De toute façon, depuis que nous sommes arrivés, nous sommes fidèles à la promesse que nous avions faite de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Simplement, des Aluinois peuvent constater une augmentation du fait, et vous l'avez rappelé vous-même, de l'augmentation des bases, mais qui sur lesquelles la commune n'a absolument aucun pouvoir. Donc votre raisonnement, c'est de dire, monsieur le maire, les impôts locaux, en fait, ils augmentent par votre faute parce que vous devriez, en baissant les taux, compenser l'augmentation des bases. C'est ça votre raisonnement. Absolument. Absolument. C'est-à-dire des rentrées fiscales qui restent constantes pour la ville. Et vous confirmez, oui, mais monsieur Détailleur, il faut avoir les moyens de faire ça. J'ai toujours eu l'honnêteté de dire aux Aluinois, je ne les ai pas encore ces moyens-là. Et dès la première année de mandat, en 2014, j'avais dit, nous n'augmenterons pas les taux des impôts locaux, ni pour 2015, ni pour 2016. J'espère, j'ai même pas promis. N'allez pas transformer ça en promesse. Hein. Vous qui parlez des gens qui déforment les propos, c'est vrai, vous vous y connaissez dans ce domaine. J'ai dit, si nous le pouvons, nous baisserons les taux à partir de 2017. Je ne le promets pas, parce que j'ai horreur de faire une promesse que je ne peux pas tenir. Je ne sais pas encore, à l'heure actuelle, si je pourrais la tenir. Pourquoi ? Monsieur Caron lève les bras au ciel. Mais pourtant, c'est bien. Vous avez bougé. C'est bien la faute. Sois sérieux, quoi. C'est bien la faute de Monsieur Hollande, ami de Monsieur Caron, parce que Monsieur Hollande nous a déjà baissé les dotations de l'État de 400 000 euros en 2015. On s'attend à une baisse au moins de cette ampleur, également en 2016. En 2017, je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être moins 600 000, peut-être moins 800 000. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas promettre à 100% que j'arriverai à baisser les taux en 2017. Mais c'est mon souhait. J'aimerais pouvoir le faire, monsieur Détailleur. J'aimerais pouvoir le faire. En tout cas, on ne les a pas augmentés. Et dans la période actuelle, c'est quand même pas rien. Certes, Tourcoing a baissé un petit peu la taxe d'habitation, mais Tourcoing n'a pas d'emprunt toxique. Ça fait une sacrée différence, monsieur Détailleur, que vous ne rappelez pas. Il faudrait avoir l'honnêteté de le faire. Quant à la ville de Lille, et une autre amie de monsieur Caron, la maire de Lille, une autre amie de monsieur Caron, que je ne nommerai pas, elle a quand même augmenté la taxe foncière à Lille de 26%, ce qui n'est pas arrivé aux Aluinois, Dieu merci. Je donne maintenant la parole à monsieur Desplanques. Oui, bon, sur la fiscalité, je ne vais rien ajouter, si ce n'est que vous l'aviez déjà dit lors du vote des taux en début d'année 2015, que vous le répéterez dans un mois et demi lorsque nous revoterons les taux. Et bon, ce sera une habitude à prendre, ce sera toujours les mêmes bêtises que vous raconterez, parce que nous n'avons pas augmenté les impôts locaux. Voilà, non, là-dessus, monsieur Détailleur, on arrête. Nous n'avons pas augmenté les impôts locaux. Monsieur Corr... J'ai pas fini. Ah, il n'a pas fini. Concernant les dépenses de fonctionnement, elles ont baissé de 379 000 euros en 2015, sachant qu'il y a 500 000 euros d'intérêts supplémentaires. S'il n'y avait pas eu ces 500 000 euros d'intérêts supplémentaires, nous serions à une baisse des dépenses de fonctionnement d'environ 900 000 euros. Voilà la base sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc les dépenses de fonctionnement baissent effectivement et beaucoup plus que vous ne le pensez. Merci, monsieur Desplanques. Donc, monsieur Corr, qui est le dernier à intervenir dans ce débat d'orientation budgétaire. Je vous en prie, monsieur Corr, vous avez la parole. Bon, je vais d'abord commencer par féliciter monsieur Caron pour toutes les relations qu'il a et que j'ignorais. Alors là, je suis pour le coup, j'en apprends de belles ce soir. Bravo, non, pas monsieur Darmanin, effectivement. Moi, je voulais intervenir pour poser deux questions. Excusez-moi de faire tomber un peu cette ambiance festive. Par rapport à des délibérations ou des décisions qui ont été prises dans cette dernière année ou des propos qui ont été tenus. J'étais intervenu par rapport à une procédure qui avait été engagée sur la taxe sur les déchets, procédure qui avait été engagée auprès du tribunal administratif
Et il me semble, monsieur le maire, qu'à l'époque, c'est-à-dire, il me semble, au débat d'orientation budgétaire de l'année passée, vous nous aviez dit qu'il y avait une rencontre très proche qui devait avoir lieu. Et nous n'avons pas, enfin moi personnellement, je n'ai pas personnellement suivi, enfin j'ai cru comprendre ça dans votre réponse. Vous pouvez me tromper. Une rencontre ? Oui, il me semblait bien. Il me semblait bien que vous aviez une rencontre dans la semaine qui suivait sur cette question-là précisément. Oui, nous n'avons pas avec les avocats chargés du dossier. Ah d'accord, avec les avocats, je n'avais pas compris à l'époque. Et puisque vous vous interrogez sur le déroulement de cette procédure, et vous avez bien raison, je ne peux que vous faire la réponse que me font les avocats concernés. On est devant le tribunal administratif. Peut-être que vous êtes peu habitué à cette juridiction, mais il semblerait que le tribunal administratif prenne son temps. Je ne peux pas vous faire d'autres réponses. Nous avons eu, il y a, en tout cas, sur plus d'un an, j'étais en fonction depuis, 6 ou 7 mois, mais il y a plus d'un an de cela, j'avais eu un courrier de l'un de nos avocats nous disant que la procédure était sur le point d'être clôturée et donc d'être audiencée. Et je me suis moi-même étonné. Mais vous savez, au tribunal administratif, il suffit que la partie adverse fasse un nouveau mémoire et vous êtes reparti pour un tour. Donc voilà, mais nous attendons avec... J'allais dire une certaine impatience, mais l'impatience, c'est jamais bon. Hein. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir une décision surtout conforme aux intérêts d'Aluin et des Aluinois, mais ce n'est pas moi qui en décide, c'est le juge administratif. Et il prend son temps, tant mieux, peut-être que nous aurons une décision heureuse. Heureuse pour les Aluinois. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais intervenir sur ce sujet, parce que finalement... Ah, il y a M. Desplanques qui a peut-être un élément qu'il n'a pas eu le temps de... Pardonnez-moi, M. Corr, de vous... On attend un audiencement pour la fin du premier semestre 2016, en théorie. Alors, on attend un audiencement pour la fin du premier... Semestre 2016. Du premier semestre 2016. Donc, un semestre, c'est 6 mois, donc ça nous mettrait vers le mois de juin. Et vous tenez ça d'où, M. Desplanques ? Si, l'avocat. D'accord, que vous avez eu, donc, après moi. Bon, ben voilà. Donc effectivement, enfin, là, évidemment, ma question est motivée surtout pour l'intérêt de la ville d'Aluin. Non, mais ce n'est pas une petite affaire, ça. Tout à fait. C'est bien pour ça que je la remets, parce que moi, j'entends bien qu'il faille maîtriser les dépenses de fonctionnement. Il faut aussi aller chercher les recettes là où elles se trouvent. Ça doit être aussi une culture de la ville. C'est-à-dire, à un moment donné, comme nous sommes en attente de certaines recettes, il faut continuer à aller les rechercher. Je ne vais pas y arriver. Donc, je voulais rappeler juste cette affaire en cours par rapport au tribunal administratif où Aluin peut gagner quand même des sommes et récupérer des sommes assez considérables, disons-le, dans l'intérêt de tous. On n'a pas encore gagné. Hein, non, mais c'est bien pour ça que je me permets de rappeler bien. Cette... nous aimerions bien. Et voyez-vous, je vais avoir l'honnêteté intellectuelle de vous dire que cette procédure devant le tribunal administratif a été initiée par mon prédécesseur et nous l'avons continuée parce que je pense qu'il avait raison. Et d'ailleurs... parce que quand c'est vrai, quand c'est bien, il faut le dire, il avait initié cette procédure de façon courageuse. De façon courageuse, parce que ça n'a certainement pas fait plaisir à Martine Aubry à l'époque. Ça ne fait pas davantage plaisir à Damien Castelin, je peux vous le dire. Mais je continue, moi, avec le même courage que mon prédécesseur, comme quoi le courage n'a pas d'étiquette politique. Mais il s'agit là de l'intérêt d'Aluin. Et j'espère que cette procédure se soldera par une issue favorable, parce qu'effectivement, il y a des sommes en jeu qui sont importantes. Alors, sachant qu'en même temps, un article est paru, évidemment, il ne vous a pas, évidemment pas échappé par rapport à la gestion du CVE qui va changer, qui continue vers un opérateur privé, mais il y a une nouvelle procédure qui, enfin, je ne sais pas où ça en est, mais c'est aussi dans cette perspective-là, pardon, qu'il fallait un peu remettre cette histoire sur le tapis. La deuxième question que je voulais poser, c'était suite à une intervention de Jocelyne Lefebvre par rapport à ce qu'on a appelé les ADAP, c'est-à-dire l'accessibilité des bâtiments de la ville. Nous avions souligné que la délibération que vous aviez présentée ne nous semblait pas dans les clous, dans la mesure où
le programme, le plan pluriannuel que vous aviez présenté s'est allé sur 9 années, me semble-t-il. 9 ans. 9 années, et qu'il fallait 50 bâtiments municipaux, ce qui n'était pas le cas dans ce programme. Vous nous aviez répondu que vous aviez écrit en préfecture pour demander une dérogation. Oui. Ma question est très simple. Avez-vous eu la réponse de la préfecture sur cette demande de dérogation? Parce que dans ce cas, ça veut dire que le programme pluriannuel n'est pas conforme et que forcément ça va changer les données budgétaires dès cette année 2016. Alors moi, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas reçu de réponse de la préfecture, mais je me tourne vers mon DGS. Donc elle n'est pas dans les tuyaux, parce que parfois entre le bureau du DGS et les miens, il peut y avoir un ou deux jours. Donc non, nous n'avons pas, à l'instant où nous vous parlons, de réponse de la préfecture. Mais ce n'est pas forcément étonnant, hein. Compte tenu des délais habituels, il faut savoir, et je dis ça sans aucune espèce d'ironie à l'égard des services de l'État, bien au contraire, il faut savoir que dans le Nord, il y a environ 800 communes, et que c'est quand même assez lourd à gérer pour les services de l'État, et le délai ne me paraît pas anormal. Voilà. Mais de toute façon, c'est une information qui sera communiquée dès qu'elle nous parviendra. Et j'espère que nous obtiendrons cette dérogation, surtout. Parce que sinon, on avisera à ce moment-là, hein, mais vous savez bien qu'on ne peut pas... Si ma mémoire est bonne, il y en a pour 1 185 000 euros, hein, qui donc doivent s'étaler jusque 2024. Si nous n'avons pas ce délai, on va avoir un problème à résoudre. Alors on fera en sorte, on fera tout ce qu'on pourra, mais ça va nous rendre la tâche beaucoup plus compliquée. Je vous en prie, Monsieur Corr, merci à vous. Est-ce que notre adjoint aux finances souhaite... Non, juste concernant le CVE, effectivement, la procédure n'est pas du tout aux oubliettes. Si on n'en parle pas du tout dans le DOB, c'est que la recette est très aléatoire. On n'a toujours pas de date définitivement d'audience, même si on s'attend à ce qu'elle ait lieu rapidement maintenant. Et on ne peut pas préjuger du résultat du jugement. Le dossier est un dossier, moi, pour le connaître, mais je ne suis pas, moi, avocat fiscaliste. C'est un dossier extrêmement complexe. Et l'avocat qui défend ce dossier pour la ville, mais qui appartient à un cabinet où ils sont plusieurs associés, c'est pour ça que j'ai dit les avocats, mais il y a un d'entre eux qui travaille plus particulièrement sur ce dossier. Et moi, je rends hommage à son travail parce que c'est un grand spécialiste de la fiscalité et en même temps du droit public. C'est un dossier qui est rendu justement très, très complexe par le fait que se mêle dans ce dossier, sur le fond, à la fois du droit public pur et aussi du droit fiscal. Avec en plus la circonstance que nous sommes opposés à une collectivité particulière qui est une agglomération de communes qu'on appelle aujourd'hui la MEL, la métropole européenne de Lille, qui a changé de nom d'ailleurs pendant le cours de la procédure, mais ça ne changera rien. C'est quand même une situation, je tiens à attirer l'attention des Aluinoises et des Aluinois là-dessus. C'est quand même une situation assez originale. Dans cette procédure, vous avez une des communes de la MEL opposée à la MEL. C'est-à-dire que si nous gagnons, la ville d'Aluin va obtenir la condamnation de la MEL, dont elle fait partie, à laquelle elle appartient, à lui verser de très fortes sommes. Ce qui n'arrangera pas ni M. Castelin, ni son premier vice-président aux finances. Et ça nous placera dans une situation, je crois, que nous n'avons jamais connue depuis que la communauté urbaine de Lille existe. C'est peut-être la raison pour laquelle les journalistes m'appellent régulièrement pour savoir où en est la procédure. Ça doit quelque part titiller leur curiosité. Mais sur ce dossier, les enjeux pour Aluin sont extrêmement importants. Sur les années qui ont déjà couru, c'est de l'ordre de 500 000 euros par an. Je parle sous le contrôle de mon adjoint aux finances. Je vous en prie, Monsieur Corr. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est 500 000 euros par an. Merci de rappeler la somme. Mais les gens ont le droit de savoir. Tout à fait, tout à fait. Et au-delà
au-delà même des sommes, évidemment, que la ville pourrait récupérer, je pense très, très sincèrement que Alluin est dans le vrai par rapport à cette question. Je le pense aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'était la possibilité pour Alluin d'aller solliciter Val-Nord sur une taxe sur les déchets, notamment parce que les Alluinois, ont sur leur territoire un équipement conséquent qui occasionne une certaine gêne, disons-le, et qu'en compensation, ça devrait justement permettre d'avoir aux Alluinois d'avoir un peu un bol d'air par rapport aux finances de la ville, et qui pourrait servir à l'ensemble des Alluinois. Donc je pense que non seulement sur la question des finances et des sommes à récupérer des recettes, Alluin a raison de le faire, mais je pense que nous sommes même dans le vrai par rapport, j'ai presque envie de dire, à la notion de justice par rapport à ce que peut générer le CVE comme gêne sur notre territoire. Alors, je partage votre opinion, Monsieur Corr. Je pense que mon prédécesseur, sur le fond, dans ce dossier, avait raison. Et si je ne l'avais pas pensé, je n'aurais pas poursuivi la procédure. Si je l'ai poursuivi, c'est parce que j'ai pensé qu'il avait raison et que donc, normalement, si la justice est normalement rendue, nous devrions gagner dans cette affaire. Mais j'attire aussi votre attention, puisque cette affaire a été évoquée dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je suis désolé d'avoir à dire ça, mais c'est la vérité. Et il faut toujours dire la vérité. Même si nous gagnons devant le tribunal administratif, vu les enjeux pécuniaires, à la fois pour la MEL et pour nous, je serais très étonné que la MEL ne fasse pas appel devant la cour administrative d'appel de Douai. Et même si nous gagnons à nouveau en appel, je serais très étonné qu'il n'y ait pas de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce qui veut dire que... Non, mais je veux être très clair là-dessus, parce que si les Alluinois et vous croyez qu'on peut compter sur ces sommes dans les 2-3 ans qui viennent, vous vous trompez. C'est une affaire qui se joue sur, au minimum, 4 ans, et je dirais même entre 4 et 8 ans, si ça va jusqu'au Conseil d'État, en passant par la case cour administrative d'appel, parce que là, dans ce domaine-là, il y a la case cour administrative d'appel. Il y a 2 degrés plus le degré du Conseil d'État. Par exemple, en matière électorale, vous n'avez pas la cour administrative d'appel. Vous êtes directement devant le Conseil d'État, mais pas là. Donc il ne faut pas penser qu'on aura cet argent, même dans les 2-3 ans qui viennent, on ne l'aura pas, même si on gagne. Je veux que tout le monde en soit bien conscient. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, je propose de... Puisque ce débat d'orientation budgétaire, on ne s'est pas moqué du monde, il a quand même duré presque 1h30, mais c'est bien. C'est très très bien ainsi. Je vous remercie d'y avoir contribué les uns et les autres. Je vais donc passer au vote qui, je le rappelle, est un vote qui pose la question: est-ce que vous donnez acte au maire et à la majorité d'avoir fait procéder à ce débat ou pas? Voilà, c'est pas sur le fond, hein. Donc, qui donne acte au maire et à la majorité d'avoir fait en sorte que le débat d'orientation budgétaire ait lieu? Donc, tout le monde, donc, à l'unanimité, c'est ce qui s'est passé au Conseil départemental hier également. Somme toute, c'est logique, mais quand même, je vous en remercie. La délibération numéro 2... concerne, alors, oui, elle s'intitule « Deuxième phase de la vidéoprotection, régularisation ». Ça ne concerne pas l'extension à laquelle nous allons procéder de la vidéoprotection, qui fera l'objet d'une délibération ultérieure ce soir même. Ça concerne, et c'est le sens du mot « régularisation » dans le titre de la délibération, ça concerne une régularisation purement, je dirais, administrative et comptable à l'égard d'une société Sogetrel qui a eu à intervenir dans le déploiement de notre vidéoprotection, mais dans notre vidéoprotection qui est déjà en place. Mais Monsieur Desplanques, qui est l'homme des chiffres, va vous expliquer cela. Oui, comme lors des derniers conseils municipaux concernant la couverture de la piscine, c'est un problème d'ordre de service lorsqu'il y a eu des interruptions qui n'ont pas été faites sur ces travaux. Donc les travaux
avec un démarrage au 18 mars 2014 et une fin au 3 septembre 2015, ont duré en théorie 97 semaines. Mais les arrêts qui ont eu lieu dans ces travaux sont dus à la ville et pas à la société, donc qui n'a commis aucune erreur. Donc aujourd'hui, pour pouvoir payer le solde des factures que nous leur devons, nous devrions leur facturer 266 000 euros d'intérêts de retard. Or, ils n'ont commis aucune erreur, donc cette délibération vise à ne pas leur facturer et nous permettre de leur verser donc leur dernière facture pour un montant de 20 000 euros, ainsi que de libérer les retenues de garantie qui ont été faites lors des travaux. Merci, Monsieur Desplanques. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Corr, je vous en prie, vous avez la parole. Merci. Juste pour expliquer le sens de notre vote, évidemment, nous allons voter oui, parce que comme vous venez de l'expliquer, c'est ce que vous aviez dit en commission, la société, l'entreprise privée n'est pas responsable des retards qui ont été qui ont eu lieu. Et donc le groupe En Avant LU1 va voter pour cette délibération parce qu'on estime qu'il n'est pas presque moral de sanctionner cette entreprise privée qui n'y est pour rien. Non, et de toute façon, si on se conduisait de cette manière-là, non seulement ce ne serait pas moral et totalement incorrect, mais en plus, cette société nous ferait une procédure en justice qu'elle gagnerait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je soumets donc cette délibération au vote du Conseil, qui est pour son adoption. Tout le monde. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 3. La délibération numéro 3 va vous être présentée par notre adjoint aux finances, Gauthier Desplanques, également. Elle concerne un rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Il vaut mieux le dire en entier parce que le sigle n'est pas facile à prononcer, la CLET. Alors, vous allez voir, ça concerne certaines compétences, dont les aires de stationnement, mais pas que. Et il va s'agir ici de ne pas approuver ce rapport. Monsieur Desplanques va vous en dire plus. Oui, donc il y a trois valorisations de transfert de charges qui ont été communiquées par la MEL concernant l'aménagement numérique. Concernant le cheminement doux, pour ces deux-là, ben, il n'y a pas de transfert pécunier, donc les montants sont nuls. Par contre, pour les aires de stationnement, la valorisation de la prise en charge nette de fonctionnement, elle est de 14 360 euros par an, donc de recettes que nous touchons de la MEL en moins tous les années. Or, il se trouve que sur les 7 parkings concernés, 6 ne répondent pas aux normes fixées par la MEL elle-même pour entrer dans ce cadre. Donc nous refusons ce transfert de compétences et les montants qui vont avec. Bon, il semblerait que c'est le quart d'heure de la MEL, que j'aime beaucoup pourtant. Hein. Allez-y, M. Corr, je vous en prie. Alors notre groupe a débattu sur cette question parce qu'il a fallu comprendre quand même le sens de cette délibération. Dans un premier temps, il n'y avait pas eu la liste dans le projet de délibération, il n'y avait pas la liste des parkings. Donc manifestement, vu ce qui nous a été expliqué et envoyé ensuite, nous allons voter pour cette délibération avec vous, c'est-à-dire de ne pas approuver le rapport en faisant part quand même, et là peut-être à titre personnel parce que je n'ai pas eu le temps d'en échanger avec mes collègues du groupe, le parking de la rue Jules Watteau, rue Jacquard, réservé au cinéma, ou la rue Jean Jaurès, réservé au fonctionnement de la bibliothèque, ça me paraît quand même comme critère vu par la MEL assez surprenant, dans la mesure où ce sont quand même bien des parkings qui sont ouverts et où d'autres riverains peuvent les utiliser sans aller au Familia ou sans aller à la bibliothèque. Donc c'est quand même étonnant que la MEL ne retienne pas ces parkings-là pour ces raisons. Et donc, nous allons effectivement voter avec vous la non-approbation de ce rapport. Peut-être que la MEL connaît moins bien LU1 qu'elle ne le pense, malgré tous nos efforts. Merci, Monsieur Corr. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non. Donc, je vais soumettre cette délibération au vote du Conseil. Donc, je rappelle qu'elle vise, bon, comme c'est écrit en fin de délibération, mais je le dis pour le public, elle vise à ne pas approuver le rapport donc, de la commission des transferts de charges et à refuser de valider ce montant réclamé à la ville
au titre du transfert proposé, qui, comme M. Desplanques vient de le rappeler, pour les aires de stationnement, s'établit à 14 360 euros. Voilà, qui est pour l'adoption de cette délibération ? Faut que je fasse tout le tour. Donc tout le monde, donc elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Merci de ce vote dans l'intérêt d'Aluin. La délibération numéro 4 va vous être présentée par Pascal Van Vlassenbroek. Elle concerne l'adhésion au dispositif d'achat groupe proposé par l'UGAP en ce qui concerne donc la fourniture et l'acheminement du gaz naturel. C'est Pascal Van Vlassenbroek qui vous la présente. Elle est adjointe non seulement aux affaires juridiques et à l'état civil, mais aussi au marché public, je le rappelle. Pascal, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la mutualisation entre la métropole européenne de Lille et les communes, et suite à la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui prévoit la suppression des tarifs réglementés de gaz, la ville a adhéré au dispositif d'achat groupé de gaz naturel de l'Union des groupements d'achat public, l'UGAP. Le marché a été passé pour une durée de 2 ans et arrive à échéance le 30 septembre 2016. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la reconduction de ce marché, et ce pour une durée de 3 ans, et d'approuver la convention de gaz proposée par l'UGAP et autoriser M. le maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Merci Pascal. Bon, elle a tout dit. Est-ce qu'il y a des questions ? Elle avait une question sur cette délibération ? Ah, mais elle ne pourra pas voter. Donc, j'explique pour les gens qui regardent le conseil municipal sur Internet, nous attendons Madame Chigri qui va revenir en direct des toilettes. Voilà. Mais je rappelle d'ailleurs au passage que le seul qui ne peut pas faire ça, c'est moi. Et qu'il faut que je prenne mes précautions vraiment avant. On a eu des conseils de 4h30. Voilà. Et oui, si j'y pense pas, je suis très mal. Très, très, très mal. Parce que moi, je ne peux pas. Je peux pas bouger. Moi, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Mais vous avez fait très vite, hein, Madame Chigri. Alors là... Vous avez fait vraiment très vite, très très vite. Il s'agit de... Oui, de toute façon, vous avez la délibération, contrairement au public, sous les yeux. Voilà, donc je peux la soumettre au vote, il n'y a pas de questions, non, tout le monde me dit non. Donc qui est pour son adoption ? Tout le monde, je vérifie bien à chaque fois, hein, parce qu'il y a quand même 3 groupes. Voilà, donc elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. La numéro 5, le temps de passer la convention, voilà. La délibération numéro 5 concerne le personnel municipal, je vais vous la présenter. Elle concerne la signature d'une convention d'adhésion au service mission d'intérim territorial avec le CDG 59. Le CDG 59, c'est le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Alors, en fait, pour faire simple, la loi de 1984, hein, qui régit pas mal de choses concernant les agents territoriaux, prévoit que les centres de gestion dans les départements peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou pour pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut pas être immédiatement pourvu. Donc ces agents sont mis à la disposition des collectivités qui en font la demande, dont les communes, bien évidemment. Et donc les collectivités en question, communes ou autres, doivent être affiliées ou passer une telle convention. Ça se fait à titre onéreux. La loi du 3 août 2009, par ailleurs, qui est relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique,
a désigné précisément les centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et des établissements publics pour la mise à disposition de personnel intérimaire. Donc, c'est la raison pour laquelle la délibération que vous avez sous les yeux dispose que pour assurer la continuité du service, lorsque un agent fait faux bond ou a un problème, et les agents ont souvent un savoir-faire selon leur métier qui fait qu'il n'est pas toujours facile de trouver comme ça au pied levé une personne qui peut faire la même chose ou qui a les mêmes compétences, c'est la raison pour laquelle... Pour assurer la continuité du service, eh bien, nous vous proposons donc de faire adhérer la commune d'Alluin à ses services de la mission d'intérim territorial, qui sont donc assurés par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Et donc, vous avez dû être destinataire normalement de la convention type, donc à partir de laquelle les demandes de disposition de personnel à titre onéreux peuvent être adressées au centre de gestion de la fonction publique du Nord. Donc c'est pour le cas où, hein, c'est pour le cas où la commune a besoin, donc comme ça au pied levé, de remplacer l'un de ses agents par un agent intérimaire qui serait donc mis à disposition du centre de gestion du Nord. Donc, la délib se termine en vous disant qu'il vous est proposé donc d'approuver le principe de recourir à ce type de service proposé par le Centre de gestion du Nord, d'approuver le projet de convention tel qu'il a été joint à vos documents, de m'autoriser à signer donc cette convention donc avec le président du Centre de gestion, de m'autoriser à faire appel, le cas échéant, donc à ce service de mission d'intérim, c'est-à-dire que par cette délibération, eh bien, vous m'autoriseriez donc à faire usage de ce service. Et enfin, la délibération prévoit que les dépenses nécessaires liées à ces mises à disposition intérimaires de personnel seront bien sûr autorisées et prévues au budget. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de délibération ? Madame Lefebvre, je vous en prie. Une simple question, est-ce que cette délibération concerne également le CCAS ou est-ce qu'il faut la passer au CCAS pour qu'elle soit appliquée ou est-ce que ça compte le CCAS compris? Alors, c'est une très bonne question. Je me suis d'ailleurs tourné pour avoir confirmation vers le directeur général des services, mais qui me confirme, cette délibération-là ne concerne que le personnel ville. Il va falloir en passer une en conseil d'administration du CCAS pour pouvoir bénéficier du même service pour remplacer éventuellement de manière intérimaire des agents du CCAS qui seraient amenés à faire défaut. Donc il va falloir adopter la même délibération en conseil d'administration du CCAS. Ici, celle-ci ne concerne que le personnel ville. Monsieur Détailleur, je vous en prie. Merci. Nous allons voter cette délibération car effectivement elle apporte de la souplesse. J'imagine un arrêt maternité, problème santé, maladie. Et il faut effectivement assurer une continuité du service public. En même temps, prenons garde à ce que ça ne devienne pas, je sais bien que ce n'est pas là votre intention, mais que ça ne devienne pas, je dirais, un outil produisant de la précarité. Et je voulais vous poser quand même une question concernant, par exemple, le service espace vert, jardin. Est-ce que vous pensez faire appel, oui ou non, à des saisonniers ? Puisqu'effectivement, les travaux en hiver ou en été sont sensiblement différents. Merci. De toute façon, nos agents du service que vous évoquez sont annualisés. Donc... Oui, mais dans le cadre, je dirais, futur, voilà, est-ce que lorsque les gens partent en retraite, etc., est-ce que ça aura une influence ? Est-ce qu'il y aura des saisonniers ou pas ? Non ? Si la réponse est non, moi, ça me va très bien. Ce sont des questions qui sont plus complexes que ça. C'est-à-dire que c'est difficile d'y répondre comme ça en une seconde, mais je ne veux pas me dérober. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... C'est pas votre volonté, quoi. L'idée n'est pas là. Oui, voilà. Bon, OK. Vous avez répondu vous-même. Non, okay. Mais c'est ça, Monsieur Détailleur. C'était le sens de ma question. Oui, non, mais je pense qu'on doit probablement être en phase là-dessus. Nous, si vous voulez, la stratégie, c'est l'annualisation. Tout le monde le sait. Et nous essayons
autant que faire se peut, de trouver les ressources en interne, hein, à chaque fois qu'on le peut. Et en ce qui concerne le service jardinage, parc et jardin, hein, c'est faisable. Donc voilà, ça me paraît participer d'une bonne gestion et d'une gestion rationnelle des deniers publics. Je pense qu'on est en phase là-dessus. Je le vois à votre... Absolument. Merci, monsieur Détailleur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, bien sûr, alors vous savez bien que ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas pour tomber dans la facilité. Hein. Mais il peut arriver que nous avons quand même à la ville d'Aluin, et c'est fort heureux, nous nous en félicitons, des techniciens qui, dans leur domaine, il y en a par-ci, par-là, qui sont les seuls à savoir faire ce qu'ils font. Parce que c'est un métier. Parce que c'est une technicité, parce que c'est une expertise. Je ne vais pas citer de nom parce que je vais faire des jaloux, ou même pas des postes parce qu'on les reconnaîtra. Mais il y a comme ça dans les services des agents, on sait très bien que s'ils font défaut, on ne peut pas les remplacer au pied levé parce que ce qu'ils font est beaucoup trop technique. Ça peut arriver en matière de voirie, des dossiers à faire pour la mêle. Enfin, c'est techniquement des... Ce sont des dossiers qui... C'est juste un exemple. Hein. Ce sont des dossiers qui techniquement sont assez complexes. Voilà, c'est destiné à ça. C'est destiné à remplacer ces gens-là parce que le centre de gestion, lui, dans son vivier, si je puis dire... Il va pouvoir nous proposer le technicien qui a les qualifications et qui a la compétence. Voilà, c'est uniquement destiné à ça. Ça ne sera jamais utilisé, monsieur Détailleur, je veux vous tranquilliser là-dessus, et je veux tranquilliser les Aluinois, ça ne sera jamais utilisé par facilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne sera pas pour remplacer quelqu'un qui se met en arrêt maladie alors qu'il n'est pas malade et qui peut, alors qu'on peut s'organiser autrement. Voilà, c'est... voilà, c'est dit un peu familièrement, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Très bien. Donc je mets la délibération au vote. Qui est pour son adoption? Donc je regarde bien tout le monde. Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors après la numéro 5, logiquement, ça devrait être la numéro 6. Il faut juste que... Je la trouve. La voici, la voilà. La délibération numéro 6 que je vais vous présenter également concerne le personnel municipal. Alors ici, il s'agit d'une création de poste, donc d'une modification du tableau des emplois. Alors je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. Alors d'ailleurs, j'ai demandé à ce que ça figure le plus clairement possible dans la délibération elle-même. Mais je vais la reprendre pour le public et pour les gens qui nous regardent sur le net. Alors... On touche ici à la politique de la ville en matière de prévention et de sécurité, et même à notre service prévention de la ville d'Aluin, auquel nous tenons beaucoup. Il faut savoir que la ville d'Aluin disposait de 3 postes dits d'adultes relais. Ce sont des postes donc financés dans le cadre de la politique de la ville. Ils étaient financés à hauteur de 80% par l'État, mais jusque fin février 2016. Alors, ils seront reconduits comme emploi contractuel équivalent au cadre d'emploi des adjoints d'animation, mais ne seront plus financés désormais, parce que ce n'est pas le même dispositif, qu'à hauteur de 50% par le FIPD. Alors, ces emplois ne peuvent être des emplois d'agents titulaires parce que le financement ne serait pas accepté par l'État. Par ailleurs, les missions de ces agents vont être dorénavant réorientées plus spécifiquement vers la prévention de la délinquance. Je pense que nous en avons besoin. Alors, compte tenu de la vacance de 2 postes, il convient d'en créer un. Il nous faut créer un poste supplémentaire, car je le rappelle, nous avions à la base 3 adultes relais. Je parle bien sûr des postes d'adjoint d'animation. Donc conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, c'est-à-dire ici en l'occurrence le conseil municipal. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois. Et donc ici, pour cette filière animation, comme nous ne disposons que de 2 postes vacants,
et que nous avions 3 adultes relais, eh bien, pour conserver tout le monde, il nous faut créer, c'est une création de poste, il nous faut créer un poste d'adjoint d'animation de 2e classe, cette création entrant en vigueur, prenant effet, si vous préférez, au 1er mars 2016. Voilà, j'espère avoir été clair, parce que ce n'est pas évident à expliquer. Pour parler plus simplement, parce que bon, on est entre nous et à l'U1, tout le monde se connaît. Vous connaissez bien sûr notre service prévention et nous sommes extrêmement satisfaits du travail qui est réalisé par ce service et le dispositif par lequel l'État nous assurait ces trois postes d'adultes relais avec une prise en charge à hauteur de 80%, bon, ça se termine fin février 2016, hein, donc... Voilà, c'est là à la fin du mois. Et si nous étions restés sans bouger, nous avions 3 de nos agents qui font vraiment un travail très, très appréciable auprès des Aluinois et notamment pour leur sécurité, qui avaient leur emploi en danger, tout simplement. Et dans la mesure où il y a un véritable service rendu aux Aluinois, il était du devoir de la municipalité de conserver les 3 personnes. Là, je parle des personnes physiques. Hein. Voilà. Donc, pour parler plus simplement, voilà le but de cette délibération, c'est-à-dire pouvoir assurer à notre service prévention pour la sécurité des Aluinois, eh bien, la même présence avec le même personnel, en dépit d'un dispositif dont mon prédécesseur avait obtenu qu'il puisse jouer, mais à titre exceptionnel. Il l'avait obtenu à titre exceptionnel et donc... on nous a notifié un peu brutalement que ça allait s'arrêter fin février et il a fallu agir, d'où cette délibération. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien. Bon, donc c'est que j'ai réussi à peu près à être clair. Merci. Donc je soumets cette délibération au vote. Qui est pour son adoption ? Donc tout le monde, et je vous en remercie pour notre service prévention, la délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 7. La délibération numéro 7 qui va vous être présentée par Pascal Van Vlassenbrock, qui adore les fourrières, mais elle s'était un peu spécialisée dans les fourrières automobiles. Et là, elle va changer un petit peu. Elle va passer de la fourrière automobile à la fourrière animale. Et elle va nous parler du lancement d'une procédure simplifiée de DSP, de délégation de service public. Pascal, tu as la parole. Merci. La ville d'Aluin dispose d'une convention avec la Ligue protectrice des animaux, renouvelée tous les 2 ans, pour effectuer la prise en charge des animaux errants. Il convient d'établir une procédure de délégation de service public pour la fourrière animale. C'est pourquoi 2 délibérations ont été prévues. Donc je vous présente donc la première. Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale adaptée à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. La collectivité peut choisir de confier à un co-contractant la gestion d'un service public d'intérêt général. Il s'agit alors d'une délégation de service public dite simplifiée. Il convient, pour respecter la réglementation en vigueur, d'établir une procédure de délégation de service public pour la fourrière animale. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir accepter le principe d'une délégation de service public pour la fourrière animale et d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de mise en concurrence. Voilà, et donc Pascal, tu as annoncé à juste titre la délibération suivante, mais je préfère qu'on les vote quand même séparément, puisque celle-ci, comme tu viens de le dire à l'instant, demande au conseil municipal d'accepter le principe d'une DSP. D'une délégation de service public pour cette fourrière animale, tandis que l'autre vise vraiment à approuver un avenant à la convention 2014-2015. Donc ça, je préfère qu'on sépare bien les choses. Oui, est-ce qu'il y a des questions sur la première des deux, sur la numéro 7, qui vient de vous être présentée par Pascal Van Vlassenbrock ? Monsieur Corr me dit non pour son groupe. Monsieur Détailleur me dit non pour son groupe.
dans la majorité, vous la connaissez par cœur maintenant, donc j'imagine toutes les questions avaient déjà été soulevées, donc pas de questions non plus. Donc je la soumets au vote, la numéro 7. Qui est pour son adoption? Donc, oui, tout le monde. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Donc, je vous remercie. Donc, on va passer à la délibération numéro 8. Donc, je rends de suite la parole à Pascal Van Vlassenbroek. C'est un peu la suite, puisque ça concerne donc toujours cette fourrière animale, mais cette fois, Pascal va vous parler d'un avenant à la Convention 2014-2015. Je t'en prie, Pascal. Merci. La convention avec la LPA de Roubaix est arrivée à son terme le 31 décembre 2015. Il a donc été convenu d'établir un avenant avec la LPA pour la continuité du service public, et ce à partir du 1er janvier 2016, jusqu'au moment de la signature de l'offre. En effet, la capture des animaux et la gestion de la fourrière peuvent être confiées par convention à un tiers compétent, chargé de l'exécution d'un service public. Aussi convient-il de déterminer les conditions de son activité. Premièrement, obligation du gardien de fourrière. La LPA s'engage à mettre en œuvre les moyens dont elle dispose pour recueillir les animaux trouvés sur le territoire d'Aluin, à assurer le service de garde de permanence en cas d'urgence, à assurer l'ouverture au public des locaux de la fourrière. Deuxièmement, rémunération de la LPA. La LPA sera rémunérée sur la base d'une participation forfaitaire annuelle calculée à partir d'une participation annuelle par habitant. Cette participation annuelle par habitant, identique à 2015, est fixée pour 2016 à 0,61 € hors taxe. Troisièmement, rapport sur l'exécution. La LPA produira chaque année avant le 1er juin un rapport permettant à la collectivité d'apprécier les conditions d'exécution du service. Quatrièmement, durée de l'avenant. L'avenant à la convention est établi à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au moment de la signature de la nouvelle offre dans le cadre de la procédure simplifiée de délégation de service public. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant applicable à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au moment de l'offre, de la signature de l'offre, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des questions? Donc tous les groupes me disent non. Voilà, donc c'est une délibération, enfin ce sont deux délibérations qui peuvent paraître comme ça un peu, on a l'impression que c'est une formalité, mais c'est quand même très important comme type de service, parce qu'il s'agit des animaux, et je sais que de nombreux Aluinois aiment les animaux, dont on fait partie d'ailleurs, ici autour de cette table, donc c'était nécessaire. Qui est pour l'adoption de cette délibération numéro 8 ? Donc, tout le monde. Oui, tout le monde. Je vous remercie. La délibération numéro 8 est donc adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 9 concerne la vidéoprotection, mais cette fois, on va parler d'avenir. Elle concerne son déploiement, la poursuite de son déploiement à Aluin. Et elle concerne surtout le financement de ce déploiement. Je donne la parole à notre conseiller municipal délégué à la sécurité, Monsieur Georges Canotte. La commune d'Aluin a décidé de mettre en œuvre la troisième phase de déploiement de caméras de vidéoprotection. Cette démarche doit également conduire à optimiser et à faire évoluer son système actuel. Le système envisagé permet l'enregistrement et le visionnage a posteriori. L'installation d'une trentaine de caméras s'étalera sur 2 ans. Certaines caméras permettront l'identification des véhicules pour les axes d'entrée et sortie de ville, d'autres l'identification d'individus dans les quartiers souffrant d'actes de délinquance. Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 300 000 € hors taxes, répartis sur 2 ans, 160 000 € hors taxes en 2016 et 140 000 € hors taxes en 2017. Par ailleurs,
la commune souhaite se faire assister, comme pour la phase 2, par un bureau d'études extérieures tout au long de sa démarche au titre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage dont le coût prévisionnel est quant à lui estimé à 14 925 euros hors taxe. La commune peut prétendre à un soutien financier au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance au taux maximal de 50% pour l'étude et de 40% pour l'investissement attribué sous forme de subvention. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, premièrement, accepter le principe de l'évolution du système communal de vidéoprotection sur la voie publique par l'ajout d'une trentaine de caméras sur 2 ans, la mise en place d'un réseau complémentaire de transmission hertzien et en fibre, ainsi qu'un complément de moyens d'enregistrement et de visionnage. Deuxièmement, autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide de l'État auprès du FIPD pour un financement partiel de la mission d'assistance d'ouvrage au taux maximal de 50% de 14 925 euros hors taxe. Troisièmement, autoriser Monsieur le maire a sollicité également l'aide de l'État auprès du FIPD pour le financement partiel de l'investissement ainsi envisagé au taux maximal de 40%. Enfin, autoriser Monsieur le maire à signer tout document administratif et financier nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Merci Georges. Voilà donc la vidéoprotection, donc initiée par mon prédécesseur, avec les voix de l'opposition à l'époque, et continuée par la présente majorité. Donc c'est très bien, c'est dans l'intérêt des Aluinois, c'est pour leur sécurité. J'avais dit lors de la campagne électorale des élections municipales que nous essayerions de doubler le nombre de caméras à Aluin sur le mandat, c'est-à-dire d'ici 2020, nous aurons un peu d'avance, puisqu'il y avait 30 caméras quand nous sommes arrivés, il y en aura 62 fin 2017. Donc je n'exclus pas, entre fin 2017 et la fin du mandat en 2020, je n'exclus pas, même si nos finances le permettent, d'en ajouter encore. Pourquoi pas ? Je pense qu'il faut essayer d'en mettre le plus possible dans les zones où des problèmes d'insécurité pourrissent la vie des Aluinois. On va parler simplement. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a M. Détailleur et Mme Chigri, mais j'applique toujours la même jurisprudence. La jurisprudence qui est valable pour Mme Eblé l'est aussi pour Mme Chigri. Donc, Mme Chigri, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous lisez dans mes pensées. Puisque à la lecture de la délibération présentée ce soir, je vous avoue notre satisfaction de constater votre évolution en matière de vidéoprotection. En effet, vous optez pour la poursuite, voire l'amplification de la politique que nous avons initiée, et c'est ce que vous disiez à l'instant, Monsieur le maire. Alors, vous en conviendrez, Monsieur le maire, l'utilisation des vidéoprotections et l'exploitation des images recueillies doivent observer les règles et usages républicains qui amènent un consensus. Aussi, je vous dis notre regret, voire notre incompréhension, devant le refus de laisser un membre de notre groupe siéger au CISPD. Nous pensons que cette fermeture ne répond pas au mouvement à venir qui consiste à mutualiser les moyens pour, un, minorer les coûts, deux, accroître l'efficacité de cet équipement sur tout le territoire. Pardon. L'évolution, c'est bien sûr l'élargissement des territoires, mais c'est aussi la synergie de tous les acteurs de la tranquillité publique. En un mot, l'ouverture. La ville et ses élus doivent y prendre toute leur place parce que la sécurité de nos concitoyens est une préoccupation commune. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le maire, je dirais la même chose au nom de notre groupe. J'en profite pour souligner la qualité du travail effectué par le service prévention. Mais je redis également notre déception de ne pas avoir été associé au CISPD à propos d'un sujet aussi important.
Enfin, en qualité de groupe d'opposition responsable, soucieux de l'intérêt général, mais aussi des conditions de vie des Aluénois, eh bien, nous voterons évidemment pour l'adoption de cette délibération, parce qu'elle s'inscrit dans la continuité de nos actions. Merci. Merci, Madame Chigri. Je vais vous répondre tout de suite avant de donner la parole à... C'était vous, hein, Monsieur Détailleur, qui aviez demandé la parole. Je vous la donne dans un instant. Je vais répondre d'abord à Madame Chigri. Ce sera plus simple ainsi. Moi, vous savez, je le regrette comme vous, hein, que vous ne soyez pas présent au CISPD. Je n'en peux rien, très sincèrement, même si je le préside. J'ai reposé la question. En fait, ce sont les textes qui ne le prévoient pas. C'est même pas monsieur Alain de Tournay qui est le président de RALIS, puisque RALIS, notre syndicat intercommunal, porte le CISPD. Hein, et c'est sur délégation, d'ailleurs, du président de RALIS que je préside le CISPD. Je rappelle ça pour que ce soit bien clair. Monsieur de Tournay n'est pas en cause non plus, parce que je le sais, parce que j'en ai reparlé suite à... On a eu un échange là-dessus, je ne sais pas si c'est la dernière fois ou la fois d'avant, mais je sais qu'il y a eu un échange. Et donc j'ai évoqué à nouveau cette question. Ce sont les textes qui ne le permettent pas. Et d'ailleurs, aucune commune membre du CISPD n'est représentée par un membre de son opposition. Aucune. Il y a dans le CISPD 9 communes aujourd'hui. Contrairement à ce que la presse a dit, il n'y a pas Mouveau, il n'y a plus Mouveau. Il y a les 7 de RALIS, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, hein, les 7 de RALIS, dont nous faisons partie, plus 2 autres qui ne sont pas membres de RALIS, mais qui adhèrent au CISPD, pour parler simplement, qui sont donc Neuville-en-Ferrin et Roncq. Bon. Aucune de ces 9 communes n'a de représentant de son opposition au sein du CISPD. Moi, il m'a été répondu que les textes, et d'ailleurs j'ai pu le vérifier, ne le prévoient pas. En fait, ils n'en parlent pas. Ils ne l'interdisent pas non plus, mais le CISPD est composé des communes qui y adhèrent. Et c'est ainsi. Bon, voilà, je n'y puis rien. Moi, je pense effectivement, et je le dis depuis le début, c'est ce que j'ai toujours pensé, je pense effectivement que ça pourrait être utile, tout comme dans d'autres instances, mais où là, les textes le permettent, parce que c'est prévu ainsi. Je pense par exemple au comité technique ou au CHSCT, où il y a des membres de l'opposition qui sont présents. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, parce que ce sont des lieux d'échange et de débat. Le CISPD est... Alors, c'est plus protocolaire et plus formel, mais c'est quand même, à certains égards et par moments, un lieu d'échange et de débat. C'est quand même beaucoup plus protocolaire. Bon. Mais quand même, le CISPD, moi, je pense, pourrait être un lieu d'échange et de débat. Mais bon, c'est ainsi, je n'y puis rien. Je ne peux vous faire que cette réponse. Et il y a 9 communes dans le CISPD de la vallée de la Lys, dont Aluin. Donc, il y en a 8 autres. Hein, et aucune de ces 8-là n'envoie de membre de son opposition. Aucune. Vous souhaitiez... Oui. Alors, c'est une simple question. Serait-il possible, pour le coup, de modifier les textes? La ville d'Aluin serait... Je vous parle de la loi. Là. Serait moteur. Ce serait une première jurisprudence initiée par la ville d'Aluin. Je vous parlais... C'est un texte de loi ou c'est... Non, c'est un texte. Je vous parlais de la loi, là. Je ne suis pas encore député, donc je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour l'instant. Je ne peux rien faire pour l'instant. Non, je parlais des textes nationaux, oui. Monsieur Détailleur, vous aviez demandé la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Nous allons naturellement voter cette délibération, tout simplement parce que nous sommes convaincus de l'utilité de la vidéoprotection, qui est l'un des moyens permettant de restaurer la tranquillité publique. En même temps, nous avons bien conscience que, déjà financièrement, on ne peut quand même pas mettre 200 caméras dans la ville, donc ça restera toujours limité, et quand bien même il y en aurait 200, les soucis se déplacent. Donc rappelons qu'une présence terrain reste également nécessaire
parallèlement à la vidéoprotection. Je tiens également à remercier ici, puisqu'il vient de démissionner il y a même pas 8 jours, Gérald Darmanin, qui avait fait un geste substantiel sur sa réserve parlementaire. De mémoire, je crois que c'était 50 000 euros. Ah non, non. 9 000 euros. 9 000 euros. Mais c'est déjà bien. Ah bon, voilà. Bon, autant pour moi. En tout cas, qu'il y avait... Mais entre 9 000 et 50 000, vous qui êtes un amoureux des chiffres, Monsieur Darmanin a participé sur sa réserve parlementaire à hauteur de 9 000 euros. Le prochain député a le droit de faire mieux, d'ailleurs. Le prochain député aura le droit de faire mieux qui que ce soit. On lui dira. On lui dira. Voilà. Absolument. Comptez sur moi pour le lui demander. Très bien. Je voulais également vous poser une question, puisque j'ai vu que voilà, il y avait une centralisation du visionnage des caméras donc sur Tourcoing. Dans le cadre de la mutualisation qui permet donc de limiter les frais, qu'en sera-t-il d'Aluin? Est-ce que vous allez intégrer cette mise en commun ou bien pas? Merci. Alors je vais vous répondre, Monsieur Détailleur, c'est une bonne question. C'est une bonne question et ma décision n'est pas prise. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Alors, en règle générale, je suis pour la mutualisation, sur le principe. Sur le principe et en règle générale. Bon, d'ailleurs, Euralis, c'est de la mutualisation, la MEL, c'est de la mutualisation. Bon, les temps sont durs, tout coûte cher et c'est vrai que quand on peut partager les frais, comme disent les jeunes quand ils organisent une soirée, mais là c'est la même chose, quand on peut partager les frais, c'est mieux. Bon. Ceci étant, même si faire des économies, c'est très important, il faut les faire avec intelligence et de façon lucide, et il ne faut pas que ça obère tout le reste. Là, il s'agit quand même de la sécurité des Aluinoises et des Aluinois. Donc ma décision n'est pas prise. Pourquoi? Parce que nous nous posons avec Georges Canotte, conseiller municipal délégué, qui me dit qu'il va en dire un mot, et qui est aussi un officier de police à la retraite, donc ça va être très intéressant de l'entendre. Bon, Georges Canotte travaille avec moi beaucoup sur ce dossier, d'autres aussi, de Gauthier Desplanques sur le plan financier, Véronique Six, qui est aussi adjointe à la prévention, ne l'oublions pas, et à la politique de la ville. Donc c'est un dossier très transversal, qui concerne donc un certain nombre d'adjoints et de conseillers municipaux. La question que nous nous posons, et ce sont des questions en fait que nous posons aux villes avec qui nous serions amenés à mutualiser. La première d'entre elles, Tourcoing, il y aurait aussi Neuville, Roncq et d'autres. Hein. Bousbecq est venu aux réunions de préparation, Mouveau, bon, etc. Les questions... Alors d'abord, il y a la question de la participation financière qui serait demandée à Aluin. Au moment où je vous parle, monsieur Détailleur, je n'ai pas d'éléments. Donc je ne peux pas prendre de décision. Parce qu'il ne s'agit pas pour Aluin, quelque part, de payer ou de financer le CESU de Tourcoing... sans s'assurer que nous, on ait le service et qu'on en ait pour notre argent, si je puis dire. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'attends des précisions de la part de M. Darmanin et de la part aussi des autres maires. Et vous pouvez me faire confiance pour défendre les intérêts d'Aluin, bec et ongle. Ça m'amène d'ailleurs parfois à agacer certains de mes collègues maires, mais bon, c'est comme ça. J'ai été élu pour défendre ma ville, pas pour plaire aux autres. Ça, c'est la première chose. Un autre aspect, mais j'en cite deux, c'est pour l'exemple. Il y a d'autres questions qui se posent, hein, mais c'est parce que je ne veux pas être trop long. Un autre aspect, c'est que le CESU, bon, je le dis pour le public, le CESU, c'est le centre où il y aurait les écrans avec les images. Hein. Actuellement, nous, on a notre centre avec les images à Aluin. Bon. Et c'est un agent assermenté par moi-même. Et moi-même, d'ailleurs, on est les deux seuls à pouvoir voir les images. Bon, moi, le temps me manque souvent, mais donc je confie ça à quelqu'un le plus souvent qui fait ça très, très bien. Bon, mais on maîtrise notre outil. Bon, et c'est très important. C'est très important en matière de sécurité. Si on mutualise, moi, une question que je pose, mais je dis à titre d'exemple, il y en a beaucoup d'autres. Le CESU, ce centre-là où il y a les images et les agents qui les regardent, il va se trouver à Tourcoing. Pour toutes les communes qui auront mutualisé. Les agents qui seront derrière les écrans, je pense grosso modo que
ce vers quoi on se dirige, c'est des policiers municipaux de la police municipale de Tourcoing, qui ne connaissent pas les rues d'Alluin, qui ne connaissent pas nos rues, qui ne connaissent pas tout ce que savent mes agents à moi qui s'en occupent et qui les rend particulièrement efficaces dans le traitement des images. Donc, c'est juste un exemple de question que je me pose et sur laquelle je veux des garanties pour être sûr que ce sera tout aussi efficient qu'aujourd'hui pour la sécurité des Aluinois. Parce que si derrière les écrans, je n'ai que des gens qui ne connaissent pas les rues d'Aluin, moi, ça ne m'intéresse pas, je vous le dis tout de suite. Donc, il faut que je négocie. Est-ce que je peux mettre des gens à moi qui connaissent les rues d'Aluin devant les écrans ? Bon, ce sont des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Et tant que je n'aurai pas ces réponses, je ne donnerai pas mon accord, je ne le donnerai pas les yeux fermés. Donc voilà. Mais sinon, sur le principe de mutualiser, je trouve que c'est un bon principe. Et j'espère qu'on y arrivera. Mais je peux pas faire un chèque en blanc, puisque je ne sais toujours pas combien on va me demander à moi à Luin. Et je veux les garanties dont je vous ai donné là un exemple à l'instant. Donc voilà. Ensuite, s'ajoute à ça, et j'en terminerai par là, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Vous savez, les dossiers sont plus complexes que ce dont ils ont l'air. Hein. Mais il y a encore un autre problème qui se surajoute, c'est le problème purement technique des matériels utilisés. C'est que nous, on travaille avec une certaine société, avec un certain matériel, avec certaines caméras. Il faut tout harmoniser si on mutualise. C'est-à-dire que si les autres, ils choisissent un autre matériel, voilà, donc il y a tout ça à harmoniser aussi, et c'est assez lourd. Et ça, il ne faudrait pas que ça nous revienne plus cher que ce qu'on va gagner en mutualisant, et en plus, peut-être en perdant notre indépendance. Donc, vous savez, c'est très important en matière de sécurité, parce qu'il s'agit de la sécurité des Aluinoises et des Aluinois, c'est très important de garder notre libre arbitre et notre indépendance. Je ne veux pas qu'un jour on me refuse des images. Et qu'est-ce qui va se passer en 2020 dans les différentes communes ? S'agissant de gestion municipale, imaginez, j'espère que ça n'arrivera jamais, imaginez que le Front National gagne à Tourcoing en 2020. Je fais comment, moi, après, pour avoir les images ? Vous voyez, il y a des questions comme ça. Est-ce que vous y aviez pensé ? Moi, mon devoir, c'est d'y penser. Moi, mon devoir, c'est d'y penser. Alors, vous savez, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et en tout cas, je ne braderai pas la sécurité des Aluinois. Je ne prendrai une telle décision. Et je vous l'ai dit très sincèrement, monsieur Détailleur, elle n'est pas prise au moment où je vous parle. C'est la vérité, elle n'est pas prise. Et je ne pourrai la prendre que lorsque j'aurai un minimum d'assurance. Et la garantie essentielle que je veux avoir, c'est notre indépendance à nous, à Aluin, dans la gestion de notre sécurité, de la sécurité des Aluinois. Et surtout, je ne veux pas qu'en 2020 ou même plus tard, parce que gouverner, c'est prévoir, hein, disait le général de Gaulle, donc il faut regarder même plus loin que 2020, c'est notre devoir. Je ne veux pas qu'un jour, on dépende, par exemple, d'une municipalité FN ou même tout ce que vous voulez pour notre sécurité ou pour obtenir des images qu'on devra alors quémander alors qu'on aura tout payé. Voyez ? Donc... On n'est pas encore arrivé dans ce dossier. Mais en attendant, je veux qu'on avance, d'où la délibération que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que moi, l'instruction que j'ai donnée au service, c'est vous continuez le développement de la vidéoprotection à Aluin comme si on ne mutualisait pas, en espérant qu'on mutualisera. Mais je ne veux pas non plus qu'on prenne du retard, donc on avance. On aura 62 caméras fin 2017, alors qu'il y en avait 30 lorsqu'on est arrivé en 2014. Et c'était... une fort bonne chose faite par mon prédécesseur. Il l'a faite dans un délai relativement comparable. Voilà, donc on va en ajouter 32. Je précise aussi, pour les Aluinoises et les Aluinois qui nous regardent, parce que vous le savez, mais c'est important, je précise que un lieu surveillé, un lieu protégé, on va dire, c'est plus constructif, un lieu protégé, c'est deux caméras. Voilà. Donc, avec la trentaine de caméras qu'on va ajouter, c'est 15 nouveaux lieux. Ce n'est pas 30. Hein. Parce que déjà, depuis que ça a été rendu public, qu'on allait doubler le nombre de caméras d'ici fin 2017, tout le monde me demande aux caméras, une caméra dans sa rue.
Donc, ça ne sera sur les deux ans que 15 lieux nouveaux d'implantation. Hein. Un lieu, c'est deux caméras. Ça, faut le savoir aussi. Georges Canotte, tu as demandé la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, ben, écoutez, je serai très bref. Vous avez exactement résumé ma pensée, monsieur le maire. Je suis désolé. Et j'aurais voulu justement rester très procédurier là-dedans, pardon. Ben oui, à ma question que je m'interpellais, justement. Alors, je voulais rester très procédurier. Pour moi, il y a trois éléments constitutifs dans cette centralisation. Il y a l'élément légal, il y a l'élément matériel, et l'élément moral. Vous avez dans l'élément légal, vous avez justement cette habilitation qui va visionner certainement la police municipale. Si un jour nous passons, par exemple, dans une zone ou une autre, à la vidéo-verbalisation, vous savez, justement, l'habilitation s'arrête aux frontières de la commune. Quid de l'agent qui regarde ne pourra pas verbaliser sur notre commune, pour exemple. L'élément matériel, technique et pratique, monsieur le maire, vous l'avez développé, la différence, justement, des technologies employées, et à savoir aussi ce mur d'écran. Combien de personnes vont visionner ce mur d'écran? Combien d'écrans, d'ailleurs? 10 personnes? 5 personnes? On parle d'un central qui regrouperait 500 caméras. 500 caméras. Sachant qu'une caméra d'homme fait une image tous les 10 secondes. Vous voyez combien ça fait? Ça fait, si on arrondit à 50 secondes dans la minute, ça fait à peu près 250 images minutes. Vous voyez combien le nombre d'écrans qu'il faut. Vous dites bonjour le collier pour celui qui observe. Alors, bien, je ferai fi de cela. Et vous avez bien relevé ça, monsieur le maire, concernant l'élément moral. Dépendance, indépendance. À savoir que justement, ce n'est pas l'État, un service de l'État qui reprend cette centralisation, car l'État assure une continuité. Quid de nos différences entre les communes aux prochaines élections? Tous les 6 ans, cela change, d'un côté comme de l'autre. Donc, le récepteur, l'émetteur, qu'en sera-t-il? Justement, on peut se poser. Le récepteur qui imposerait des mises en place d'émetteurs, le récepteur qui ne donne pas les informations désirées à la commune, quid, on pourrait cacher des éléments dans un intérêt, ou même le récepteur qui épierait la ville. Eh oui, il a un regard sur votre ville alors qu'il est diamétralement opposé au niveau idéologique. Quid de cette indépendance? Et là, la question se pose. Moi, je le dis. Alors, voilà. Or, c'est tous ces éléments que j'ai relevés, je pourrais encore vous en citer, mais le débat n'est pas là aujourd'hui. Je crois que tout le monde a compris. Mais ces trois éléments qui constituent une infraction, comme vous le savez, mais sont là nécessaires, légal, matériel et moral. Merci, mesdames, merci, messieurs. Merci, Georges. Je ne sais pas s'il y a... Non ? Très bien. Ben écoutez, je crois que sur cette délibération, tout est dit. Je la soumets au vote. Qui est pour son adoption ? Donc, tout le monde. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie pour la sécurité des Aluinois. Je vous en remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 10, qui va vous être présentée par Laurent Meunier. Et pour cause, elle concerne les avances sur subvention pour l'exercice 2016 à une série d'associations sportives. Donc Laurent Meunier, adjoint au sport, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, afin de préparer la saison sportive dans les meilleures conditions, les sociétés sportives locales recevront une avance équivalente à 25% du montant de la subvention perçue l'année précédente. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser l'avance sur subvention au titre de l'année 2016 aux associations sportives ci-dessous, dans l'attente du vote du budget primitif, et ce pour un montant de 41 161 euros et 31 centimes.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. Avant de passer au vote, je voudrais procéder à une petite vérification. Donc, mon directeur des services me dit qu'il y aurait plusieurs élus qui ne pourraient pas prendre part au vote en raison de leur appartenance aux exécutifs de certaines de ces associations. Donc je voudrais vérifier, parce que parfois les exécutifs changent, hein, parce qu'il y a des âgés. Il y a des âgés, donc je voudrais être sûr. Hein. Donc on me signale que M. Corr serait membre de l'exécutif d'une, au moins d'une des associations listées. C'est bien exact, je vous remercie. M. Dierix, mais qui n'est pas là ce soir, qui a donné pouvoir. Donc principe de précaution, on va considérer qu'il est dans l'un des exécutifs et donc il ne prendra pas part au vote. En tout cas, la personne qui a le pouvoir ne votera pas pour lui. Monsieur Kranowski, tu es dans l'une des associations. Oui, c'est bien ce qui me semblait, hein, mais donc c'est toujours le cas. Hein. Ok, donc tu ne prends pas part au vote non plus. Madame Vandevelle de Laurence, elle confirme. Tu n'en fais plus partie, donc pas de problème pour toi, tu peux voter. Ok. Oui, bah oui, bon, c'est pas grave. Maintenant, il le sait, le directeur général des services. Il a une très bonne mémoire. Il l'a noté. Et Madame Carré, est-ce qu'elle est toujours membre? Toujours. Donc, elle ne prend pas part au vote. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié? Alors, parce que ça peut changer dans les deux sens. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'était pas est devenu membre de l'exécutif d'une de ces associations? Et dans ce cas-là, il faut qu'il ou elle se dénonce? Non. Pas d'auto-dénonciation, nouveau concept? Non? Bon, très bien. Donc, je vais donc soumettre la délibération à votre vote. Étant précisé que M. Corr, M. Dierix, M. Kranowski et Mme Carré ne prennent pas part au vote. Hein, donc, pour les décomptes, vous ferez attention, M. le directeur général des services, et je vous en remercie. Qui est pour l'adoption de cette délibération numéro 10? Alors, tous ceux qui ont le droit de voter ont levé la main. Donc, il y a bien unanimité des votants. Je vous en remercie. La numéro 11. Alors, la délibération numéro 11 va vous être présentée par Patrick Splett. Elle concerne des avances sur subvention pour l'exercice 2016, mais d'autres associations n'ayant pas de caractère sportif. Patrick, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance sur subvention annuelle aux associations suivantes afin de leur permettre de fonctionner jusqu'au vote du budget primitif 2016 en attendant de fixer les montants annuels totaux des subventions desquels seront déduites les présentes sommes. Maison des jeunes et de la culture, la MJC, 22 000 euros. Comité des œuvres sociales, 2 000 euros. Les chemins de l'amitié, 1 500 euros. L'EPI, 5 000 euros. Ces subventions seront inscrites au budget primitif 2016. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Alors moi, je vais poser la même que précédemment. J'ai sur ma petite liste de gens qui ne prendraient pas part au vote, M. Caron, donc il confirme. Ça, on le savait, en fait, mais bon. Je le demande pour la forme. Vous en avez parlé tout à l'heure, même. Et Madame Van Vlassenbroek, tu fais plus partie. Donc, tu peux voter, là. OK. Donc, Madame Van Vlassenbroek, elle peut voter. Par contre, Madame Six peut pas. Effectivement. Et Sylvie, tu disais. Sylvie Derden? Quand? Donc, elle peut pas non plus. Et Michael Dierix non plus. Votre liste n'est pas à jour, hein, monsieur Leleu. Et monsieur Desplanques pour l'EPI. Alors, monsieur Desplanques pour l'EPI. Monsieur Desplanques ne prend pas part au vote. Monsieur Desplanques ne prend pas part au vote. Vous ne gourrez pas dans les... Parce que pour la délib, après, pour la préfecture, c'est important. Hein. Vous savez que je vais regarder. Hein. Fabiola également. Comment? Fabiola également pour l'EPI. Madame Carré pour l'EPI, elle confirme? Madame Carré, pour l'EPI, vous seriez... Vous êtes dans l'exécutif, dans le bureau, pour l'EPI? Conseil d'administration.
conseil d'administration. Vous êtes au conseil d'administration, d'après M. Desplanques. D'accord. Non. Conseil d'administration, non. Ben c'est... Oui. Alors, c'est bon. Donc, je récapitule. Ne prennent pas part au vote si quelqu'un... Alors, est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, n'aurait pas été signalé? Non, c'est bon. On a... C'est bon. Alors, donc, ne prennent pas part au vote. Si je me trompe, vous me corrigez immédiatement. Ne prennent pas part au vote Monsieur Caron, Madame Six, Madame Derden, Monsieur Diérix, Monsieur Desplanques et Madame Carré. On est d'accord là-dessus? Voilà. Maintenant, je soumets la délibération numéro 11 au vote du Conseil, qui est pour son adoption. Donc, tous ceux qui peuvent voter sont pour. Donc, elle est adoptée à l'unanimité des votants. Je vous remercie. Donc, c'était la délibération numéro 11. Donc, nous passons à la 12. La délibération numéro 12 va vous être présentée par Madame Six. Elle concerne les... ALSH, c'est-à-dire, pour parler plus vulgairement, nos centres aérés. Là, ici, ça concerne l'exercice 2015 et les vacances de la Toussaint et de Noël. Véronique, il s'agit donc de la subvention habituelle à la MJC Centre Social, mais tu vas nous expliquer tout ça. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit donc, dans le cadre du partenariat qui nous lie à la MJC Centre Social, et plus particulièrement donc, dans le cadre de la nouvelle organisation qui a été mise en place en 2014, donc relative à l'organisation des centres de loisirs, des petites vacances et de l'été. Compte tenu du fait que nous mettons à disposition des animateurs donc auprès de la MJC, il s'agit ici de verser une subvention donc à la MJC Centre Social, pardon, pour les vacances de la Toussaint et de Noël 2015 qui se sont terminées. Donc c'est les deux dernières périodes de vacances qui courent sur l'année. Donc pour deux montants cumulés de 29 990 euros. Donc sachant que là c'est la dernière fois, puisque nous avons toutes les vacances qui ont été organisées ainsi depuis le mois de janvier 2015, et que donc au prochain conseil municipal de mars, nous pourrons procéder au versement d'une subvention annuelle prévisionnelle correspondant à peu près à ce que l'on a versé sur la totalité de l'année 2015. Très bien, merci. Bon, on va les voter, il y en a trois qui se suivent, mais on va les voter une à une. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. C'est vrai que ça devient un classique, hein. Un classique qui va évoluer, comme tu viens de... Pas sur le fond, mais sur la forme, comme tu viens de l'indiquer, Véronique. Alors, ne prendrez pas part au vote. Si quelqu'un n'est pas cité et qu'il devrait l'être, qu'il le signale, s'il vous plaît. Ne prendrez pas part au vote ici M. Caron, Mme Six, Mme Derden et M. Diérix. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je n'oublie personne. Alors, tant mieux. Donc, qui est pour l'adoption de cette délibération? Donc, tous ceux qui peuvent voter ont levé la main. Je vous remercie. Elle est adoptée à l'unanimité. Donc, Véronique, tu peux nous présenter la suivante. C'est la numéro 13, qui ressemble à la précédente, sauf que là, on parle de mise à disposition de personnel, cette fois. Tu as la parole. Oui, alors, cette fois-ci, cela concerne donc l'attribution d'une subvention à la MJC Centre Social, donc sur l'exercice 2015. Permettant en fait à la MJC de prendre en charge la mise à disposition des agents d'entretien et de restauration que nous avons mis à disposition donc, durant tout l'exercice 2015. Donc pour un montant de 24 505,80 euros. Donc pour rappel, hein, lorsque l'on met à disposition du personnel municipal auprès d'un organisme des bénéficiaires du type association, ça ne peut être que du personnel titulaire. Ça, c'est la première obligation. Il faut avoir recueilli au préalable l'accord express et écrit des agents concernés. Il faut bien évidemment signer, enfin co-signer, je dirais, une convention de mise à disposition. Et il faut que l'organisme bénéficiaire rembourse à la collectivité territoriale le coût de la mise à disposition de ce même personnel. Là, aujourd'hui, il s'agit donc d'attribuer une subvention à la MJC Centre Social afin de lui permettre
de prendre en charge cette mise à disposition pour toute l'année 2015 qui s'est écoulée. Je vous remercie. Merci. Il y a Monsieur Corr qui me fait un sourire cynique en revenant des toilettes. Mais je tiens bon, Monsieur Corr. C'est quand même pas loyal. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y en a pas. Bon, donc, ce sont bien évidemment les mêmes personnes qui ne prennent pas part au vote. Et donc, bah, je la soumets à vos suffrages, cette délibération, qui est pour son adoption. Donc, tous ceux qui peuvent voter ont levé la main. Je vous remercie, elle est adoptée à l'unanimité. Alors, il y a la troisième et dernière de la série. Pas la dernière du Conseil, mais la dernière de la série. Donc, c'est Madame Six, bien évidemment, qui va vous la présenter également. Alors, cette fois, alors on est toujours dans de la mise à disposition de personnel, mais pour l'exercice 2016, toujours pour nos centres aérés. Donc là, finalement, bien, on recommence donc pour l'exercice 2016 cette fois-ci, hein, donc pour la mise à disposition du même personnel municipal que tout à l'heure, en l'occurrence donc les agents d'entretien et de restauration. Comment dirais-je, ça se passe pendant les vacances, hein, c'est toujours sur l'école Jean Massé et Maria Montessori, comme précédemment. Donc là, vous trouvez en annexe du projet de délibération la convention de mise à disposition de personnel que nous évoquions tout à l'heure, avec les périodes de vacances concernées, hein, donc février, avril, juillet, août, Toussaint et Noël 2016. Également le nombre d'agents prévisionnels que l'on affectera donc sur ces missions pour le compte de la MJC Centre Social. On y trouve également la liste des agents titulaires susceptibles d'être mis à disposition tout au long de cette année 2016. Et enfin, bien évidemment, on prévoit, puisque c'est une obligation juridique et financière, que la MJC Centre Social remboursera la ville d'Alluin le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à la situation de ces agents mis à disposition au terme de l'exercice 2016. Je vous remercie. C'était très clair. Merci beaucoup, Véronique. C'est tellement clair qu'il n'y aura pas de questions, si ? Il n'y en a pas. Donc, ce sont évidemment les mêmes personnes. C'est pas une subvention. Ah, c'est vrai. C'est exact. Vous m'avez induit en erreur. Parce que monsieur Leleu, qui est parfait, m'avait déjà glissé les noms sous les yeux pour pas que je me trompe. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une subvention ici. Donc, les intéressés peuvent voter. C'est tout à fait exact. Très bien. Donc, tout le monde peut voter. Qui est pour l'adoption de cette délibération ? Donc, tout le monde. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Notamment pour nos jeunes qui fréquentent les centres aérés. Je passe la convention. La délibération numéro 15 va vous être présentée par François de Driver. Donc ce sera bref et vous devez tendre l'oreille. Elle concerne... Alors en plus, il a des délibérations très techniques. Donc, ça concerne ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme et la suppression donc, d'un emplacement réservé. C'est déjà du jargon technique. Là, il s'agit de la superstructure numéro 7 qui était inscrite au bénéfice de la commune. Mais c'est François de Driver qui va nous expliquer ça. Mais prends ton temps, hein, François. De toute façon, elle est courte, la délibération. Merci, monsieur le maire. Rapport de la commission numéro 1. Le territoire aluminois est concerné par un emplacement réservé de superstructure dont l'emplacement repris sous le numéro 7 dénommé Maison médicalisée Chemin du Billemont. Donc c'est un terrain qui est Chemin du Billemont. La ville d'Alluin souhaite la suppression de cet emplacement réservé suite à la réalisation d'unités de vie Alzheimer Hippocampe sur le site de la maison de retraite. Donc pour expliquer, l'emplacement n'a plus lieu d'être du fait que l'unité de Alzheimer a été construite à la maison de retraite. Donc, la procédure requise est en l'espèce une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme pour la suppression d'un emplacement réservé en application des articles L123-12 et R123-20-1F du Code de l'urbanisme.
Il est donc proposé au Conseil municipal, premièrement, d'approuver le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme pour la suppression de l'emplacement, d'autoriser M. le maire à confirmer à la métropole européenne de Lille cette modification du plan local d'urbanisme, 3. D'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci beaucoup François, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en aura pas, c'était trop clair. Ah bah si. Alors il y a Madame Lefebvre, Madame Méblé, il y a encore un autre bras qui s'est levé, non? Il n'y avait pas un monsieur? Ah donc c'est entre deux dames. C'est entre deux dames. Alors que fais-je? Et vous êtes. Je cherche un critère pour vous départager, mais vous êtes toutes les deux anciennes adjointes, donc je ne peux pas utiliser ce critère-là. Il y a un autre critère qui ne serait pas élégant, donc je ne l'utilise pas non plus. Alors, il y a M. Détailleur qui revient avec sa pièce de 2 euros en me proposant pile ou face. Non, allez, Madame Lefebvre, je vous en prie. Vous n'avez pas beaucoup parlé jusqu'ici. Voilà un critère. Bon, alors effectivement, la réalisation des unités Alzheimer a été finalisée et nous ne pouvons que nous en féliciter et c'est pourquoi nous allons voter pour cette délibération. Pourtant, à ce jour, des besoins existent encore pour améliorer la vie des résidents de la maison de retraite. Et il y a un projet dans les tiroirs qui existe, un projet d'extension et qui était en bonne voie pour créer 49 chambres individuelles. Parce que quand on dit chambre individuelle, on dit intimité, on dit dignité. Et c'est une forte demande quand les personnes arrivent dans la maison de retraite de pouvoir avoir leur propre chambre et pour les familles également. Et en gardant quand même des chambres doubles pour ceux qui n'aiment pas être seuls, 18 chambres doubles. Il y avait également dans ce projet des améliorations de mise aux normes, des installations et des services pour les résidents et pour le personnel, notamment cuisine, salle à manger, douche, des améliorations des chambres. Ce projet prévoyait aussi la création d'un PASA, c'est-à-dire d'un pôle d'activité de soins adaptés, c'est-à-dire une unité spécifique où peuvent être soignées et accompagnées les personnes déficientes sévères, Alzheimer ou autres. Ces personnes aujourd'hui sont dans la maison de retraite, pas dans les unités. Et elles ont de graves problèmes et de troubles de comportement et gênent par le bruit, par leur comportement, les autres résidents. Il y avait aussi un projet de 15 lits, et vous allez me reconnaître, pour des personnes vieillissantes en situation de handicap mental, qui ont eux aussi énormément de difficultés à trouver des lieux pour pouvoir passer leur retraite. Ceci pour montrer l'importance d'une modification du PLU sur le long terme, sur des projets d'avenir, car nous savons qu'un projet doit être envisagé et préparé en amont et nécessite de la réflexion. Ce projet comportait 5 scénarios. Et il y a un des scénarios qui prenait un terrain qui peut-être était concerné par le PLU. Ce qui permettait de l'ouverture et plusieurs possibilités selon les urgences et les opportunités. Voilà, il existe, il est là. Point d'interrogation. Voilà, donc Madame Lefebvre, c'est une question intéressante et qui m'amène à vous donner peut-être quelques informations. Mais c'est vrai que je préside le conseil d'administration de Loret-Dumont et c'est vrai que vous n'y êtes pas, donc vous n'aviez peut-être pas le moyen d'être informé. Vous n'êtes pas non plus destinataire des comptes rendus, je ne pense pas. Donc, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ce projet dont vous parlez, qui est dans les tiroirs, selon l'expression que vous avez vous-même employée depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, va se réaliser. 2013, voilà. Ça fera 3 ans cette année. Va se réaliser. Puisque on a même avancé très concrètement, hein, puisque j'ai présidé le conseil d'administration qui a adopté la délibération visant à constituer le jury de concours. Donc c'est en bonne voie, ça suit son cours. Alors maintenant, c'est toujours pareil. Les procédures sont longues, mais vraiment, c'est un projet qui n'est pas enterré, loin de là. Puisque le jury de concours a été constitué. C'était la dernière étape en date qui remonte à... Alors, je vous parle, c'est au doigt mouillé. Hein, j'ai pas regardé, là, il y a tellement de choses. Mais on a fait ça il y a...
Oh, je ne sais plus, il y a peut-être 4 ou 5 mois. Mais je vous parle vraiment, ne notez pas ça comme... mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein, voilà, donc ça suit son cours. Et ce sera effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, une grande amélioration pour les résidents parce que ça va permettre d'avoir beaucoup plus de chambres individuelles. Ça va améliorer les conditions de travail du personnel. Et la partie extension est prévue également, hein, sera prévue dans l'appel d'offres. Et Madame Muteba, la directrice, poursuit les diligences techniques dans ce dossier. Mais c'est budgété, ça se fait, ça se fera. Maintenant, sur les délais de réalisation, je vais être prudent, hein, mais ça se fera. Ça suit son cours. Et c'est important, effectivement. Oui ? Le scénario était choisi ? Non. Parce que... Même si certains et certaines ont une idée de... Mais non. Il n'est pas arrêté. Non. Bon, évidemment, il y a le critère financier qui rentre en ligne de compte. Hein, et... Voilà. Est-ce qu'il y a... oui, parce qu'il y avait Madame Eblé. Où avais-je la tête ? Je vous en prie, Madame Eblé, vous avez la parole. Oui, c'était simplement pour demander à qui appartient ce terrain. À partir du moment où ce n'est plus un emplacement réservé, il va se retrouver en zone UD. Donc, en fait, ça peut être vendu comme terrain à bâtir. Est-ce que ça appartient à la ville ? Est-ce que ça appartient à la maison de retraite ? Voilà, c'était simplement ma question. François. C'est un terrain qui appartient à la ville. Donc, vous allez le vendre ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà, Madame Eblé, elle est déjà sur le truc. Elle se demande s'il n'y a pas un complot derrière tout ça. On n'en sait encore rien, Madame Eblé. On se donne le temps de la réflexion. Monsieur Corre. Excusez-moi, mais la parcelle, elle est en AP, elle n'est pas en UD, si ? C'est moi qui ai... Elle est en UD ? Oui, oui. Sur le plan de la... C'est de l'UD ? Oui, hein, François. Oui, elle est en UD et pas en secteur parc. D'accord. Voilà. Donc, je le dis parce que François de Driver, je pense pas que son micro est capté. Donc, je le dis pour Internet. Il a répondu oui, la parcelle est en UD, mais pas en secteur parc. Voilà. Est-ce qu'il y a, donc, après la question de Madame Eblé, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en a pas. Ici, tout le monde peut voter, hein, monsieur Leleu. Je me méfie maintenant. Qui est pour l'adoption de cette délibération ? Donc, tout le monde. Elle est donc adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 16. La délibération numéro 16, eh bien, je vais vous la présenter moi-même. Elle concerne également le plan local d'urbanisme, mais il s'agit cette fois de sa mise en compatibilité afin de pouvoir relocaliser notre collège public, le collège Robert Schumann. Donc bon, je ne vais pas vous lire in extenso la délibération. S'il y a des questions, nous y répondrons. Simplement, bon, c'est purement technique, chacun le sait ici, puisque c'est un dossier qui a fait déjà parler de lui dans les journaux et puis même au sein de ce conseil. Comme vous le savez, le collège public va être reconstruit ailleurs, donc le long de l'avenue du stade. Le terrain avait déjà été vendu au Conseil général à l'époque, devenu Conseil départemental, par l'équipe précédente. Nous avions d'ailleurs voté cette vente. Vous avez dû apprendre par le biais des journaux que nous avons sauvé ce projet au département puisqu'il avait été remis en cause à l'arrivée de la nouvelle majorité à cause... des difficultés financières extrêmement graves du département, qui amènent d'ailleurs 40 départements sur les 100 que compte le pays, 40 présidents de département
toutes tendances politiques confondues, il n'y a même pas de question de clivage politique là-dedans, disent au Premier ministre actuellement que si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités à l'égard du paiement du RSA, eh bien, ils mettront la clé sous la porte, ce qui veut dire que ce sera des mises sous tutelle par les préfectures et donc par l'État. L'État qui ne dispose pas, par ailleurs, de tout cet argent. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais bref, dans ce contexte extrêmement contraint, il avait été envisagé par le département du Nord, par la nouvelle majorité, à laquelle j'appartiens par ailleurs comme conseiller départemental, vous le savez, de faire une croix sur le projet de construction d'un nouveau collège à Alluin. J'ai obtenu, puisque le président du département a dit que, compte tenu des finances et des faibles capacités d'investissement du département du Nord, il ne construirait pas plus d'un collège par an. Il y en a 12 qui sont très urgents à construire sur l'ensemble du département du Nord. On est à l'échelle du Nord. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir trop de complexes. Je me suis dit que l'institution départementale devait fonctionner normalement. Et ça a été le cas. Le président du département est venu au mois d'août dernier constater de ses yeux les problèmes que nous vivons au collège Schumann actuel, les fissures, les étés, 3 classes non utilisées. Bon, la sécurité des collégiens, je vous rassure, est assurée, puisque les parties de bâtiments où il y a des problèmes ne sont pas occupées, en l'occurrence ces 3 classes. Et je peux vous dire que le département du Nord surveille de très très près cet établissement, je veux dire ses techniciens, pour la sécurité des collégiens, bien évidemment. Mais je ne me voyais pas attendre 12 ans, puisqu'il y a 12 collèges très urgents à construire dans l'ensemble du département. Je sais très bien que nous ne pouvions pas tenir 12 ans. Ça, c'était inenvisageable. Et le département, la majorité au département, et notamment M. Le Cerf avec sa vice-présidente Joëlle Cotteny, qui est vice-présidente au collège, ils ont arrêté un calendrier qui devait être rendu public pour le 31 décembre. Il y a eu un peu de retard et j'ai donc appris ces derniers jours la bonne nouvelle. Il n'y aura qu'un seul collège construit par an. En numéro 1, ce sera à Roubaix, et Alluin a été classé en numéro 2. Ça, c'est acté. Ce qui veut dire qu'en fait, les délais qui étaient prévus par l'ancienne majorité vont être respectés, en fait, puisque nous, de toute façon, le dossier n'était pas prêt. Cette délibération le prouve. Mise en compatibilité du PLU, d'autres procédures à suivre avec la MEL, avec le département. Donc, finalement, le délai qui avait été prévu par l'ancienne majorité départementale sera tenu, c'est-à-dire que c'était une livraison pour fin 2018 au plus tard. Donc, je pense qu'on pourra tenir ce délai, à condition que le département du Nord ne soit pas mis sous tutelle, parce que, alors là, quand c'est comme ça, tous les investissements sont remis en cause. Hein. Mais cela a été acté, hein, c'est-à-dire que le département du Nord ne reviendra plus sur le classement, sur le calendrier. Alluin, Robert Schumann nouveau, si je puis dire, sauf si on change le nom, enfin ça c'est un débat qu'on aura plus tard, et puis on ne le décidera pas tout seul, le département aura son mot à dire, mais ce sera le deuxième collège construit dans le département du Nord, quoi qu'il arrive. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il n'y en aura aucun. Enfin, j'espère que le département du Nord n'arrivera pas à une telle extrémité. Voilà. Alors, cette délibération purement technique vise donc à mettre en compatibilité le PLU pour permettre donc la construction du nouveau collège. Remaniement du PLU, donc, qui est indispensable avant ouverture d'enquête publique. Et vous êtes bien évidemment, enfin, nous sommes bien évidemment, nous, conseil municipal, compétents pour cette mise en compatibilité du PLU. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver l'engagement de la procédure de déclaration de projet qui vaut mise en compatibilité du PLU, ainsi que les modifications qui s'y rapportent. On vous demande aussi par cette délibération de m'autoriser à confirmer à la MEL, à la Métropole européenne de Lille, la modification du PLU. Et on vous demande de m'autoriser à signer évidemment tous les documents relatifs à l'avancement de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. Donc, je soumets cette délibération au vote. Qui est pour son adoption ?
Donc je regarde bien tout le monde. Donc elle est adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie pour nos collégiens qui vont devoir en tout état de cause encore patienter, allez, on va dire entre 2 et 3 ans. Si ça avance vite, 2 ans. La délibération numéro 17, que je vais vous présenter également, concerne aussi le plan local d'urbanisme. Cette fois, il s'agit d'emplacements réservés pour du logement. Il y a un emplacement réservé pour du logement qui finit par être bien connu à Luin depuis le temps qu'on en parle, puisque c'est un projet qui a été initié par la municipalité précédente. Je veux parler du site Custo Magique, donc rue de la Lys. Il était prévu dans le projet initial 60% de logements sociaux sur ce projet. Bon, je suis et l'équipe que j'anime veut être fidèle aux engagements qu'elle avait pris, et donc nous avons demandé aux différents partenaires de ce dossier, MEL, EPF, établissement public foncier, société Notre Logis, de bien vouloir revoir la copie, parce qu'il n'était pas question de construire 60% de logements sociaux, en tout cas au sens où c'était entendu. Cette délibération vise donc à réduire très significativement la part des logements sociaux donc sur cet emplacement réservé aux fins de logement. En fait, ce que nous voulons, c'est la réduire le maximum que nous pouvons, puisqu'on ne peut pas arriver en dessous de 30%, puisque, comme vous le savez, la métropole européenne de Lille impose, par délibération déjà ancienne maintenant, qu'avait fait adopter Madame Aubry à l'époque, impose dans tout projet sur le territoire de la métropole européenne de Lille un minimum de 30% de logements sociaux. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est d'abaisser de 60 à 30% de logements sociaux, qui est le minimum exigé par la MEL. Mais je vous précise que dans ces 30% de logements sociaux, il y a également de l'accession à la propriété. Moi, j'ai voulu qu'il y ait le plus possible, et c'est la feuille de route qui a été donnée aux différents partenaires, je voulais qu'il y ait le plus possible d'accession à la propriété. Donc, ce ne sont pas 30% de locatifs purs. Voilà, c'est de la location-accession, et je pense que c'est une très bonne formule, qui d'ailleurs se développe dans des communes, se développe de plus en plus, et y compris dans des communes dirigées par des équipes municipales de couleur politique, même pas forcément de droite. Je pense notamment à Armentières, qui a un maire socialiste, qui est d'ailleurs par ailleurs vice-président au logement à la métropole européenne de Lille, et qui développe beaucoup à Armentières les locations-accession, parce que c'est une très bonne formule qui permet de réaliser une vraie mixité et qui notamment permet, par exemple, à des jeunes couples qui démarrent dans la vie de commencer en étant locataires, d'avoir des loyers modérés et puis de devenir propriétaires. Voilà. Et je pense que c'est une façon de tirer une ville vers le haut également. Donc, une modification qu'on dit modification simplifiée du PLU est nécessaire pour donc abaisser ce taux de logements sociaux. Nous vous demandons d'approuver cette modification simplifiée du plan local d'urbanisme concernant donc cet emplacement réservé Custo Magique, hein, comme ça tout le monde voit de quoi on parle. La délibération vise aussi à m'autoriser à confirmer à la métropole européenne de Lille cette modification du plan local d'urbanisme, et elle vise enfin à m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Cap. Merci, monsieur le maire. Une demande d'intervention plus qu'une question. Et je veux dire une chose qui n'a pas encore été dit depuis le début de ce conseil, c'est qu'on va commenter cette délibération intéressante de manière constructive. Alors,
Je vous ai entendu dire des choses à l'instant et... Ce qui m'inquiète, c'est que vous vous sentiez obligé de dire que vous allez être constructif, parce que normalement, ça va se voir. Mais... Donc bon. Je m'attends plutôt au contraire. Mais... Pas du tout, pas du tout. Vous allez l'entendre. Et j'avais préparé mon intervention écrite, mais je pense que je vais devoir intervenir de manière un petit peu plus improvisée par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant. Et comme vous me l'avez déjà fait remarquer, c'est toujours le problème des interventions quand on les écrit. On n'est pas toujours adapté à ce qu'on, à ce qui doit être dit. Monsieur Cap, j'ai pas à vous donner de conseils, mais on est toujours meilleur quand on improvise. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez... Je parle uniquement de la prise de parole. Hein. Dans le fond des dossiers, il ne faut jamais improviser, c'est le contraire. Alors, je vais d'abord expliquer aux gens qui nous écoutent qu'à l'échelle des 85 communes qui forment la métropole européenne de Lille, l'ex-communauté urbaine, il existe un plan local de l'habitat, que vous connaissez très bien. Le PLH. Le PLH, voilà, mais qu'on dit comme ça, pas grand monde ne sait ce que c'est, et qui prévoit de construire 6000 logements par an à l'échelle de la communauté urbaine. Donc, ce PLH a réparti les logements à construire entre chacune des communes, en fonction de ses besoins et de son potentiel foncier, sur des périodes triennales avec des objectifs de nombre de logements à réaliser. Alors, c'est dans ce PLH qu'on trouve ces 30% de logements sociaux. On trouve trois tiers, on trouve un tiers de logements sociaux qui sont des logements PLUS, du nom du prêt qui les finance, des logements PLAI, du nom d'un prêt encore plus favorable aux personnes qui vont louer ces logements, puisque ce sont des logements qu'on appelle très sociaux. Voilà ce qu'on appelle les 30% de logements sociaux. Donc là-dedans, il n'y a pas l'accession sociale à la propriété, contrairement à ce que vous venez de dire. Ensuite, en réalité, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, allez-y, je sais comment ça fonctionne et je vais vous l'expliquer, si vous le permettez. C'est gentil. Le deuxième tiers comprend les logements qu'on appelle abordables, avec un troisième prêt qui est le PLS. Alors là, ce sont les personnes qui ont un peu plus d'argent et qui peuvent se permettre de louer ces logements. Et ce qu'on appelle le prêt PSLA, le prêt permettant l'accession sociale à la propriété. Et ça, c'est un deuxième tiers. Donc on ne peut pas dire que l'accession sociale à la propriété est comprise dans les logements sociaux, puisque les logements sociaux, c'est le premier tiers dont je vous ai parlé, avec le PS, le PLUS et le PLAI. PLAI, d'ailleurs, qui doit représenter 20% des 30%. Bon. Et le dernier tiers, eh bien, ce sont les logements d'accession à la propriété. Tout investisseur peut investir sur des logements avec des logements locatifs ou des logements en pleine propriété pour celui qui les achète. Voilà. Donc, je voulais rectifier ce point-là par rapport à votre délibération qui, déjà, ne respecte pas l'engagement du PLH de réaliser 30% de logements sociaux. Je vous disais tout à l'heure que j'allais être constructif parce que cette délibération, ces 30% constituent pour nous un juste équilibre au niveau de la métropole. Cet objectif est un juste équilibre pour nous pour assurer une mixité sociale qui est une condition indispensable au bien vivre ensemble dans notre société. Nous voterons donc favorablement à cette délibération, mais aussi parce que cette délibération nous montre que votre slogan pendant la campagne des municipales, stop au HLM, HLM faisant toujours un petit peu plus peur aux gens que logement social, en fait n'était que démagogie. Et on le voit clairement aujourd'hui, puisque vous ne dites plus que vous n'allez plus en faire. Vous êtes obligé d'en faire, vous nous dites. Voilà. Non, mais ça, c'est un projet que vous aviez initié, vous, hein, celui-là. C'est Custo Magique, c'est pas nous, hein, c'est vous. Hein. On réduit la part de logements sociaux dans un de vos projets que vous aviez initié avant notre arrivée. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi on n'était pas à 30%. Brièvement, ce pourcentage de 30% doit s'apprécier par période triennale et à l'échelle du territoire de la commune, et non pas par opération par opération. Encore un autre rectificatif que je voulais apporter à ce que vous avez dit. Et ce qui peut expliquer que par le passé, certains sites à Aluin qui étaient réservés au PLU exclusivement pour la construction de logements, ce qu'on appelle les emplacements réservés de logements, se soient vus dotés de pourcentages plus élevés que 30%. Il pouvait y avoir certains endroits où vous aviez
plus de logements sociaux et des endroits où vous en aviez moins, puisque ça s'apprécie globalement à l'échelle de la commune et sur 3 ans. Mais il y avait enfin, aussi Vous, c'était beaucoup d'endroits avec beaucoup de logements sociaux. Et on pourra regarder ultérieurement les chiffres. Oui, oui. Alors, une deuxième raison, par contre, est plus sociologique, et elle repose sur la réalité des catégories sociales des Aluinois à la recherche d'un logement. Les Aluinois ne sont pas riches, c'est une réalité. Il faut leur construire des logements qu'ils seront en mesure de payer. Loin de moi l'idée de faire du misérabilisme sur ce sujet, puisque, répétons-le, nous l'avions déjà dit lors de précédents conseils, 70% des Français sont éligibles au logement qu'on appelle social, et ce n'est pas un gros mot de qualifier ce logement de social, mais c'est un logement qui est financé par des prêts publics. Notre rôle d'élu est de permettre aux familles de s'élever. Et c'est là que je vais vous rejoindre dans ce que vous proposiez tout à l'heure, mais qui n'était pas à intégrer dans les logements sociaux, c'est le fait de permettre à chacun d'accéder à la propriété, s'il le souhaite, mais aussi de respecter le choix de celui qui n'a pas le désir et qui préfère rester locataire. Ça existe, on n'est pas tous avec la volonté de devenir propriétaire, et de ceux qui n'ont tout simplement pas les moyens de faire ce choix. Alors, je vais revenir sur la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux et qui est différent de cet objectif de 30% du PLH. Parfois, les gens mélangent et nous disent que mais c'est réalisé. Non, c'est, la loi impose d'avoir 25% de logements sociaux en 2025. Vous nous avez dit, monsieur le maire, que ce chiffre était atteint, soit. Donc, il faut, à notre avis, mettre l'accent sur l'accession sociale à la propriété. Je rejoins complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure. Sur les opérations qui doivent encore être lancées, que ce soit sur le site Customagique, le site Baudèze où nous avions prévu un écoquartier, donc vous disiez que sur le site Customagique nous l'avions lancé, ce site Baudèze nous l'avions aussi lancé, il y avait eu des réunions publiques sur le sujet, le site d'Écofrance, et je pense savoir que ça se dégage un petit peu sur ce sujet dans l'avenir, si vous voulez nous en parler tout à l'heure. Et sur le site Sion, rue Pasteur, c'est au total pas loin de 400 logements qui attendent que vous lanciez les opérations avec les promoteurs. Alors, pour le grand public qui nous regarde ce soir, puisque ce conseil est filmé, il faut expliquer très rapidement ce qu'est l'accession sociale à la propriété, comment ça fonctionne. Un locataire d'un logement qui est construit par un bailleur social peut décider d'acheter son logement si ce logement est dès sa construction prévue pour ça. Il va alors payer une mensualité de remboursement de prêt qui est équivalente au montant du loyer de base. Et si en cours de prêt il venait à défaillir, eh bien le bailleur social est obligé de le reloger dans son parc. Donc c'est un beau produit qui existe déjà à Aluin, mais encore insuffisamment. Alors toujours comme à notre habitude, bien sûr, d'être une opposition constructive, je le répète, nous souhaitons, monsieur le maire, que vous preniez la décision de lancer les opérations que j'ai citées. Nous n'allons pas offrir un logement locatif social aux 700 personnes qui demandent à Aluin en premier choix dans leur demande de logement, même si on nous cite parfois plus de 2000 personnes qui attendent. On sait qu'il y a environ 700 Aluinois qui demandent à Aluin en premier choix. Nous pouvons leur permettre de trouver un logement autrement, par l'accession, puisqu'il ne faut pas oublier que un tiers des logements en accession à la propriété que prévoit le PLH eh bien, sont acquis et loués à plus de 80% par des investisseurs pour de la location. Donc avec des loyers plafonnés, puisque la plupart du temps, ces personnes défiscalisent dans les dispositifs qu'on a appelés Périssol, Besson, etc. Et donc sont tenus à un loyer plafond pendant 9 ans. Donc on pourrait aisément les qualifier de bailleurs sociaux aussi, ces personnes-là. Alors ces personnes-là, bien sûr, on a tous les demandeurs d'emploi, mais tous les demandeurs de logement qui attendent leur logement, mais on a aussi ces investisseurs, on a aussi les entreprises du bâtiment qui souffrent en ce moment, d'où notre demande que vous lanciez ces opérations. Merci de votre attention.
Oui, je vais donner la parole à Madame Six dans un premier temps et j'essaierai de vous répondre brièvement. Vous dites que vous êtes constructif, mais vous voulez faire de moi un constructeur. Mais bon, mais je vous répondrai dans un instant. Madame Six. Oui, non, simplement par rapport à ce qui vient d'être dit sur les 30% de logements sociaux, donc sur le PLH, hein, il est vrai que ça vient s'adosser quand même à la loi SRU, hein, avec l'objectif d'atteindre les 25% de logements sociaux sur la commune, sachant que cet objectif, c'est 2025. Alors, je l'avais déjà dit, je pense, il y a un an, donc je vais le répéter aujourd'hui. Il y a un an, nous étions à 24,72% de logements sociaux sur la commune. Nous pensions fortement, effectivement, atteindre les 25%. Ben, c'est chose faite, hein, puisqu'on est à 25,25% maintenant. Donc là, on est bien sur ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, la loi Duflo. Je pense que c'est plus parlant que la loi SRU pour les gens, parce que c'est quand même un peu technique. Ces fameux 25% de logements sociaux ou logements accessibles, entre guillemets, qui sont à atteindre dans toutes les communes de France. Donc c'est fait pour Alluin. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons demandé à la métropole européenne de Lille de ramener à 30% donc, de logements sociaux. Alors effectivement, dans les logements sociaux, il y a plusieurs types. On le sait, hein, parce qu'on est sur des modes de financement différents au niveau bancaire. Mais on peut aussi parler de politique de peuplement. Dans les logements sociaux, on sait aussi qu'on peut travailler, j'ai envie de dire, sur la mixité sociale, sur le bien vivre ensemble, au sein même d'un îlot, ou au sein même d'une résidence, ou même d'un pied d'immeuble, pour que justement les choses se passent le mieux possible. Or, à Alluin, moi, ce que j'ai pu constater quand même, c'est qu'on a 75% des logements sociaux qui sont sur trois iris, dont... J'ai envie de dire, sur ces trois iris, pour ceux qui nous écoutent, ce sont des quartiers. Il faut les citer. Forage. On a le Forage, on a le Colbras, et le dernier, c'est... J'ai un trou de mémoire maintenant. Non, il n'y a pas la Panerie. Il y a le Forage, le Colbras, et juste à côté du Forage... Non, mais c'est centre. C'est une partie du centre-ville, mais qui n'est pas complet, en fait. C'est le centre. Et sur ces trois quartiers, donc, on a quand même 75% des logements sociaux de la commune qui sont regroupés sur ces trois quartiers-là. Je pense que c'est d'abord ce qui a pu déséquilibrer, effectivement, une certaine forme de bien vivre ensemble à un moment donné, mais pas que. On a aussi un iris, je veux dire, où il y a une concentration de population, je veux dire, sur ces mêmes logements, qui sont des populations en grande difficulté, qui sont en souffrance, qui nécessitent véritablement un accompagnement social, mais qu'elles n'ont pas forcément par les bailleurs sociaux, et bien parce qu'elles ont été logées dans des logements qui n'étaient pas forcément adaptés par rapport, j'ai envie de dire, à leur typologie de famille, ou... aux difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. On sait très bien que là où on loge des gens, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. C'est ça, la politique de peuplement. Ça se calcule bien en amont. Ça se calcule à l'échelle d'un quartier, d'une ville, comme je disais tout à l'heure, d'un îlot ou d'un pied d'immeuble. On ne fait pas n'importe quoi si on veut véritablement jouer la mixité sociale et ne pas avoir de soucis en bout de course. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, et surtout Madame Corbillon, d'ailleurs, que je remercie pour l'excellent travail qu'elle peut mener avec le service logement sur le sujet. Et pour en revenir à tous ces programmes de construction, bien sûr qu'ils vont être lancés, tous, les uns les autres. Ils n'auront pas plus de 30% de production de logements accessibles. Alors moi, je préfère parler de logements accessibles que de logements sociaux. Il n'y aura pas plus de 30% de production de logements accessibles sur ces programmes de construction. Par contre, il y a une analyse de peuplement qui sera faite, mais j'ai envie de dire jusqu'à la dimension la plus infime de la totalité de ces programmes. Il ne faut pas oublier non plus que par rapport à la loi du FLO, hein, ces fameux 30%, qui est effectivement un objectif triennal, il ne faut pas oublier que sur la production de logements à produire chaque année pendant 3 ans, dans ce qu'on appelle encore une fois logement social, qui n'en est pas forcément, on peut y mettre des personnes âgées,
et Madame Lefebvre, on peut y mettre des personnes handicapées. Et je pense que ça, c'est une priorité que l'on doit tous avoir ici autour de la table. Merci. Voilà, et d'ailleurs, alors je vais faire court parce que, d'abord parce que Véronique a détaillé pas mal, et puis aussi parce que je me suis rendu compte qu'il était 22h12 et qu'on est à la délibération 17 et qu'on doit aller jusqu'à la 24. Bon, les trois dernières, je vous rassure, c'est trois rapports de la MEL, donc ce sera très court, mais quand même, l'heure avance et je veux pas faire trop long. Bon, Véronique a dit pas mal de choses que je voulais dire, notamment sur la fin de son propos, c'est important. Nous allons essayer de diversifier le plus possible aussi, et je l'ai demandé pour ce site, Custo Magique. Je l'ai demandé aux différents partenaires, et notamment aux bailleurs. Ce que je souhaite, c'est qu'on construise aussi des logements plus à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est une forte demande. C'est une forte demande. Et ça aussi, ça fait partie du logement social. Puisque M. Cap, vous avez posé des questions sur les projets, soit qui vont se réaliser, qui ont été décidés par la majorité précédente, ou ceux que nous serions amenés, nous, à décider, nous travaillerons dans cette optique, c'est-à-dire location-accession, accession à la propriété, là je pense plus à des jeunes couples ou des gens qui démarrent dans la vie, ou des gens qui ont rebondi dans la vie, qui sont moins jeunes mais qui ont rebondi dans la vie, un nouveau départ ça peut exister aussi. Et aussi, on essaiera de faire un maximum de logements pour personnes âgées, type béguinage. Moi, ça, c'est une formule qui me plaît beaucoup. Ou pour personnes handicapées. Parce que moi, je vois bien, quand je reçois les gens, il y a parmi ces gens des personnes handicapées. Eux, lorsque c'est un handicap moteur, il leur faut le plus souvent un rez-de-chaussée. Évidemment, dans un immeuble, il n'y a pas 36 rez-de-chaussée, donc c'est difficile à trouver, c'est compliqué pour les bailleurs. Donc si dans les projets, on faisait des petites maisons, qui seraient donc fatalement des rez-de-chaussée, hein, plutôt que de faire des immeubles... je pense que c'est une voie vers laquelle il faut se diriger. Et puis pour les personnes âgées, elles seront de plus en plus nombreuses, et puis bientôt, on en fera partie. Je ne voudrais pas gâcher l'ambiance, mais bon... on le sait bien qu'on vit de plus en plus longtemps dans notre pays. Et c'est, voilà, je le redis, gouverner, c'est prévoir et il faut penser au long terme. En dernier lieu, puisque vous avez évoqué les 700 personnes, M. Cap, en demande de logement social à Alluin, 700, c'était le nombre qu'il y avait sur la liste que j'ai trouvé en arrivant. Il y avait, lorsque nous sommes arrivés... environ 700 personnes en attente, c'était les dossiers en attente, d'un logement social à Alluin. Et ça m'amène à parler de la politique d'attribution aussi. Je me joins à Véronique qui a gentiment salué le travail de sa collègue Aline. Moi, si je le fais rarement, c'est parce que je pourrais le faire pour tous. Donc comme je ne veux pas faire de jaloux, je le fais rarement. Mais je me joins à Véronique pour saluer le travail de Aline. Je pourrais dire pareil pour Patrick, pour les fêtes et l'animation. Pareil, pour mon adjoint aux finances, je ne vous en parle même pas. Il dort pas toutes les nuits. Donc c'est pour ça que je ne fais pas, moi, ça, parce que sinon vous faites des jaloux. Je pourrais le dire pour tous les membres de l'équipe. Mais s'agissant de la politique d'attribution, c'est extrêmement important aussi, parce que ce n'est pas le tout de construire. Monsieur Cap, je disais, vous voulez constructif, mais vous voulez faire de moi un constructeur. Mais il ne faut pas construire pour construire. La politique d'attribution est très importante. Pourquoi il y avait 700 personnes sur cette liste d'attente lorsque nous sommes arrivés? C'est parce que, et vous le savez bien, je sais bien que vous allez lever les bras au ciel et pousser des cris, mais je le maintiens, et de toute façon, les Aluinoises et les Aluinois savent que c'est vrai, il y a eu une politique de peuplement avant que nous arrivions. J'ai horreur de ce mot « peuplement » en matière de logement. C'est pourtant un mot qui est utilisé. Non, mais Monsieur Corr, donc, je pense que vous venez de marquer que vous êtes de mon avis sur le mot peuplement. Moi, je le trouve horrible, ce mot peuplement, mais Monsieur Corr, vous savez qu'en matière de logement, les spécialistes du logement, les techniciens du logement l'utilisent sans arrêt. C'est un mot que vous trouvez dans les textes, dans les documents. J'ai horreur de ce terme. Ce terme est affreux. Moi, j'ai un peu... Ça me rappelle les populations qu'on a déplacées à des périodes tristes de notre histoire. Je pense aux Turcs qui ont voulu déplacer les armées
arméniens, par exemple, ça n'est qu'un exemple. Enfin, je trouve que ce mot peuplement est horrible. Bon, et c'est pourtant le mot qui est employé par les techniciens du logement. Et moi, je ne l'emploie jamais. C'est parce qu'il a été cité ce soir, mais je l'emploie pour le dénoncer. Donc, il y a eu, vous le savez bien, il y a eu, avant 2014, je ne dis pas que c'est de votre faute, hein, Monsieur Cap, c'est même pas la faute de Monsieur Cor, mais il y a eu, et c'était des accords entre les maires de Roubaix, Tourcoing, de Waterloo et d'Aluin de l'époque. Bon, il y a des villes qui ont changé de couleur, mais pas Waterloo, parce que Monsieur Barthes est solide, et parce que c'est un maire qui a beaucoup de compétences. Mais... il y a eu cette politique de peuplement qui fait que des quartiers entiers, notamment de Roubaix, ont été, on appelle ça des réhabilitations, de Tourcoing. Et donc, tous ces gens, il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Il y a eu des accords entre les maires et un certain nombre sont arrivés à Luin. Ce qui fait que, et j'ai rien contre ces gens, je pense même plutôt qu'ils n'ont pas été très respectés, ces gens, malheureusement pour eux. Mais je pense que ça... Cette manière de faire n'est pas acceptable. Elle n'est pas respectueuse pour les gens, elle n'est pas respectueuse pour les locataires. Moi, je me dresserai toujours contre ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que s'il y avait 700 personnes à Aluin qui attendaient, c'est parce qu'au lieu d'attribuer les logements sociaux aux Aluinois, eh bien, il y a eu ces opérations de peuplement. On a relogé des populations qui venaient d'autres villes. Ça a été ça, l'erreur. Et ils essayent encore de faire la même chose... Je n'ai pas peur de le dire, à la communauté urbaine, non seulement, donc à la MEL, non seulement ils veulent faire la même chose, mais en l'officialisant. Voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis que modeste conseiller communautaire délégué. Le vice-président au logement, c'est M. Hasbrook, qui est un excellent technicien du logement, mais je n'ai pas du tout les mêmes... opinion politique sur le logement, j'entends. Hein. Je ne parle pas de politique politicienne, mais sur le logement, je ne suis pas d'accord avec les options qui ont cours actuellement à la MEL. Je n'ai pas peur de le dire. Peut-être que je me ferai taper sur les doigts, mais moi, j'ai été élu pour les Aluinois. Je n'ai pas été élu pour les beaux yeux de certains qui vont faire des bons à la MEL. Ça ne me pose pas de problème de le dire. En tout cas, nous, depuis qu'on est arrivé ici à Aluin, puisqu'il y a un représentant de la ville... À toutes les commissions d'attribution, ou à peu près. Hein. Bon, et c'est très souvent Aline Corbillon qui y va personnellement. Eh bien, elle sait qu'elle doit veiller lorsqu'elle donne son avis. Et la ville a, ça revient à un droit de veto, hein, le bailleur social entend la ville dans les commissions d'attribution. Et Aline sait, et elle le fait, c'est vrai, merveilleusement bien, et je t'en remercie devant tout le monde, elle le fait en veillant à ce que les logements sociaux à Aluin soient attribués de telle manière qu'ils remplissent leur office de logements sociaux. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est-à-dire, le jeune couple qui démarre dans la vie, la personne âgée qui n'a pas une grosse retraite et qui donc ne peut pas payer un gros loyer. Voilà, tous ces gens-là, c'est ce que nous essayons de faire. C'est un... Si tu veux dire un mot, tu peux le faire rapidement, Aline, puisqu'on parle de toi, mais tu n'as pas parlé. Non, je n'ai pas parlé, mais en fait, oui, il y a beaucoup aussi de séparation. Donc, on veille à répartir les gens. Les accidents de la vie aussi. Les accidents de la vie. Les séparations. Voilà, donc des personnes qui deviennent handicapées. Et aussi, donc, les séparations, on retrouve énormément de femmes seules avec des enfants sur Aluin. Et malheureusement, auparavant, elles étaient soit accompagnées, soit déjà seules. Au manoir, c'est une catastrophe. Il y a des étages entiers où il n'y a que des femmes seules. Donc actuellement, dès qu'il y a un logement qui se libère, on essaie de mettre un homme ou un couple. Bah, pas seul, on va pas faire de... On plaisante là-dessus, mais la vraie mixité, c'est ça, c'est de... Voilà, pour sécuriser, en fait, parce que ces femmes sont en insécurité, parfois agressées, parfois ceci, parfois cela. Et donc, en mixant les hommes et les femmes, ou les couples, hein, on peut mettre des couples aussi, c'est plus rassurant pour toutes ces femmes qui se sont retrouvées seules à un moment donné dans leur vie, et qui le sont encore. Donc tout ça pour dire attention aussi à la politique d'attribution. Merci Aline. Bon, s'agissant de cette délibération qui concerne donc le site custo-magique et donc cette modification simplifiée du PLU, qui est pour son adoption? Alors, je vérifie bien. Tout le monde donc.
Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, on va passer à la délibération numéro 18 parce qu'il se fait vraiment tard. Mais bon, c'est intéressant. Hein. Mais bon, l'heure avance. Alors, la délibération numéro 18 que va vous présenter François de Driver, donc ce sera bref. Mais la délibération est longue, donc il faudrait t'arranger pour ne pas tout lire. Qui concerne encore une fois le PLU et un changement de zonage. Ça concerne un dossier extrêmement important pour Alluin, qui est la zone d'activité du front de Lys et son périmètre. François, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération, la MEL a décrété une zone d'aménagement concerté, donc une ZAC a été créée, donc sur un périmètre d'environ 19 hectares, dont la concession a été attribuée à une société d'aménagement à l'issue d'une procédure de dialogue compétitif. La requalification du front de Lys, constituant un intérêt général et le projet ne pouvant se réaliser avec le plan local d'urbanisme, donc le PLU actuel, la MEL a décidé d'engager une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU par délibération. Cette procédure permettra de tenir compte des spécificités du projet d'aménagement. Les incidences sur le PLU sont les suivantes. Modification du zonage actuel, donc UF en UG. Alors en gros, UF c'est vraiment les zones d'industrie lourde. UG c'est les zones, disons, plus tertiaires, industrie légère, commerciale. Donc ça nous donne beaucoup plus de possibilités de vendre des terrains et de développement plus facile pour la ZAC du fond de Lys. La suppression de deux emplacements, donc il y avait deux emplacements réservés. Le numéro 49 en infrastructure qui était au profit de la MEL pour une voie de desserte et le numéro 2, une superstructure au profit de la MEL pour un équipement d'assainissement. La création d'une fiche d'orientation d'aménagement permettant de localiser des sous-secteurs parce que MEL et sous-secteurs consemblent chambres de commerce et d'industrie du Grand Lille. Donc, conformément à la réglementation, le conseil municipal doit se prononcer sur les projets de remaniement du plan local d'urbanisme avant l'ouverture d'une enquête publique. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'engagement de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU ainsi que des modifications afférentes, d'autoriser M. le maire à confirmer à la métropole européenne de Lille cette modification du plan local d'urbanisme et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci François, tu as presque tout lu quand même. Hein. Bah oui, pas de raison. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc c'est essentiellement technique, hein, vous l'avez compris. Il n'y a pas de questions. Donc je soumets cette délibération au vote. Qui est pour son adoption? Alors, donc, Madame Eblé, vous levez le bras ou vous l'aviez déjà rebaissé peut-être? Je n'avais pas encore fait le tour de la salle. Merci, merci. Donc il y a unanimité. Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. La numéro 19. Alors, la délibération numéro 19 que va vous présenter François de Driver également concerne un échange de terrain avec la société GRT Gaz, vous verrez, et une modification des conditions de l'échange. François, tu as la parole. Par délibération numéro 11 du 24 février 2015, l'échange de terrain entre la société Gaz, GRT Gaz pardon, et la ville d'Alluin a été autorisé sans soulte. Or, lors des travaux effectués par SCP, alors Zwerdweiger, géomètre, le document d'apprentage fait apparaître une différence de 12 mètres carrés au profit de la ville. Ainsi, la société GRT Gaz sera redevable dans le cadre de cette opération de la somme de 600 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification des conditions de l'échange et d'autoriser M. le maire à signer la promesse d'échange ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. Merci François. Est-ce que des questions? Non, il n'y en a pas. Je soumets cette délibération au vote. Qui est pour son adoption? Je vous remercie. Il y a unanimité. C'est gentil de ne pas baisser le bras tant que je n'ai pas fait le tour de la salle. Merci. La délibération numéro 19 est adoptée à l'unanimité. Nous allons passer à la délibération numéro 20. La délibération numéro 20 que va vous présenter Gauthier Desplanques, notre premier adjoint, concerne notre port de plaisance et la procédure en vue d'une délégation de services
public. Monsieur Desplanques va nous en donner des nouvelles. Oui, donc la délégation de service public qui a été lancée sur le port de Plaisance avait récolté une candidature. Le candidat avait été autorisé à présenter son dossier. Il a été auditionné et lors de du dernier rendez-vous que l'on avait avec lui, il n'est pas venu. Et quand on l'a appelé, nous a signifié que le projet ne l'intéressait plus. Donc nous déclarons aujourd'hui la DSP infructueuse et nous fermons ce dossier. Voilà, donc c'est une délibération technique, hein, puisque la procédure a été infructueuse. Il s'agit donc pour le Conseil de m'autoriser à clore la procédure qui était en cours, étant précisé que pour le port de Plaisance, nous continuons à poursuivre nos efforts en vue d'en faire un lieu animé, puisque c'est sa vocation, et nous sommes sur diverses pistes, mais que nous ne souhaitons pas rendre publiques pour l'instant. Voilà, de manière à les préserver. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est l'un ou l'autre ou c'est les deux? Donc c'est seulement Monsieur Détailleur. On est bien d'accord. En fonction de la fatigue, on se répartit effectivement les interventions. Merci. Merci à Monsieur Desplanques qui nous a apporté d'ailleurs quelques éclairages, y compris lors de la commission finances. Il y a donc deux types de services, des services nautiques et également des services restauration, animation. Je sais qu'il est difficile de trouver un acteur qui garantisse une qualité de service sur les deux tableaux. Donc on pense peut-être effectivement à scinder les choses en deux, avec un expert du nautique sur la partie nautique, et donc un autre professionnel pour l'animation de la capitainerie, boisson, petite restauration, animation. Je sais que l'année dernière, donc c'est le collectif de la Rouge Porte qui a été à l'origine de quelques animations, et d'ailleurs c'est très très bien, et c'est une association qui fonctionne bien et qu'on apprécie énormément. Simplement, lorsque ces actions sont ponctuelles, bon, ça ne pose pas de soucis, mais lorsqu'elles sont trop durables, il faut quand même faire attention de ne pas avoir de litige et d'être ensuite, je dirais, gêné pour des questions de concurrence déloyale. Les professionnels ont bien sûr des charges extrêmement lourdes. Hein, je ne vous parle pas RSI, URSSAF, etc. Donc, si une association devait gérer la capitainerie sur une très longue période, c'est-à-dire des semaines, voire des mois, attention quand même à ce qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Les Aluénois sont extrêmement attachés à ce site, qui est un site assez exceptionnel, qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Donc notre souhait, c'est vraiment qu'il y ait un acteur qui se dégage rapidement, un acteur spécialiste de la restauration, des boissons, des animations pour enfants, également pour adultes. Donc j'ai cru comprendre que vous aviez déjà quelques contacts, que vous ne pouvez pas en parler, je le comprends. Mais est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait vraiment quelqu'un qui puisse donc gérer et apporter une qualité de service dès cet été? Merci. Alors on fait tout pour. Sur l'animation du site par une de nos associations, comme ce fut le cas l'été dernier, avec le collectif Rouge Porte, qui d'ailleurs a fait ça très très bien, de fort belle manière. Je suis d'accord avec vous là-dessus, ça ne peut être qu'une solution ponctuelle et qui ne peut pas s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que pour nous, l'animation du port de Plaisance sur le moyen et le long terme doit être assurée par un professionnel qui va donc payer les mêmes charges que nos commerçants aluinois, que nos cafetiers. Voilà. Donc la solution de l'animation par une association ne peut être que ponctuelle. Elle a duré l'année passée le temps de l'été. Je ne dis pas. Alors, moi, ce que je souhaiterais, mais le temps passe vite. Ce que je souhaiterais, c'est avoir la solution durable avant cet été. C'est mon premier souhait. Si ça n'était pas le cas, soyons pessimistes. Gouverner, c'est prévoir. Il faut tout prévoir.
Si ça n'était pas le cas, oui, l'été prochain, nous donnerions notre accord, très probablement. Dans ce cas-là, soit au collectif Rouge Porte, soit si on nous fait meilleure proposition, pourquoi pas, mais pour adopter le même type de solution ponctuellement, juste pour l'été. Si on n'arrive pas à trouver de solution durable avant ça, ça je préférerais, je vous le dis franchement, je préférerais. Mais si ça n'était pas le cas, il faut tout envisager, hein. Si ça n'était pas le cas, il vaut mieux qu'une association anime les lieux le temps de l'été plutôt que de rien faire du tout. D'autant que l'année passée, ça a été quand même bigrement apprécié par les Aluinoises et les Aluinois, et même au-delà. Il y a des gens qui venaient de l'extérieur d'Aluin et même de Belgique. Donc, nous travaillons... c'est vraiment... c'est un dossier difficile... dont nous avons hérité d'ailleurs, mais je ne veux pas polémiquer. Je veux être constructif, comme dirait M. Cap. Mais de toute façon, il faut le résoudre. On est là pour ça. Voilà. Donc, il se résoudra. Je ne suis pas... mais c'est sûr que ça paraît toujours trop long. Moi, ça me paraît beaucoup trop long. Et je pense aux Aluinois aussi. Donc, voilà. Dès qu'on en saura plus et qu'on pourra vous le dire, on le fera. Et on le dira aux Aluinois. Mais de toute façon, on est d'accord sur pas mal de choses. C'est un lieu qui doit demeurer, auquel les Aluinoises et les Aluinois sont très attachés. Et on fera tout pour qu'il soit animé par un professionnel le plus rapidement possible. Vous avez aussi raison lorsque vous dites que c'est très compliqué de trouver un professionnel qui soit compétent pour la partie nautique et pour la partie restauration-animation. C'est même presque impossible. Donc de toute façon, ce sera scindé. Et d'ailleurs, sur la partie nautique, je pense qu'on trouvera beaucoup plus vite le professionnel que sur l'autre partie. Mais bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Merci de votre intervention, en tout cas, monsieur Détailleur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions là-dessus? Merci. Donc, je mets aux voix cette délibération numéro 20, qui est pour son adoption. Alors... je jette un regard circulaire. Tout le monde. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La numéro 21. La numéro 21, c'est la dernière délibération avant les rapports de la MEL. La numéro 21, qui va vous être présentée par François de Driver. Donc, ce sera bref. Concerne donc la vente des vieux amis. La vente de l'immeuble 611 rue Gustave Demaître. François, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, compte tenu de l'abandon du projet initial pour réhabiliter ce bâtiment, eu égard aux finances de la commune, vis-à-vis du domaine, des domaines donc du 19 août 2014 qui a été réactualisé en date du 13 janvier 2016, considérant que la ville a recherché un acquéreur, considérant que pendant ce temps le bien s'est déprécié, considérant la proposition de M. Yadish Mustafa, qui s'est porté acquéreur de cet immeuble pour la somme de 110 000 euros, il est proposé au conseil municipal d'approuver la vente du bâtiment 611 rue Gustave Demaître pour un montant de 110 000 euros, frais d'acte à la charge de M. Yadish Mustafa, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette affaire. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Corr, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Juste pour dire que nous allons voter avec vous cette délibération en cohérence avec notre choix l'année passée lors de la mise en vente des vieux amis. Nous avions voté avec vous la mise en vente des vieux amis. Et donc, aujourd'hui, nous finalisons notre accord sur ce choix de vente à ce monsieur. Merci, monsieur Corr. Pas d'intervention du groupe 100% Aluin. Donc je mets cette délibération aux voix. Qui est pour son adoption? Donc tout le monde. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité du Conseil. Voilà, il nous reste trois petites formalités. La délibération numéro 22 ne donne pas lieu à un vote. Les deux suivantes non plus. Donc cette délibération numéro 22 concerne
Alors, c'est une simple information du conseil municipal. Elle concerne le rapport d'activité pour l'année 2014 de la métropole européenne de Lille. Et donc, le rapport dans son entier est consultable à l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture de la mairie. Vous ne pourrez pas consulter ce rapport quand la mairie est fermée. Et donc, il est demandé au conseil municipal simplement de prendre acte de ce que le rapport d'activité pour 2014 de la MEL a été porté à sa connaissance. Il n'y a donc pas de vote, c'est une simple information. La délibération numéro 23, c'est la même punition, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agit également d'un rapport de la MEL, de la Métropole Européenne de Lille, qui concerne toujours l'année 2014, mais cette fois en ce qui concerne le prix et la qualité du service public en matière d'eau potable et d'assainissement. Ce rapport est consultable à l'accueil de la mairie d'Alluin aux heures d'ouverture habituelles. C'est une simple information, il n'y a pas de vote. Et la délibération numéro 24, simple information sans vote également, concerne toujours la MEL et son rapport pour 2014 qui a trait au prix et à la qualité du service public en matière donc de déchets ménagers. Nous avons évoqué tout à l'heure la question des déchets ménagers par le biais du propos de M. Cap et des questions qui se sont posées sur la fameuse procédure concernant la taxe. Nous espérons une issue favorable là-dessus. Concernant le rapport d'activité pour 2014 de la MEL sur les déchets ménagers, il est bien évidemment consultable à l'accueil de la mairie également. Et donc, il est donné acte par le conseil municipal d'Alluin de ce que la MEL nous l'a communiqué. C'était la 24e et dernière question que nous avions à l'ordre du jour du conseil, sauf que, comme je vous le disais en début de séance, j'ai reçu il y a quelques jours, et par respect pour le groupe 100% Alluin, je vais demander deux petites minutes supplémentaires de concentration. Donc il s'agit d'un vœu qui est présenté par le groupe 100% Alluin, donc par Madame Eblé et Monsieur Détailleur. Je vais en donner lecture intégrale et ensuite je vous dirai ce que la majorité, elle, propose par rapport à ce vœu. Je donnerai la parole à Monsieur Corr ou à quelqu'un de son groupe s'il souhaite s'exprimer sur ce vœu. Voilà, donc je vous en donne lecture intégrale. Alors il s'agit d'un sujet dont vous avez entendu parler dans les journaux, dont le groupe 100% Alluin, après la Sens Manoir et bien d'autres, a fait un peu son cheval de bataille. Moi, dans la mesure où le vœu m'a semblé constructif, c'est avec plaisir que je vous en donne lecture et nous verrons ensuite quelle attitude les différents groupes adopteront. Donc vous l'avez intitulé « Projet d'implantation d'une troisième éolienne sur la zone industrielle de Menin, vœu du conseil municipal d'Alluin ». Le conseil municipal d'Alluin prend acte de la volonté qu'ont nos amis belges d'intensifier le recours aux énergies renouvelables pour leur production d'électricité. Toutefois, il s'inquiète du projet de construction par la société Elicio, à la demande conjointe de la région flamande et de la province de Flandre occidentale, d'une troisième éolienne en zone frontalière à proximité d'habitations aluinoises. En effet, les deux premières éoliennes, édifiées en 2012, génèrent dans notre habitat urbain d'importantes nuisances. Du bruit porté par les vents dominants est mesuré rue de la Lys jusqu'à plus de 100 décibels. Les riverains sont tellement gênés qu'ils ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres à la belle saison. Des incidences de ce bruit sur la santé. Le brassage des poussières, possiblement toxiques, de la zone industrielle de Menin vers nos habitations. Mauvaise réception télé et internet. Nuisances visuelles. Diminution de la valeur des habitations. Depuis la construction des deux premières éoliennes, une association de riverains s'est créée et a organisé une pétition recueillant plus de 700 signatures qui, voici un peu plus d'un an, a été transmise au Parlement européen et à la Commission des pétitions, ça c'est moi qui l'ajoute.
Cette pétition demande le démontage de ces éoliennes, réalisées sans concertation et au mépris des réglementations européennes à 250 mètres des premières habitations françaises. En conséquence, le conseil municipal d'Alluin demande, premièrement, qu'une sérieuse étude d'impact soit réalisée sur le territoire d'Alluin en coopération avec la mairie de notre ville et les services de la métropole européenne de Lille afin de mesurer de façon précise les dommages engendrés par les deux premières. Deuxièmement, d'attendre qu'un avis soit rendu par les autorités européennes puis belges au sujet des deux éoliennes existantes avant de construire la troisième. Et ensuite, vous précisez que vous avez transmis votre vœu à Madame la bourgmestre de Menin, à Monsieur le bourgmestre de Bruges, gouverneur de la province de Flandre occidentale, à Monsieur le gouverneur de la région flamande, à Monsieur le bourgmestre de Tournai, président de l'Eurométropole de Lille-Courtrai-Tournai, que notre ami Lydie Vivier connaît bien, à Monsieur Damien Castelin, président de la MEL, que je connais bien, et à la société Elicio. Et vous précisez même, Madame Eblé, Monsieur Détailleur, que pour les trois premiers destinataires, ce vœu a été traduit en néerlandais. Ça, je suis sûr que ça leur a fait plaisir. Ah, c'est pas encore fait. Non, parce que le souhait, c'est que si ce vœu est voté par l'ensemble du conseil municipal, ce soit transmis à toutes ces personnes. Alors, vous avez bien fait de ne pas déjà traduire, parce que... Alors, je vous explique. Je vous donne tout de suite la position du groupe majoritaire. Nous en avons discuté. Pas du vœu en lui-même, parce que j'ai pas eu le temps de réunir le groupe là-dessus, puisque je l'ai reçu il y a quelques jours, et nous nous étions déjà réunis. Donc pas sur le vœu en lui-même. En revanche, nous avons déjà parlé dans le groupe de la rumeur, enfin c'est plus qu'une rumeur, hein, puisqu'il y a eu une réunion à Menin à laquelle participait Lydie Vivier, Yvan Aignon et Georges, je ne sais plus si tu as pu te libérer ou pas finalement, voilà. Moi, j'étais moi-même en réunion au même moment, donc je n'ai pas pu m'y rendre. Bon, donc c'est plus qu'une rumeur, hein. On sait que c'est une intention affichée par cette société. Bon, ce que je veux vous dire très clairement, et c'est la position du groupe majoritaire, c'est que, et vous le savez déjà, la municipalité d'Alluin, très officiellement, est contre l'implantation de cette troisième éolienne. Elle est même contre l'implantation déjà faite des deux précédentes, mais ça s'est fait lors du mandat précédent. Mais je vais avoir l'honnêteté de dire que mon prédécesseur n'y est pour rien. Elles ont été implantées en territoire belge, également par une société privée. Je pense que mon prédécesseur ne les a pas vues arriver non plus d'un très bon œil. Donc il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. Je pense que c'est une question qui dépasse les clivages. Nous sommes toutes et tous autour de cette table désireux que les Alluinois puissent vivre tranquilles. Et donc, au premier chef, ceux qui sont malheureusement les moins éloignés, non seulement des deux éoliennes existantes, mais également de la troisième qui serait bientôt construite si cette société belge met son projet à exécution. Je suis très clair, la municipalité d'Alluin, et très officiellement, ne souhaite pas qu'il y ait une troisième éolienne, et elle souhaite même, avec force, le démantèlement des deux premières. Et j'ai toujours soutenu Monsieur et Madame Losfeld, leur association et tous les riverains qui ont fait la pétition que vous évoquez dans votre vœu, qui ont introduit donc cette procédure auprès de la commission des pétitions au Parlement européen. Nous attendons le résultat de cette procédure. C'est long, c'est même trop long. Mais Monsieur et Madame Losfeld et tous les riverains ont le soutien total et entier de la municipalité. C'est la raison pour laquelle je vais proposer au conseil municipal, je vais demander dans un instant à Monsieur Corr et à son groupe s'ils souhaitent prendre la parole, mais je vais proposer, je vous donne d'abord la position du groupe majoritaire, je vais proposer au conseil municipal de voter votre vœu, parce que nous ne voulons pas de la troisième éolienne. Et encore une fois, si les deux premières pouvaient être retirées, nous serions très heureux. Mais je souhaite vous proposer de légers amendements. Et je souhaite recueillir votre avis là-dessus, parce que ce qui serait bien pour donner plus de force à votre vœu, c'est qu'on le vote à l'unanimité, bien sûr. Et vous avez bien fait de ne pas faire déjà la traduction, puisque je vais vous proposer des modifications.
Tout d'abord, la première phrase, lorsque vous dites « le conseil municipal d'Alluin prend acte de la volonté qu'ont nos amis belges d'intensifier le recours aux énergies renouvelables pour leur production d'électricité », c'est presque les excuser par avance. Moi, je pense que ce n'est pas utile. Bon, alors c'est peut-être mon métier d'avocat, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais quand on lutte contre quelque chose, il ne faut pas aller donner un argument positif à vos adversaires. Moi, je propose de commencer en disant « le conseil municipal d'Alluin, vous virez le reste et vous enchaînez par… » s'inquiète, c'est-à-dire vous enlevez le toutefois en dessous. Vous enlevez toutefois, et ça vous donne le conseil municipal d'Alluin s'inquiète du projet de construction, etc., etc. Dans la même phrase, donc s'inquiète du projet de construction par la société Elicio à la demande conjointe de la région flamande et de la province de Flandre occidentale d'une troisième éolienne, moi, alors vous dites en zone frontalière, mais je pense qu'il faut dire tout de suite qu'elle est en Belgique. Donc, d'une troisième éolienne sur le territoire belge en zone frontalière. Je pense qu'il faut dire tout de suite qu'elle est en Belgique, parce que sinon vous ne l'avez pas dit, à proximité d'habitations aluinoises. Bon, ensuite, quand vous décrivez les désordres que ça occasionne aux riverains, tout à fait d'accord, je pense qu'il faut le mettre, parce qu'il faut quand même montrer que ça n'est pas normal, tous ces troubles qu'ont à subir les habitants de notre ville. Donc je passe tout de suite à ce qu'on appelle, nous les juristes, le dispositif de votre vœu, donc à partir de « en conséquence ». Donc, « en conséquence, le conseil municipal d'Alluin demande ». Alors, premièrement, qu'une sérieuse étude d'impact soit réalisée sur le territoire d'Alluin en coopération avec la mairie de notre ville et les services de la métropole européenne de Lille, afin de mesurer de façon précise les dommages engendrés par les deux premières, là je vous propose de préciser éoliennes, qu'on comprenne quand même qu'on parle des deux premières éoliennes. Bon, c'est un détail, mais bon, ça va mieux en le disant. Alors, sur l'étude d'impact, moi je suis complètement d'accord. La mairie, vous dites, en coopération avec la mairie de notre ville, elle fera tout ce qu'elle peut, mais je tiens à indiquer, mais on ne va pas le mettre dans le vœu, ça je vous le dis verbalement, nous ça sera dans la mesure de toutes nos possibilités financières, parce qu'une étude d'impact, ça peut coûter très très cher, donc moi je ne vous promets pas que je vais aller mettre des dizaines de milliers d'euros. Bon, M. Détailleur me dit tout de suite qu'il est d'accord, et j'ai vu que M. Corr a marqué son accord également, je ne me trompe pas, bon. D'un geste de la tête. Bon, donc on est bien d'accord là-dessus. Mais par contre, oui, on peut essayer d'obtenir un concours de la MEL, pourquoi pas. Bon, on va essayer. Il n'y a pas beaucoup de sous là-bas non plus, mais enfin bon, bref. Alors, deuxièmement, d'attendre qu'un avis soit rendu par les autorités européennes, bien sûr, puis belges, au sujet des deux éoliennes existantes, tout à fait d'accord. Par contre, quand vous mettez « avant de construire la troisième », moi, je propose d'enlever ça. Avant de construire la troisième, je propose d'enlever parce que moi, je ne veux pas qu'elle soit construite. Donc, on aurait d'attendre qu'un avis soit rendu par les autorités européennes puis belges au sujet des deux éoliennes existantes. Point. Là, je propose un point. Et je propose même de rajouter un troisièmement pour bien enfoncer le clou qui dirait, et là, notez bien parce que c'est une proposition d'amendement verbal. Donc, si tout le monde est d'accord, il va falloir que vous le rédigiez parce que vous êtes là. Donc, moi, d'ajouter un troisièmement. Donc, vous aviez en chapeau, le conseil municipal d'Alluin demande. Le conseil municipal d'Alluin demande, et on dirait, troisièmement, il demande aux autorités belges de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la troisième éolienne ne soit jamais installée. Point. Parce que les autorités belges, les autorités, j'entends par là les élus, etc., nous disent, c'est une société privée, on ne peut rien faire. Et moi, ce que je leur demande, c'est d'essayer d'utiliser leur le poids politique, parce que bon, c'est sûr que les textes ne leur permettent pas de faire. C'est vrai que c'est une société privée. En revanche, chacun sait qu'un maire chez lui peut avoir peut-être une petite influence, en tout cas son mot à dire. J'ai d'ailleurs, parce que je me suis informé, mes adjoints qui étaient présents m'ont fait un retour de cette réunion, de cette fameuse réunion à Menin, où vous étiez présents, au moins M. Détailleur et Mme Eblé. Moi, ce qu'on m'a rapporté, et je ne sais pas si vous confirmez, mais bon, mes adjoints me disent toujours la vérité. Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est que même les citoyens belges qui habitent Menin, qui étaient présents, sont contre l'implantation de cette troisième éolienne. Vous confirmez? Bon. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander le concours des autorités belges, même si c'est vrai que c'est une société privée. Et quand Madame la bourgmestre de Menin me dit, parce que j'en ai déjà parlé de vive voix,
J'espère qu'elle m'en voudra pas trop d'en parler, mais nous travaillons en très bonne intelligence et vraiment, nous avons de très bonnes relations avec la mairie de Menin et c'est nécessaire pour les dossiers aluinois. Et j'entends bien que ça continue. Mais moi, quand je lui en ai parlé verbalement, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle se sentait assez impuissante parce que c'est une société privée qui est concernée. Elle m'a dit ne pas avoir les moyens juridiques d'agir, mais néanmoins, elle n'ignore pas que certains de ses administrés sont contre ce projet de troisième éolienne et n'en veulent pas. Donc je pense que si on s'y met tous ensemble... Oui, Madame Eblé. Est-ce que vous seriez d'accord sur les propositions de modification avant que je donne la parole à Monsieur Corr? Alors, je vous remercie de bien vouloir passer ce texte au vote du Conseil municipal. Vos amendements nous conviennent tout à fait. Juste une ou deux petites précisions. Ce n'est pas la société Elicio qui décide de construire une troisième éolienne. Elle fait ça sur la demande et de la région flamande et de la province de Flandre occidentale. La société Elicio ne décide rien, elle exécute. C'est ce qui nous avait été dit en début de la réunion, mais vos colissiers étaient arrivés un peu en retard. Donc, en même temps, il faut faire vite, parce qu'il y a eu déjà deux enquêtes publiques qui se sont terminées en janvier. Et le conseil municipal de Menin doit se réunir dans le courant de février pour donner avis favorable ou défavorable. Et la construction est prévue déjà en avril. Donc nous devons vraiment aller vite. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de donner une copie de ce vœu justement aux décideurs, c'est-à-dire la région flamande et la province de Flandre occidentale. Et il faut traduire ces documents en néerlandais parce qu'ils sont très chatouilleux. Alors, on va peut-être, parce que l'heure est très très avancée, il est 23h moins... Allez, vas-y, mets le micro alors, Jean. Ouais, je fais. Voilà, j'ai reçu un mail à 16h20 d'un ami qui est un ancien artisan à Menin. Donc il me dit, salut Géo, ce matin en lisant le journal, j'ai lu un article sur la fameuse éolienne dans le bas chemin à Menin. La bourgmestre et le collège Eschvinal de Menin ont donné un avis négatif à la construction. Naturellement, le dossier est parti maintenant au gouvernement flamand et on attend maintenant l'avis du ministre flamand de l'Environnement. Quel sera son avis? Si j'entends plus d'informations à ce sujet, je te laisse savoir. Compliments. Voilà. Voilà, lecture. Alors, qui t'envoie ça exactement, sans dire de nom peut-être, mais... Ah, un artisan méninois. Bon, d'accord, parce que cet artisan... Donc, il réside à Menin. Il est connu, il a même été Monsieur Carnaval. Mais donc, c'est quelqu'un de très implanté dans... Non, mais pour vous dire... C'est quelqu'un de très implanté dans la vie associative. Il est plus implanté que la troisième éolienne, en tout cas, et c'est tant mieux. Alors... Non, mais je... S'il vous plaît. Bon, on a le président. S'il vous plaît. Attends, il faut éteindre ton micro, Georges, s'il te plaît. Ouais. Merci. Bon, alors, merci pour cette précision qui est effectivement très intéressante. Non, mais si je pose cette question, c'est que... attendez, c'est quand même très sérieux parce que l'artisan de Menin, il donne quand même une info très importante... qui dit que la bourgmestre de Menin, la ville de Menin, s'est prononcée contre. Donc j'espère que les informations sont exactes, parce que je ne veux pas qu'on soit accusé de donner des fausses informations, parce que si ce n'était pas le cas, la bourgmestre de Menin m'en voudrait beaucoup, beaucoup. En tout cas, si cette information est exacte, nous nous en félicitons tous, je pense, sur ces bancs, et nous remercions, dans ce cas, Madame le bourgmestre de Menin, et la ville de Menin et les élus meninois d'avoir pris cette position, parce que là, on serait les deux villes contre le projet de construction d'une troisième éolienne. Et je pense que ce sera une très bonne chose que ce vœu soit voté à l'unanimité avant que les élus de Menin ne se réunissent formellement, puisque c'est prévu. Voilà. Donc je note, Madame Eblé, en tout cas, que vous êtes d'accord sur mes propositions de modification. Donc, Monsieur Leleu... Pour vous rassurer un peu, je vais vous donner puisque je les avais écrites à la main, donc je vais vous donner mon exemplaire. Mais attention à mon écriture, par contre, vous viendrez me voir s'il y a le moindre doute. Monsieur Corr ou votre groupe, parce que vous pourriez avoir
Vous aussi, des propositions de modifs ou des... Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Des propositions, nous aurions aimé pouvoir en faire, effectivement. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Nous allons voter ce vœu avec vous. Toutefois, il y a quand même un bémol par rapport à la procédure qui est utilisée. Nous venons de découvrir le texte. En début de conseil. Oui, non, mais apporter des modifications sur un texte sur lequel on doit se positionner tout en vivant un conseil municipal de 4 heures, excusez-moi, mais globalement, je veux dire, à l'ère du numérique, j'aurais particulièrement aimé recevoir le texte en amont, ne serait-ce que par respect pour les membres de mon groupe et pouvoir échanger avec eux. C'est dommage que vous polémiquiez sur la moindre chose. Non, attendez, je polémique pas. Attendez, deux secondes, je polémique pas du tout. Ou vous. Ça s'appelle au contraire avoir le sens de la responsabilité. En gros, ça veut dire qu'on nous demande un avis sur un texte qui va ensuite devoir partir, pour lequel je n'ai pas eu l'occasion d'échanger réellement avec mon groupe. Je ne polémique pas, c'est juste que c'est une procédure. Et j'ai commencé mon intervention en disant que nous voterons avec vous le vœu. Donc, je veux dire, comme ça, le voile est tout de suite levé. Et ce n'est pas à l'encontre de vous, monsieur le maire, c'est bien par rapport à 100% à l'UIN, où j'estime qu'on aurait pu nous envoyer le texte, parce que l'affaire des amendements, si vous avez eu le texte depuis, si j'ai bien tendu l'oreille, depuis mercredi dernier, vous avez eu le temps de le faire. Moi-même, si on me l'avait envoyé il y a deux jours, j'aurais pu le faire. Non, mais attendez, soyons clairs. Madame Eblé dépose un courrier à la mairie, alors je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi, mais peu importe, dans mon esprit c'était fin de semaine dernière. Mais il faut savoir qu'entre le moment où elle le dépose et le moment où j'en prends connaissance dans mon bureau, il peut y avoir plusieurs jours. Moi, si vous voulez, alors si vous n'aviez pas l'intention de polémiquer, je veux bien retirer ce que j'ai dit, dont acte, puisque vous allez le voter, et c'est l'intérêt des Aluinois et c'est l'intérêt de tout le monde, donc tant mieux, on ne va pas épiloguer. Moi, simplement, je veux que vous soyez convaincu, monsieur Corr, de ma parfaite bonne foi dans cette affaire. Moi, je connais plus d'un maire. Qui aurait même, jugeant que ça lui a été communiqué tardivement, ne l'aurait même pas évoqué en conseil municipal, comme c'est son droit. Moi, j'ai utilisé là une possibilité, vu le court délai, j'ai utilisé la possibilité qui nous est offerte d'amender en cours de séance, parce que ça me paraissait être la meilleure des solutions. Bon, après, voilà, moi, je fais de mon mieux. Je me suis dit, voilà, c'est une démarche qui m'est apparue constructive de la part de M. Détailleur et Mme Eblé. J'aurais pu faire comme vous et leur dire, vous me l'avez amené trop tard. Mais j'ai pas choisi de faire ça. Je me suis dit, ça m'a fait pourtant du travail supplémentaire, ça m'a fait de la dernière minute et tout. Mais je me suis dit, on va le passer quand même. C'est dans l'intérêt des Aluinois. Bon, Monsieur Détailleur, vous avez le. Attendez, je n'ai pas terminé mon intervention quand même. Ah, si, elle était terminée. Attendez, maintenant. Excusez-moi, non. Non, je n'avais pas terminé mon intervention. Si vous pouviez faire vite, c'est vous qui venez de me couper la parole, monsieur le maire. Vous aviez terminé. Je redis que nous allons voter pour ce vœu. Je redis, encore une fois, je pensais avoir été clair, mais manifestement ce n'est pas le cas, que ma remarque ne vous concernait pas, monsieur le maire. Vous la prenez pour vous, alors que c'est à l'égard du groupe que je pense que le groupe 100% élu aurait pu nous l'envoyer. Maintenant... Nous allons la voter en ayant toujours à l'esprit quelques remarques quand même, que les nuisances qui sont réelles et qui se retrouvent sur ce document, je voudrais rappeler qu'il y a aussi d'autres nuisances que les éoliennes, d'autres causes que les éoliennes qui causent des nuisances. Il faudrait voir non plus à pas trop se focaliser sur les nuisances et sur les éoliennes. Excusez-moi, mais la circulation rue de la Lys ou certaines entreprises privées et côté belge, notamment aussi, créer des nuisances sonores, créer d'autres problèmes. Donc attention, dans cette époque où je pense qu'il est important d'avoir quand même à l'esprit, et la COP21 qui a eu lieu récemment nous l'a rappelé, où il y a eu unanimité sur l'utilité de se tourner vers des énergies renouvelables, moi je pense, mais encore une fois, je me fais le porte-parole du groupe, je pense que nous sommes bien d'accord pour dire que ce vœu ne veut pas dire que nous sommes contre les énergies renouvelables, que nous sommes
contre les éoliennes, parce qu'excusez-moi, j'ai pas non plus envie de voir fleurir des centrales nucléaires ici et là pour la production d'électricité. Vous comprenez ce que je veux dire, les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières, vous le savez comme moi, monsieur le maire. Donc, je le dis encore une fois, attention, le sens du vœu, c'est bien non pas de dire non aux éoliennes, à l'idée des éoliennes et des énergies non renouvelables, mais bien de faire en sorte que tout projet d'implantation d'éoliennes soit bien suivi, voilà, j'ai envie de dire, d'un strict suivi des normes et du respect des gens et des Aluinois, des Meuninois aussi, bien sûr, mais des Aluinois aussi. Moi, je prends acte de l'information en espérant effectivement qu'elle est vraie par rapport à la bourgmestre de Menin. Mais je le redis, personnellement, nous sommes pour les énergies non renouvelables. Nous ne sommes pas contre les éoliennes. Nous sommes pour le respect des gens, respect des Aluinois au moment de l'implantation des éoliennes. Donc nous allons voter pour ce vœu avec vous dans cet esprit-là. Merci, monsieur Corr. Et je note que votre remarque n'était pas dirigée contre le maire ni contre la majorité, mais que c'était une remarque que je suppose amicale à l'endroit de monsieur Détailleur. Juste un mot, monsieur Détailleur. Oui, vraiment, moins d'une minute pour préciser à Laurent Corr, il le sait bien, le rôle d'opposant n'est pas du tout facile. J'en profite pour remercier d'ailleurs la démarche de monsieur Dassonville, tout à fait positive et qui l'honore. Et nous sommes très heureux de constater qu'il va y avoir dans un instant unanimité. Mais vois-tu, Laurent, ça s'est fait extrêmement vite. Marie-Paul était présente d'ailleurs avec Madame Després, là, c'est bien Madame Després, donc à la réunion qui s'est tenue à Menin, puisqu'elle est parfaitement néerlandophone. C'est vrai qu'on s'est fortement mobilisé là-dessus. Pour être sincère avec toi, on ne savait pas quel accueil serait fait à ce projet. On a connu, il n'y a pas si longtemps que ça, des questions auxquelles on n'avait pas apporté de réponse, etc. Donc on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Mais on est très heureux de voir, je le répète, la démarche d'ouverture positive de la majorité. Mais en même temps, je fais amende honorable, c'est vrai qu'on aurait pu te le faire parvenir. Ça, je l'avoue. Donc voilà, mes plus plates excuses. Mais sincèrement, il faut vraiment savoir que voilà, c'est toujours très délicat, tu le sais bien, quand on est dans l'opposition. Voilà, ben, je te remercie. Donc nous allons voter pour ce vœu, comme je l'avais dit, et je ne l'ai pas précisé, mais accompagné de vos amendements, monsieur le maire, bien sûr. Je l'avais compris ainsi, mais vous avez raison, ça va mieux en le précisant. Très bien, eh bien, je soumets ce vœu amendé tel que je l'ai proposé au vote du Conseil, qui est pour son adoption. Et donc, je vous confirme qu'il est voté à l'unanimité du Conseil. Et avant de vous souhaiter une bonne soirée et de clore la séance, on me fait remarquer, je ne l'avais même pas remarqué moi-même, mais que ce soir, 100% des délibérations ont été adoptées à l'unanimité. Ce qui démontre que la majorité avance et qu'apparemment, elle travaille bien. Je vous remercie. Bonne soirée.